Salut Sus, bienvenue à bord. Bienvenue, bienvenue. Comment vas-tu Alors, tu tiens à signaler de la puissance mensongère. Ce stream était annoncé pour le vendredi 19 novembre. Or, oh, le vendredi 19 novembre, c'est en 2027. Ah merde. Mais euh, 2027 a été annulé hein, pour cause de fin des temps. Donc euh, on a dû avancer la date. Hein. C'est tout. Il y a une explication logique à tout ça. Donc on ne t'a pas renseigné complètement sur cette affaire. Il n'y aura donc pas d'année 2027. Ça n'est donc pas la peine de prévoir un remboursement bancaire ou un truc de ce genre pour, pour cette date. D'ailleurs, c'est pas la peine de rembourser quoi que ce soit puisque de toute façon. Les temps euh, s'arrêtent l'année prochaine et on sera tous assez soulagés finalement. Et oui et oui, mourir sera un immense soulagement. On a encore le temps de faire quelques petits lives. Hein. suis d'avoir raté ce live ouais d'un autre côté euh, comme euh, je vais euh, devoir me concentrer énormément sur euh, cette conf euh, je vais être un peu moins au taquet sur euh, les réponses dans le chat donc ça tombe pas si mal hein, parce que il euh, ya quand même un énorme boulot sur ce live hein, à faire on ne s'est pas gagné je pense qu'on en a pour un petit moment ensemble et euh, si j'avais dû avoir une vraie conversation euh, de chat on n'irait pas au bout du truc la conférence dure quand même 40 minutes. Donc je pense qu'on est sur un live. Euh, allez, on va être optimiste. Un live de 4 heures minimum. Bah ouais. On n'est pas couché, non, pas vraiment. Non. non, mais ça fait un moment que je prépare ce truc. Ça fait euh, euh, quelques mois en fait. Ça fait quelques mois. Dans 40 heures, peut-être pas. Mais. Euh, la réalité est quelque part entre 4h et 40. Hmm. Ah, il va peut-être me falloir des mouchoirs. Je vois que euh, j'ai le nez qui coule, bah ça promet ça, moi j'ai cherché des mouchoirs. Euh, Je te laisse euh, le, le chat, accueille les jeux. <laughs> On patiente un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme décalage de temps Que je vois un petit peu le délai. 3,28, 3,20. Oh, pas terrible. On est sur du 8, entre 8 et 9 secondes. Bon, ça va. Ça va. Pour bon, une fois, les réponses ne seront pas trop décalées avec vos questions. Salut à toi Mad Monkey, bienvenue à bord. Mad Monkey 21. Il y a donc 20 autres Mad Monkey Ou ça n'a rien à voir Pourquoi 21 Je n'ai pas obligé de répondre. C'est peut-être un secret. Bonsoir, alors là j'ai enlevé mes lunettes donc j'ai l'impression que c'est Freddy qui est là. Salut Freddy. Oui c'est ça, c'est Freddy. Bienvenue Freddy. <laughs> c'est ça. J'ai fait des annonces moi pour le vendredi 19. Hein. Donc j'ai merdé comme d'hab. C'est quoi C'est sur l'Insta que c'est comme ça que c'est euh, que je regarde les conneries que j'ai faites. Je suis un gros débile moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait Je vérifie si c'est vraiment ça. Si j'étais assez stupide pour faire ça. Ah oui, j'ai vraiment fait ça. <laughs> Mais quel con Quelconque, con bah quel sur l'Insta aussi suis puisque j'ai fait la même vignette pour un peu partout. Donc voilà. Alors il y avait trop de mad monkey, il fallait que tu un truc pour que ce soit validé. Donc j'ai mis 21ème pour le siècle, d'accord. Je suis le seul Mad monkey du 21ème siècle. Tous les autres sont des vieux vieux mad monkey du 20e siècle. Je coupe pour me moucher, je vais pas vous imposer mes bruits. Voilà. Mmh. Un certain sort du sabotage, quand même, cette annonce foirée sur la date. Je ne sais pas ce que <laughs> vous en pensez, mais c'est un peu ridicule. Eh ben, tant pis. C'est pas grave hein. Voilà, voilà, voilà. Tu es comme docteur Who. Tu as plein d'autres incarnations et on peut tomber sur elles dans les méandres du temps. D'accord. En l'occurrence, d'internet. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, ce soir, c'est un live consacré à un, une conférence de Ducrot. Euh, cette euh, conférence, en vérité, est un prétexte pour vous parler de tas d'autres choses. Hein. C'est euh, l'idée, c'est essentiellement. Euh, de euh, vous parler du conservatisme dans un sens plus général et de voir comment on fonctionne le discours conservateur, quelles sont ses hantises, ses obsessions, sa conception de l'art, euh, etc. Ça va être un live assez copieux parce qu'en dehors du, euh, du React à proprement parler sur la conférence de Jérôme Ducrot, on va écouter de la musique. Bah, il y aura quelques petits points de lecture, je vous ai amené quelques bouquins. Donc on est là pour un moment. Et euh, ça veut dire aussi qu'il bah, va falloir déjà commencer par situer tout ça. Tu es, tu es de 86, hein, Mad Monkey. Voilà, là hein. quelle jeunesse, c'est incroyable. Alors, déjà, je vais vous situer un petit peu ce qui se passe, ce que nous allons écouter. Nous allons écouter donc une conférence, pas à pas, qui doit durer une quarantaine de minutes. Elle va être beaucoup coupée, beaucoup interrompue. Hein. Je vais ponctuer ça de remarques. Que j'essaierai de garder, je dirais, calme. Il ne faut pas s'énerver. Pourtant, beaucoup de sottises sont dites avec beaucoup d'arrogance, vous le verrez. Et euh, cette conférence, déjà, on va la situer ça se passe en 2012. C'est en décembre 2012, le 20 décembre 2012. Et Jérôme Ducroux, qui est un pianiste et un compositeur, j'allais dire contemporain, mais on verra ce que ça peut vouloir dire. Euh, il a donné au Collège de France, dans le cadre euh, de la chaîne, euh, de la chaire, pardon, à la chaire de création artistique de Carole Beffa. Donc Carole Beffa, c'est, je ne sais pas si c'est son mentor ou simplement un ami, mais en tout cas, euh, à l'époque, c'est lui qui a la chaire de création artistique à, au Collège de France. Et il donne une conférence qui est intitulée La tonalisme et après. Et dans cette conférence, il compare les moyens discursifs du langage dit tonal et... Des langages, c'est le terme qu'il emploie, langage, c'est pas moins, hein, non tonaux. Il dit atonal, il parle d'atonalisme. Et il le fait en donnant largement l'avantage au premier, et il considère par ailleurs le retour de la tonalité comme inéluctable. C'est ce que nous dit la Wikipédia pour donner un peu le cadre, en gros. Quoi. Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu au carré sur les notions de tonalité ou d'atonalité. Euh, si vous voulez qu'on fasse un point là-dessus, on peut en parler, enfin, ce n'est pas, pas obligé. On peut peut-être peut brosser ça à grande ligne pour voir pourquoi c'est si important pour Jérôme Bucro euh, de faire une conférence là-dessus. Et euh, peut-être pour nous, si vous n'êtes pas trop euh, au fait là-dessus, de mieux voir ce que ça veut dire à chaque fois qu'on empruntera le les mot euh, tonal ou le mot atonal. Euh, C'est pas comme les deux pôles hein, d'une de, même structure, euh, enfin, ils ont pas la même valeur de part et d'autre de la comparaison. À proprement parler, il n'y a pas un système qui s'appellerait le système tonal, dans, dans, qui serait déclaratif, on dirait, qui se serait dit à un moment euh, nous faisons, nous allons faire, euh, voici euh, le, le cadre spécifique de la musique euh, dite tonale. Euh, on... Alors qu'on peut prononcer, on peut dater à un certain moment de façon claire une attitude, une, un ensemble de décisions compositionnelles, musicales, euh, qui vont marquer le départ d'une musique dite atonale, même si, par ailleurs, le morceau de musique, euh, les morceaux de musique qui vont inviter à parler de musique atonale, euh, c'est-à-dire les morceaux de Schoenberg, euh, pour commencer cette aventure, ne sont pas considérés par lui comme atonales, ce n'est pas un terme qu'il aimait il préférait le terme de pantonale considérant qu'il euh, se plaçait pas contre euh, la tonalité, mais plutôt comme une espèce d'hypertonalité pour changer euh, la façon de structurer la musique. Voilà. Alors, euh, déjà, donc, première question, est-ce que vous voulez que je vous bise rapidement ce que c'est que la musique euh, atonale et la musique tonale, où on peut euh, d'emblée avancer On peut aussi tout simplement faire un point plus tard euh, au, cours de, au cours de notre balade, euh, peut-être à un moment où ça pourrait être euh, important de bien comprendre de quoi on parle Notamment parce que Ducroub a beaucoup s'accompagner au piano en donnant des exemples. Et pour comprendre ce que ces exemples ont de significatif, peut-être qu'à ce moment-là, il vaudra mieux piger de, de quoi il s'agit. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de nécessité, en tout cas, à faire ça. D'autant que sur ces questions euh, tonales à tonales, euh, il y aura des lives, je pense, sur la chaîne de l'entortillé. Il y a un truc... Euh, qu'on voudrait mettre au point avec euh, l'un d'entre vous, Braunberg, qui est musicologue et qui avait l'air assez OK pour euh, un de ces quatre, se faire un petit live consacré uniquement à ces questions. Et à mon avis, euh, Agnès fera ça beaucoup mieux que moi sur sa chaîne euh, Lantortis. Mais bon, comme c'est des notions qu'on qu va revoir, euh, au cours du live, on va forcément en parler. Alors, pour en parler sans en parler, c'est pour vous parler sans vous décrire euh, ce système. Je peux déjà vous dire un truc. Salut, my name is Metos. Salut, salut. Il n'est pas nécessaire euh, de se focaliser sur ce système, comme s'il qu était euh, universel ni euh, généralisé. C'est un Système, c'est une construction hiérarchique. Hein, le, le système dit tonal qui est basé sur des points d'appui, c'est pas le seul. Les systèmes modaux sont aussi basés sur des points d'appui. Mais il existe des tas de formes de, de musique qui ne sont ni tonales ni modales. Hein. Je pense que les, les musiques arara euh, d'Amazonie, on en écoutera un peu ensemble, ne, ne, ne doivent rien à cette conception de la musique. Donc c'est pas forcément une nécessité. Euh. Et puis surtout, c'est pas non plus un système au sens où nous l'entendons aujourd'hui qui est très euh, très ancien. On dire la, la forme sous laquelle on le connaît, elle est plutôt tardive. Hein. Elle est, euh, le, le, la nécessité de tempérer, par exemple, euh, notre système euh, et de prendre une forme théorique vraiment établie, c'est au 17e, pas avant. Et puis, euh, ça va vraiment prendre corps, euh, surtout. Euh, pendant deux petits siècles avant que ça se désagrège et que ça cesse d'intéresser peu à peu tout le monde. De ça, nous pourrons parler si ça vous intéresse. Ce que je vais faire juste rapidement, je vous ai amené euh, quelques lectures qui vont poser le cadre de la, la musique euh, le, schoenbergienne, de comment, comment naît la musique euh, dite atonale. Donc, euh, je vous ai choisi. Alors, il y a un petit passage sur Loulou de Berg, mais. Euh, c'est peut-être pas, euh, peut pas passionnant. Je vous lis un petit extrait d'un bouquin qui, dont vous devrez peut-être vous encombrer si vous voulez connaître un peu l'histoire de la musique. C'est la fameuse histoire de la musique de cette euh, vieille cochonnerie hum inhumaine de Lucien Robatet, qui fut un abominable collaborationniste antisémite, mais pour autant un excellent psychologue et un analyste avisé de son siècle et de la musique de son siècle. Et aussi curieux que ça paraisse, puisque généralement la plume des, euh, des euh, fascistes est plutôt trempée dans le pire du conservatisme, C'est pas le cas, cher Bateu, qui a de l'oreille pour la modernité, je dirais même pas mal d'oreilles, et euh, c'est ainsi. Euh, Peut-être que son antisémitisme est juste un héritage de Wagner, <laughs> je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit à propos de, de Schoenberg euh, dans les dix années qui suivent, Schoenberg va devenir le musicien de l'atonalité, donc en un seul mot, atonal, atonalité, un terme qu'il n'aime pas d'ailleurs. Il le trouve imprécis et contestable dans le détail de l'analyse. Stravinsky a bien remarqué que notre oreille, en s'exerçant, finit par nous procurer une écoute tonale de certains fragments des Trois Viennois. Alors les Trois Viennois, c'est Schoenberg, Berg et Webern. Salut à toi, Louisa. Il parle de la suspension des fonctions tonales. Donc ça, c'est tout à fait autre chose. Euh, donc, de ça, on pourra causer si on aborde la question tonale à tonale de façon un tout petit peu plus théorique tout à l'heure. On verra. Euh, ça dépend vraiment que de votre désir. Hein, on peut ne pas se perdre là-dedans. Le système tonal est devenu impuissant à encadrer les conquêtes du chromatisme, déjà décisives chez Wagner et qui n'ont cessé après lui de se diversifier et de s'étendre. Schoenberg abolit l'interdépendance des notes entre elles et, du même coup, toutes les notions de tonique, dominante, sous-dominante qui sont les points d'articulation de notre système tonal si vous voulez une espèce de, de préparation euh, pour aller d'un point à un autre qui sont propres à notre système. il traite les douze sons de la gamme chromatique sur un pied d'égalité. donc, les, à partir du moment où on décide euh, de notre petite gamme euh, diatonique de l'étendre, de l'ouvrir, de, de la disséquer en douze demi-tons euh, supposés égaux entre eux, et je dis « égaux » entre eux parce que, d'un point de vue théorique, ça n'est qu'une supposition et qu'il faut corriger, en fait, ces écarts qui ne sont pas si réguliers que ça, que c'était des vieilles hypothèses antiques pour produire, par exemple, un clavier de piano, le tempérer euh, quinte par quinte. Alors, j'espère que tu as prévu un réservoir de thé suffisant pour tenir jusqu'à la fin du stream, il va en falloir. Quoi. Tout, alors, il traite les douze sons de la gamme chromatique sur le pied d'égalité. Ce « total chromatique ». On y allait lentement avec Wagner quand même, hein, par un hyperchromatisme, on partait un peu dans, dans toutes les possibilités de s'écarter de ce fameux ton sur lequel reposaient, euh, on va dire euh, hypothético-théoriquement, les constructions musicales depuis euh, grosso modo le 17e, parce que avant il y a d'autres systèmes qui président et le système n'est pas vraiment complètement défini. Hein. Il apporte une solution radicale et cohérente au problème de l'extension et de la libération du langage sonore que les meilleurs avaient tenté de résoudre depuis 50 ans par un retour au mode. Parce qu'il n'y a pas que la musique tonale, il y a aussi la musique modale. Alors, des musiques modales, il en existe plein. Il y en a encore aujourd'hui des très fécondes. Hein, la musique, les ragas indiens, par exemple, sont, euh, sont des, des musiques tonales. Donc le le raga, c'est un assemblage, euh, on va dire, hiérarchique de propositions à la fois poétiques et sonores euh, védiques, euh, c'est-à-dire des, des invitations à composer la musique de telle ou telle manière, selon, selon des modes pour le faire, qui ont tous un sens symbolique. Mais euh, les musiques arabes aussi sont basées sur des systèmes euh, modaux. Donc, il n'y a, a pas que nos propres modes. Nos propres modes, par exemple, historiques, euh, se développent beaucoup autour du 9e siècle pour euh, penser euh, et construire la musique grégorienne, par exemple. Voilà, tout simplement. Les modes passent et le style est éternel. Bravo, le premier calembour de merde de la soirée. Merci, c'est très gentil. J'aurais été assez malheureux que nous n'ouvrions pas euh, ce, ce live. What an incredible ah. calembour <laughs> J'ai foutu les animes en arrière-plan, il ne faut pas, faut pas que je fasse ça. Hein. ça y est, je l'ai remis en avant-plan. Alors, donc que d'autres avaient tenté de résoudre euh, par un retour en mode, pour certains, par la polytonalité, pardon. Euh, oui, il y a des gens comme Ravel, comme Debussy qui vont revenir à des gammes partout, on, des choses comme ça. Par l'inspiration folklorique qui n'étaient que des demi-mesures. Alors il y a plein de, de compositeurs qui vont travailler en ayant euh, effectivement en faisant des pas de côté pour la rechercher ailleurs. Bon, vous connaissez forcément la musique de Gashwin qui va chercher euh, dans, dans le jazz, mais il y a la musique de, euh, de Bartok qui va chercher dans des, des musiques de l'est, comme euh, avait pu le faire en leur, en leur temps des gens comme Chopin ou Liszt, euh, qui n'étaient que des demi-mesures dont on voyait bien le bout malgré l'intérêt et la beauté des œuvres qu'elles avaient fait naître. Schoenberg pouvait avec raison. Opposer sa logique aux hésitations de la majorité des compositeurs, s'autorisant la dissonance à l'intérieur de la tonalité, parce que c'est l'une des conséquences de l'abdication du système tonal, c'est qu'effectivement, vous comprenez bien, salut à toi ZFDC, je suis content de te voir, ça me fait plaisir. Sachant que le système tonal, on le pense beaucoup dans sa verticalité, c'est-à-dire dans la construction d'un accord, on se dit, ah ben bah voilà, ça, ça sonne de façon dissonante ou au contraire euh, consonante. » mais. Il n'y a pas vraiment de différence dans une construction tonale entre le dépliement dans le temps de la mélodie et l'accord. La vérité, c'est que les, euh, les, les tons principaux sur lesquels repose la tonalité peuvent s'assembler euh, dans un même punctus, et là nous avons un accord, ou se déplier dans le temps, et il constitue la mélodie. C'est des, des points d'appui, si vous voulez. Ils peuvent être verticaux, hein, l'accord, ou horizontaux, euh, la mélodie. Et euh, ça veut dire aussi que des musiciens comme Schoenberg, eh ben, ils vont devoir trouver d'autres façons de structurer leur musique puisque on peut plus procurer les attentes habituelles de l'auditeur qui, qui sait plus ou moins ce qui va arriver dans le système tonal il a une faça, il a une possibilité d'anticiper le, le son qui vient parce qu'il est familier de ce système parce que ça repose sur une série de conventions dans lesquelles il est prise dans un système atonal où le, le, on déplie complètement la gamme la gamme chromatique si vous voulez les 12 demi tons en question euh, il faut trouver d'autres moyens donc ça peut être l'expressivité c'est la raison pour laquelle les, les musiques euh, euh, dodécaponiques, de donc à des douze tons, euh, sont si surexpressibles au départ. Les premières musiques atonales ont tendance à être très expressionnistes. C'est un autre moyen de, de produire de la structure par l'expression. Mais il euh, y a aussi la composition, on va dire, à l'intérieur des douze sons, d'une autre forme de régularité. Comme par exemple un mode d'enchaînement propre de euh, ces douze demi-tons euh, qu'on va retrouver en composant donc des séries. Vous avez sûrement entendu parler des musiques sérielles donc qui, qui basent sur des séries de ces tons et ça produit d'autres produit formes de l'attente. C'est une autre façon, tout simplement, de structurer euh, l'attente musicale et un, un certain type de rapport avec les auditeurs et les auditrices. Alors, donc ça, c'est pour le, la petite notule rapide. Je vous ai pris un autre bouquin. Rapidement, on va continuer, juste pour définir un petit peu la situation, hein, de... parce que on va quand même entendre un zozo parler d'atonalisme et d'atonalité pendant 40 minutes, c'est plutôt pas mal. Euh... Mais écoute, oui, ça me fait plaisir, du coup, de pouvoir te voir là, en temps réel, Guillaume, ça me fait plaisir. Claude Dalif, c'est un compositeur dont je suis fou, j'ai eu même le bonheur et euh, de le rencontrer et d'échanger quelques mots euh, par courrier avec lui et euh, de le voir en concert régulièrement. Euh, ce petit génie, a écrit un bouquin assez cool qui s'appelle ⁇ Voyage de mon oreille ⁇ C'est un homme très doux, il y a beaucoup de douceur dans son livre. Et ça m'intéresse donc de, de vous lire deux petits passages de, de Balif où il évoque cette musique. Et aussi ce qu'il pense d'une façon générale du des, des, des système. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, le système de la musique Il le rapproche d'une recette de cuisine avec un petit peu, une petite touche d'ironie. Il dit à propos donc, de, de certaines pièces de, de ce début du XXe siècle qui font sauter euh, c'est important que vous le conceviez, euh, parce que vous verrez que Ducrot va jouer des toutes petites séquences, extrêmement courtes, des euh, systèmes qu'il veut démolir. Donc quand il veut démolir Schönberg, ou il va le faire, je crois, euh, euh, avec euh, Courtag, euh, enfin, je ne sais plus qui il va jouer, euh, j'ai mis la petite liste de ce qu'il joue, euh, Donatoni, un Courtag, ouais. moi j'aime beaucoup Courtag. Il le fait toujours sur des séquences très courtes, ce qui est d'une extraordinaire iniquité, puisque le, les constructions exigent, pour être sensibles à leur structure, de les laisser s'étendre dans, dans leur durée propre. Voilà ce que dit Balif. Quand on songe que le concerto opus 24 de Webern, qui est une rêverie sur trois notes, utilise les mêmes intervalles, donc l'espace, si vous voulez, entre deux hauteurs, hein, sur votre, votre échelle, sur votre, votre gamme, et la même cellule de base, donc les, plutôt que de travailler sur la série suivie de 12 de demi ton comme le faisait Schoenberg avec un type d'organisation de son choix, Webern avait l'idée de travailler plutôt par petits paquets groupés de trois ou quatre notes, euh, multipliés donc par quatre qui procurent l'espace immédiat des douze tons, que le Quatuor opus 133 de Beethoven et la symphonie en ré de Franck. Donc il utilise des formules finalement qui sont déjà au travail dans notre musique. Et la tonalité. Ce nom évoque d'abord une musique amorphe où l'absence totale de structure équivaudrait, euh, les extrêmes se touchant comme on dit, à la structuration totale d'une musique purement tonale qui aurait épuisé son mouvement dès sa naissance sous prétexte qu'elle est bâtie sur les cadences de repos. Donc la, la cadence hein, dans la musique tonale, c'est la façon dont s'enchaîne, pour aboutir à un point important, le, si la musique tonale s'appelle tonale, c'est parce qu'elle repose sur la tonique, c'est-à-dire quand vous jouez dans une gamme qui n'est jamais rien d'autre si vous voulez que une façon de à un certain moment d'enchaîner des notes, vous choisissez une gamme comme on, comme on choisirait euh, en peinture euh, un sujet. Voilà, ou une façon de peindre ou un certain nombre de restrictions pour aborder le sujet, à peindre. vous voyez ça comme vous voulez, prenez euh, eh bien, euh, la tonique, c'est la première. Donc, par exemple, euh, sur la... on va prendre l'exemple plus bateau, euh, sur la gamme de Do majeur, eh la tonique, c'est le Do, tout simplement. Donc voilà pourquoi la musique tonale, hein, c'est euh, la musique euh, donc, qui, qui repose sur le premier degré d'une gamme, c'est-à-dire sa tonique. C'est celle qu'on va entendre souvent, par exemple, pour ouvrir et fermer euh, la phrase musicale, voire le, le morceau euh, tout entier. Là, comme ça, à l'intérieur de la musique tonale, vous avez des moments importants que vous devez retrouver tout le temps et qui vont construire, qui vont hiérarchiser les sons entre eux. Il y a la tonique, la dominante, la sensible, vous avez sûrement déjà entendu ces mots, euh, qui sont des façons d'arriver à un moment à, à, tel, à tel ou tel son. Donc la cadence, c'est cet enchaînement-là. C'est l'enchaînement de ces points d'appui importants. Le là invisible est toujours présent dans le deuxième mouvement de l'opus 27 de Weber, prouve le contraire, montre que le mouvement existe et qu'il n'existe que fondé sur quelques points d'appui fixes, même si celui-ci si celui est caché par quelque exotisme. Alors même si c'est une bizarrerie, elle ne l'est, je dirais même, que, que circonstanciellement, du seul fait d'apparaître de, de, comme nouveauté, hein, comme nouvelle proposition. Donc évidemment elle a un caractère d'exotisme à ce moment-là elle surprend et il va falloir un petit temps je dirais pour piger comment ça fonctionne et voilà un autre moment de ce voyage de mon oreille de Bali pour en finir avec le dessin de notre cadre où l'esprit égoïste c'est-à-dire borné et systématique s'imagine que la musique peut s'accommoder d'une théorie d'une théorie il n'a qu'une vision naïve de l'histoire de la musique dont l'intérêt repose sur le cortège carnavalesque de tous ces traités qui favorisaient telle musique à tel musicien, dominaient successivement leur manière de faire. Et ça, on peut pas dire mieux, hein, parce que quand il s'agit, par exemple, euh, de classifier euh, les modes euh, au XVIIe siècle, ou même un peu avant la Renaissance, c'est le bordel total. Il n'y a pas un livre théorique qui est d'accord, finalement, même pour les quantifier, savoir si on a 8 ou 12, pour les nommer de telle ou telle manière, enfin. Les théories musicales ne cessent de s'enchaîner et de se contredire. Or, tous ces traités ne sont utiles que si, par chemin inverse, nous allons vers leur recette à partir du choc émotionnel d'une musique entendue. Ainsi, c'est persuadé de la valeur de tel musicien que nous nous penchons sur sa théorie. Et par contre coup, l'esprit de système est toujours présent, que nous attribuons à celle-ci une vertu générale qu'elle n'a pas. Je vous ai parlé de recettes de cuisine, je nuance. Ce sont des systèmes de mensuration, de pesée, hein, dans tous les sens, hauteur, durée, plus ou moins artificiels, synthèse acoustique, plus ou moins arbitraire. Et nous croyons aux grandes théories musicales par l'influence qu'elles ont eue sur les productions de compositeurs en vedette, actuelles ou passées. Elles deviennent par là de justes théories. Les faits musicaux les consacrent après coup. Peuvent-elles encore servir La doctrine doit-elle précéder l'œuvre ou le contraire on s'est déjà posé ici les mêmes questions par rapport aux arts plastiques et on, on arrivait à peu près peu ou prou aux mêmes conclusions. Je n'en mettrai pas mon doigt au feu. Tous les arts admettent au départ un certain nombre de préceptes, dispositifs discrets au début, pour s'épanouir ensuite à un zénith académique et tomber dans la décrépitude. Ce cycle peut être long ou court. Il n'est pas univoque, il peut y avoir simultanément plusieurs théories contradictoires qui activent des chapelles, des domaines et c'est très bien ainsi. Les œuvres seules demeureront, hors les vicissitudes du quotidien, et au-delà, les énoncés et les préceptes qui, appliqués à la lettre, sont toujours mortels. Voilà. Donc là, on a un petit cadre pour nous dire à la fois où on se trouve par rapport à cette construction oppositionnelle tonale à tonale, et voir ce que les compositeurs peuvent en penser. J'ai ramené aussi les écrits de Luigi Nono, si on veut, à un moment, on pourra voir ce que lui avait à dire de, de ces trucs-là. Mais on va surtout, nous, écouter ce que Jérôme Ducrot a à en dire. Euh... Ducrot, qu'est-ce qu'il fait dans cette conférence qu'on va écouter Il prophétise que la musique atonale va disparaître. Il bah, n'y a, a pas vraiment besoin d'être prophète hein. il suffit de lire les rapports du GIEC. Oui, ça, ça va disparaître. Mais enfin, surtout, si elle doit disparaître, c'est sans doute que celle dont il parle dans la conférence a déjà disparu. Mais comme il n'a pas la moindre idée des dernières formes de musique contemporaine, enfin celle qui se joue assez loin de son propre fauteuil, il le sait pas. Pour bon, moi, une petite promenade à un concert de Noise avec un public composé de gens qui, il y a 40 ans, aurait très probablement été un concert de rock, ben, ça le décollerait de ses certitudes, on imagine. Enfin, J'espère pour lui quoi. Euh, bonsoir, bonsoir Lucie, bienvenue à bord. Parce que le plus gros drame de cette affaire, et ça si vous allez le voir c'est quand même assez criant à mesure qu'on va avancer dans la conférence, c'est que Ducrot est ignorant. Du contemporain. Il est ignorant comme un âne à ce sujet. Il s'élève contre un monde qui a disparu et dont il fait partie. C'est assez drôle. Dont la critique même est une critique fossile. Il part en, en guerre contre quoi Il part en guerre contre une forme de musique savante à laquelle il reproche d'être complètement coupé du public. Alors que, que lui-même, vous allez voir, vous allez l'entendre, hein, c'est un vieux bout de machin perdu quelque part euh, dans un monde mort dont tous les amateurs de musique contemporaine de moins de 100 ans se foutent euh, complètement. C'est triste, hein mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors moi j'écoute, euh, je suppose que vous êtes assez nombreux et nombreuses à faire pareil, euh, j'écoute Taïra euh, avec autant de bonheur que Mersbeau, vous pouvez changer les mots, vous pouvez euh, trouver d'autres noms, mais en gros j'écoute des compositeurs dits extrêmement savants, raffinés, et Mersbeau, c'est de la musique britiste euh, des années euh, fin 70, début 80. Mais pour le premier, euh, tout simplement, on sera cinq dans la salle pour Taïra. Cinq, dont quatre momies et un égaré, probablement. Alors que pour le second, bah, on peut imaginer qu'il faudra un peu pousser les murs avec euh, Mersbeau. C'est un peu une star, désormais. Voilà. Donc les musiques expérimentales non idiomatiques, les musiques Noise, elles sont dans la rue depuis au moins 30 ans. je vous rappelle que la conf de Ducrot, c'est 2012. Les musiciens pop... Mais, mais même les moins audacieux, ils administrent sans problème les dissonances, euh, le bruit, les accords, les constructions atonales, l'expressivité euh, sauvage. Euh, euh, ils auraient peut-être du mal à comprendre l'anxiété de petit vieux de ce pauvre pianiste. Il est plus jeune que moi, du hein. Il est plus jeune que moi de 7 ans et j'ai l'impression que sa voix jaillit du corps de mon arrière-grand-oncle. C'est vraiment dramatique. Alors, qu'est-ce que tu dis à... Euh, ah. Vous papoter, Alors, je ne vais pas pouvoir être au taquet hein, sur le. Tu recommandes quel solvant pour se décoller de ses certitudes Bah la musique de Taïra c'est très bien par exemple, mais même celle de Mersbron. Alors donc cette conférence, elle se déroule au Collège de France et donc la première question qu'on peut se poser, c'est comment elle est accueillie Comment euh, comment les, les autres compositeurs euh, vont réagir à tout ça Alors on ira faire un petit saut sur une, euh, sur une conférence sur une page de Manoury, Alain Manoury qui est un comment un... un compositeur également qui est pas mal ça, ça, ça reste assez sage hein. euh, il pourrait être rappelé le, par le nom du compositeur d'où qu'il aime bien t'as pas entendu c'est taira j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup ces trio accords si vous voulez découvrir quelque chose euh, donc notre conférence a lieu en 2012 et en 2013, il y a euh, en février 2013, donc dès début 2013, donc un mois, euh, deux mois après le, la conférence de, de Ducrot, il y a Pascal Dussapin, qui est lui-même euh, titulaire de la chaire de création artistique du Collège de France pour euh, les années qui suivent, donc après Béfa, qui est et il écrit une lettre à l'administrateur du Collège de France, euh, qui est Serge Aroc, à Roche, je crois, oui, à l'époque, hein, et euh, avec une copie à tous les profs. Euh, et tout le monde s'en fout, évidemment, de sa colère. Euh, Merci je vous l'ai cru. Salut Kleinmaus. Merci c'est ça. Comme. Euh... Ça ne s'écrit pas pareil hein, que le Merzbau euh, de Kurt C'est ça, ça s'écrit comme ça. C'est un compositeur japonais brutiste très important du début des années 80. Ah, donc, euh, je peux vous montrer la, la conf de, de Pascal du sapin. Voilà, la, la, la réponse. Euh, hop hop Oui hop, hop, j'ai ça. La lettre de Du Sapin. Je vais vous filer l'adresse par la même occasion. Elle n'est pas euh, folle folle. Du Sapin, s'en tire pas euh, de ouf sur euh, ce coup-là. Je vous mets ça là. Et je vous mets le lien là. Voilà. C'est euh, la lettre de Pascal Du Sapin. Donc, euh, la lettre du sapin fait un peu de bruit parce que euh, tout ça réactive finalement à la vieille querelle des anciens et des modernes, comme vous pouvez l'imaginer, et à peu près toujours sous la même forme à la con. Il y a un certain Emmanuel Dupuis, qui est euh, journaliste, je crois, à, à Diapason, et qui écrit, qui prend la défense de Ducrot. Et qui dit, euh, oui, pourquoi tant de haine euh, Sans doute parce que dans le miroir que Ducrot leur a tendu, les tenants de la modernité officielle se sont trop bien reconnus. C'est vraiment bluffant, hein, rhétoriquement. On sait bien que les, les, les habitudes de, des gosses, et de chantonner, il n'y a que la vérité qui blesse, mais enfin, c'est des gosses. Hein. C'est con, un gosse. Euh, D'une part, il n'y a aucune raison pour que qui que ce soit se reconnaisse dans un miroir aussi étriqué euh, que celui que leur tend Ducrot qui est quand même bien plus embarrassant par son incongruité que par sa justesse, par son, son décalage total avec les problématiques exposées dans les différentes formes de musique contemporaine à sa conférence. Est, il est plus gênant euh, parce qu'il est embarrassant, comme un oncle qui fait une vieille blague misogyne à table. C'est pas quelqu'un qui d'un seul coup vous met en face de la vérité. Et d'autre part, euh, si on suppose qu'on prenne au sérieux l'agression du Cro, je veux dire qu'on fasse mine de l'écouter. Euh, c'est comme si quand quelqu'un vous dit que tout ce que vous aimez, tout ce qui vous transporte, là en l'occurrence la musique expérimentale, contemporaine, si vous voulez, tout ce qui vous grandit, toutes ces choses au autour desquelles vous avez construit toute votre vie, ces choses au service desquelles vous vous mettez tous les jours, pour lesquelles vous construisez votre hiérarchie de valeurs, si vous dites que tout ça c'est de la merde, que c'est de laide brouffe, que c'est un truc de pignouf, de snob, c'est ce que fait euh, Ducrot, hein, et ben, si vous rechignez, c'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'il a touché juste. Voilà, ça c'est la grande, grande idée d'Emmanuel Dupuis. Donc, comme ça, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que euh, quand votre vie c'est de la merde, et vous dites merci pour la leçon de vie. Merci. Salut Myril, et bonsoir à toi. On prend sa défense parce qu'il se décarcasse du croc. Tu sais, elle a déjà été faite. <laughs> elle a déjà été faite euh, dans l'Instagram, le... dis donc, <laughs> Guillaume. Bon, ça se poursuit. Euh, Qu'est-ce qu'il continue à dire Dupuy J'ai un petit bout de texte de Dupuy. Il dit :« Le divorce euh, public-compositeur est dû à une véritable rupture dans le langage musical. S'il est interdit d'en parler, qu'on le dise, qu'on vote une loi. Je m'amuse de ce que Du sapin vante la liberté d'expression qui règne au Collège de France et qu'il s'insurge dans le même temps qu'on puisse y tenir des propos comme les miens. Ah oui, donc c'est Ducrot qui dit ça. » Parce que tout le monde réagit, évidemment, à, à ces va-et-vient assez agressifs. C'est touchant. Donc, il s'irritait, dans notre lettre, qu'on le traite de fasciste. Et, euh, vous allez voir qu'on se demande vraiment pourquoi, quand on va écouter la conférence. Quel mystère, oh là là. Mais il cause de la liberté d'expression exactement dans les mêmes termes que les politiciens qui ne la réclament que pour faire taire, pour détruire, pour humilier, pour insulter librement des franges choisies par eux de la population Choisibles dans leurs propres petites obsessions clarificatrices, ordonnatrices, conservatrices. Mais c'est vraiment les mêmes termes habituels. Ah « Ah on veut me faire taire !»« Et tatati tatata, moi je parle au nom de la liberté d'expression. »« Patati patata. Euh, » Franchement, Ducrot, réfléchissons à cette fameuse rupture euh, avec le toujours contemporain. Parce que Ducrot dit... Avant, tout le monde était d'écouter que la musique contemporaine, on était toujours dans. Salut Clint Dans le contemporain de la musique, et tout ça, c'est fini. Il ferait mieux de se demander, au lieu d'imputer ça à des problèmes inhérents à la musique elle-même et à ses liens avec le public qui été jusque-là consubstantiels et bousillé par euh, l'inaccessibilité euh, intellectualisante de la musique, si ça n'a pas plutôt à voir, puisque ça tombe à peu près à cette période. On est en train de parler de Schoenberg, début du 20e. Avec un changement radical de paradigme quand on a commencé à l'enregistrer la musique plus simplement quand Mendelssohn propose la redécouverte de Bach et que c'est un coup de force que c'est euh, de revisiter les compositeurs du passé c'est parce que à la période effectivement où Mendelssohn fait ça on n'arrête pas de jouer du contemporain parce qu'on oublie très très vite on ne joue plus les précédents. Ce qui est logique, il y a une logique matérielle. Mais aujourd'hui, tout le monde, à n'importe quel moment, il peut écouter Mendelssohn et Bach. Et il peut les découvrir sans aucune forme de chronologie. On ne découvre pas les œuvres dans leur ordre chronologique d'apparition. Hein, on n'apprend pas d'abord à écouter du Grégorien et ensuite du Manchicourt et ensuite du Bach. Hein. Non. Et puis, je devrais se demander également si, par hasard, la musique de Berlioz... Euh, ne rancissait pas les salles à cette époque, avec le même écart chez ses contemporains que Helmut Larendman aujourd'hui ou d'autres monstrueuses créatures atonales sur lesquelles Ducrot se défonce là. Cet argument, on le retrouve à tout bout de champ, sur tous les tons à propos des arts modernes puis des arts contemporains. Et ça invente toujours des périodes idéales où le public, dans lequel le mystère, hein, on va toujours rester sur des espèces de sociologie vaseuse euh, pour laisser imaginer qu'il y a eu un âge d'or où Boris, tout le monde, pouvait aimer et comprendre Gérard, le monde entier. C'était euh, tellement proche de la musique et des arts, ces gens, euh, tellement proche de leur siècle, que ben, si on faisait aujourd'hui les trucs d'avant, eh ben, ce serait comme avant, du coup. Non On retrouverait l'entente avec le public. C'est ça ce qui se passe dans la petite tête. Alors que si on faisait des trucs comme avant, on, on, on serait dans la salle des copies du Louvre. On ne serait pas dans la fièvre des ateliers de Rubens. Parce que la fièvre des ateliers de Rubens, elle a sa durée, elle a son temps, elle a sa signification. Et en tant que telle, cette fièvre, bah, elle est retombée, tout simplement. Excusez-moi, je suis absente, je réfléchis ça. Euh, je suis désolé. Tu viens de comprendre que vos cœurs et les plus vous viviez ensemble en clintessus. Non, je ne crois pas que ce soit le cas. La boule magique a dit quoi Elle a dit arrête, respire, réfléchis. <laughs> Salut à toi, égalisation. Bon, pour le malheur de notre ami euh, Ducrot, je dis pour son malheur parce que personne ne souhaite ça, en novembre 2013, il y a Alain finkel les grands esprits se rencontrent, qui consacre son émission Réplique à la polémique et plus généralement à l'avenir de la musique contemporaine. Il appelle ça Où va la musique contemporaine Et il invite qui Il invite Carole Beffa, donc le compositeur qui avait invité Ducrot à faire cette conférence, puisqu'il tenait à ce moment-là, comme je l'ai dit, la chaire annuelle de création artistique au Collège de France. Et il invite Philippe Manoury à en débattre, parce que comme je vous l'ai dit, Manori, avait euh, fait une lettre assez longue et très détaillée pour répondre à Ducrot. Alors, je peux vous la montrer, parce qu'elle est beaucoup plus intéressante que celle de, du sapin. Elle est beaucoup, beaucoup plus riche. Et on ne va pas la lire. Enfin, je ne pense pas qu'on fasse ça, parce qu'elle est quand même très longue. Et c'est euh, si chouette. Alors, je vous mets où elle est. Vous allez arrêter de faire des blagues avec la décarcassage. Hein. Ça suffit. Hein. Donc ça, c'est la lettre de c'est encore toi, Guillaume, de Philippe Manoury. Le gros avantage de la lettre de Philippe Manoury, c'est qu'elle est accompagnée. Alors elle est vraiment détaillée, de nombreux exemples et d'interprétations qui donnent un, vraiment, avec beaucoup de précision, une lisibilité à ses arguments. Donc, là, vous pouvez à tout moment, voilà, là il joue des, à chaque fois des, 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 des exemples liés à aux notions de vrai, de faux, de juste, euh, telles qu'ils se proposent dans la conférence euh, dans la conférence qu'est-ce qu'il raconte <laughs> de, euh, de Ducrot. Donc Finkelcrow invite euh, Manoury. Alors moi, je vous invite vraiment à lire la longue lettre de Manoury parce qu'elle est vraiment chouette. Et donc, là, selon de, comment euh, Finkelcrow, Ducrot a posé la question qui fâche vous entendez la, la fameuse rhétorique traditionnelle des conservateurs qui pensent que, que quand quelque chose ne se dit pas, c'est pas parce que c'est ignoble, c'est parce que c'est tabou. <laughs> Donc il aurait posé la question qui fâche, Et quand on sait quand même quoi, les grandes questions qui fâchent chez Finkelcro, c'est est-ce que la présence des épiciers arabes ne menacerait pas la littérature occidentale Ou est-ce que les transgenres ne seraient pas contagieux par hasard Bon, bref, on sait que euh, Ducrot est très très bien défendu là. Hein. Donc l'émission s'appelait Où va la musique contemporaine Évidemment, je ne peux pas résister au plaisir de vous en faire écouter un petit extrait. Ce serait dommage de ne pas faire ça. Régalons-nous avec l'ami Finkelkraut. C'est trop drôle. Ça va vous donner un petit aperçu de qui défend Ducrot et comment ça se fait. Moment magique. Alors là, il y a plusieurs questions qu'il faudrait que nous euh, développions. Euh, D'abord, peut-être le changement de signification du terme musique. Parce que cette mousaque, euh, ou de façon générale, la musique de variété, ou le musical, on ne l'appelait pas musique, même au temps de la plus belle efflorescence de la musique pop. J'ai vécu cette époque. Hein Vous noterez qu'il vient de dire « on ne l'appelait pas, pas musique » même à la période de la musique pop. Donc il est en train de mentir, écoutez-le, il racontait un truc absolument hallucinant. « On ne l'appelait pas musique, cette musique. »« J'ai vu sortir Sgt. Peppers, un disque qui nous a ravis dans notre génération. » Et tous les, les, les grands disques des Beatles, et euh, les Stones, euh, l'Ouride, etc., personne n'aurait l'idée, en dépit euh, de, de la joliesse des mélodies, des orchestrations extrêmement subtiles, de parler de musique. Or, aujourd'hui. C'est sérieux ce qu'il dit, là Sans déconner, hein Il prétend qu'à cette époque on parle de la fin des années 60, début des années 70, on ne parlait pas de musique à propos de, par exemple, des Beatles. Ça n'a aucun putain de sens. Et c'est quand même assez sidérant. Non seulement on parle de musique pour cette musique de variété, mais précisément, on n'en parle que pour cette musique de, de variété. C'est Renaud Camus qui en fait la remarque très souvent dans son journal. Vous noterez qu'il cite Renaud Camus ce qui est très drôle. Mais bon, on est en 2013. Aujourd'hui, ça se fait plus. Hein. C'est trop compliqué là. Mais déjà en 2013, c'était un truc d'ordure hein, de faire un truc pareil. C'était vraiment une petite saloperie. C'est pas d'hier que Renaud Cabu s'est révélé pour ce qu'il était. Mais ça pouvait se faire sur réplique à la radio. Et euh, un exemple. Vous citez euh, Philippe Manouri, un morceau de Dutilleux que je ne connais pas, un Quatuor, je crois. Ainsi la nuit. Vous dites que c'est un très très beau Quatuor. Dutilleux est mort le même jour que Moustaki. La mort de est passée complètement inaperçue et la ministre de la Culture est allée évidemment aux funérailles de, euh, de Moustaki. Euh, elle n'a pas euh, du tout mis, hein, si j'ose dire, en valeur euh, Dutilleux. Et l'autre jour encore dans Le Monde, à la rubrique musique, il y avait le dernier disque d'Eddie Mitchell et celui de euh, Sylvie Vartan. Alors j'aimerais, moi, euh, d'abord savoir comment on peut expliquer un tel phénomène. Pourquoi la musique savante, classique, moderne et contemporaine a-t-elle été ainsi expulsée du mot Peut-on dire que la musique contemporaine... Ce mec rêve complètement sa vie. Hein. Il invente des choses qui n'arrivent pas. Ce type parle sous lui, ça c'est certain, mais il parle aussi comme le dit Suze, hein, à côté du monde quoi. Euh, non, comme le dit Lucie, c'est Lucie qui dit ça, excusez-moi, j'essaie de suivre le chat un peu mais je suis désolé si je ne suis pas attentif je vous lis au mieux, donc pour répondre à Guillaume non, même sur le ping-pong, à mon avis René, Renaud Camus, c'est une catastrophe hein. euh, mais ce qui est fascinant, c'est d'écouter cet homme en roue libre, dire des choses qui n'existent pas en se débarrassant complètement de la mélodie, a une responsabilité dans euh, ce phénomène. Et à quoi est-il dû Et je, je, je citerai alors pour finir un livre de Adorno qui vient de sortir, qui est extraordinaire parce que il s'interroge sur l'usage musical de la radio. Et il dit, mais c'est il y a très longtemps, la, que la croyance au progrès se répand en programmation triomphante. La musique pénètrent tous les foyers, les femmes de fermiers écoutent de la grande musique exécutée par les grands artistes en vacant aux tâches domestiques de la matinée. Et aujourd'hui même, j'ai reçu d'un auditeur, Ludovic Florin, une question pour vous. Il savait que j'allais faire cette émission. Pourquoi les intellectuels français ont-ils abandonné la question musicale Il suffit d'écouter France Culture et les choix musicaux qui sont au cœur ou qui accompagnent les émissions. Pour s'en apercevoir. Et il est vrai que les choix musicaux de France Culture ne laissent que très, très, très peu de place à ce qu'on appelait autrefois la musique. Voilà Donc, c'est extraordinaire. Donc, on a les femmes de fermiers voilà, qui sont méprisées comme les diffuses parce que elles ont l'outrecuidance d'écouter de la grande musique euh, en euh, faisant leur ménage. Ça, vraiment, non. Non, c'est pas possible, on ne peut pas décemment faire une chose pareille, c'est le mal absolu. Enfin, tout ça est frappé d'un degré d'idiotie à peine imaginable. Euh, J'espère que tout le monde s'en rend compte, c'est tout à fait extraordinaire. Donc voilà, on en est là. Alors, euh, je vous dis rapidement, Finkelkron, lalala, oui, il a l'air de parler à côté, dans un autre monde, tu protestes, tu vas rédiger de ce pas 95 thèses ou disputes sur la puissance des modérations ce sont des sous-philosophes qui ont pour toute compétence de vagues lectures, de vagues textes, des gens comme Alain Finkelcrow, j'appelle ça les pauvres blancs de la culture. Ce sont des demi-savants pas très cultivés qui se font les défenseurs d'une culture qu'ils n'ont pas, avec pour marquer la différence avec ceux qui l'ont encore moins qu'eux. C'est Bourdieu qui disait ça Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a aucune sorte de culture, notamment musicale. Euh, Lucie, Louisa et tous ceux et celles qui ont un statut de modo, je vous laisse euh, bosser beaucoup ce soir, parce que moi je vais avoir du mal à gérer un peu tout en même temps. Je vais essayer d'être à peu près euh, carré. Il faut savoir qu'en mars 2016, hein, donc trois ans après, cest veut dire que ça les travaille quand même, cette conférence absurde, hein, sur Radio Classique, il y a Luc Ferry qui conseille aux auditeurs de regarder la conférence de Jérôme Ducro. Luc Ferry, il ne manquait plus que... Lui. Selon lui, Ducrot critique de manière extrêmement intelligente cette musique sérielle, dodécaphonique, ringarde et passée aux oubliettes de l'histoire comme le nouveau roman. On a le bingo. Déjà, c'est hyper touchant quand des réacs vous traitent de conservateurs, quand c'est des brutes qui vous traitent de personnes violentes ou quand c'est des fossiles culturels qui vous traitent de ringards. Mais le truc qui Nous dit pas notre brave euh, homo euh, senilissimus, c'est que le nouveau roman il cède la place à des expériences beaucoup plus radicales que le nouveau roman. Il ne cède pas la place à l'apothéose de Luc Ferry et de sa vision au formol du roman. En, en vérité, le nouveau roman, pour faire comme si c'était un truc unifié déjà, parce que c'est pas si simple, un truc euh, diffère, discernable, euh, complètement euh, compact. Euh, ça ne marche pas comme ça, hein. c'est fou. Enfin, dire, si vous voyez la fameuse photo de minuit, les éditions de minuit avec les nouveaux romanciers, on voit que c'est un assemblage circonstanciel de gens qui se connaissent, qui se fréquentent, qui sont chez le même éditeur. Après, franchement, entre Nathalie Sarraute, Claude Simon, Samuel Beckett et Marguerite Duras, il n'y a zéro rapport de la vision de la littérature. À la limite, entre Sarraute et Simon peut-être, mais pour les deux autres, c'est... Pourtant, ils sont là, ils sont ensemble. Le nouveau roman, c'est thématisé intellectuellement par Ricardou, d'ailleurs c'est très bien Ricardou, mais euh, c'est pas un truc compact, c'est pas discernable. Et puis surtout, les lecteurs, ils sont à même de le circonstancialiser historiquement, eux aussi, comme ils le font quand ils lisent Balzac ou quand ils lisent Plotin, Ce que je fais, voilà, c'est ce qu'on fait quand on lit des livres un peu vieux. Et avant tout, c'est des œuvres hétérogènes. Le socle théorique qui accompagnait le nouveau roman, qui préparait leur réception, c'est pas forcément utile euh, qu'ils survivent. Mais pourquoi pas Mais on peut s'en foutre. On n'est pas obligé de lire Ricardo. On peut s'en foutre. Mais il se trouve qu'au même titre hein, que Cervantes, Balzac ou Sandrars, eh ben, Nathalie Sarraud, Claude Simon, ça fait partie de nos classiques désormais. Et Luc Ferry ne fera jamais partie des classiques de qui que ce soit. Qu'on se le dise. Mais je crois qu'il le sait. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, les oiseaux Il manquait vraiment plus que Luc Ferry. Hein. Ouais, comme vous, ça vous fait marrer quand même. Mais oui, c'est assez dingue. Hein. Non, pas Félix Plotin tu auras une fessée, Guillaume, la prochaine fois qu'on se voit. C'est très mal de se manquer de pelotin. Je l'aime d'amour. Et puis surtout, attends, un truc que je ne vous dis pas la catégorie du ringard, balancée par Ferry, ça me fait tellement mal. Mais qui va mettre dans le crâne de ce genre de que ça marche euh, pas comme ça En fait, la catégorie du ringard et du pas ringard, ça concerne la couleur des slips ou du papier peint. Ça concerne pas plus Beckett pour le théâtre que Giotto pour la peinture. Il hein, y a une seule chose qui est certaine, par contre, c'est que Luc Ferry, c'est pas la promesse d'un classicisme, de, de rien du tout, d'ailleurs. Sa mort, ça va faire trembler la terre à peu près autant que la chute d'un cil, à mon avis. Hein. Les créatures poussiéreuses de son espèce, elles sont avalées par l'histoire depuis l'Antiquité. Et elles poussent comme du chien dent sur un bon fumier de ressentiment. Et elles finissent tous légitimement... Tôt ou tard au compost. Qu'est-ce que Jérôme Ducrot répond à toutes ces choses à ce moment-là Alors, Ducrot, qu'est-ce qu'il nous dit L'attitude moderne, en gros l'insoumission, est un invariant de l'histoire de l'art, compagne de toutes les révolutions, moteur de tous les changements. Mais l'esthétique moderne, en revanche, n'est que l'esthétique d'une époque. En l'occurrence, aujourd'hui, celle du XXe siècle. On note que pour l'époque, qu'il dit moderne, il s'est bricolé une, une périodisation maison, euh, qui correspond à aucune de celles d'aucune histoire et d'aucun historien. Pour la musique, elle présuppose, entre autres, l'atonalisme, selon une décision multilatérale vieille d'une centaine d'années environ. Aux grandes heures de la modernité, Stravinsky, Picasso, attitude et esthétique allaient de pair dans des œuvres souvent saisissantes. Désormais, soit je choisis l'esthétique moderne, et mon attitude sera alors typiquement anti-moderne, puisque je souscrirai au canon que mes professeurs ou mes prédécesseurs m'auront imposé. Euh, personne ne fait ça. Hein. Soit j'ai choisi l'attitude moderne qui entraînera de ma part un rejet de l'esthétique imposée donc de la modernité dont il sortira une œuvre littéralement anti-moderne euh, qui est confrontée dans la vraie vie à ce choix binaire aberrant pour faire de la musique. Je vous le demande. Si on admet que la vraie modernité se doit de conjuguer une attitude et une esthétique qui lui soient entièrement soumises, mais... Mais c'est qui comme corps la vraie modernité? Depuis quand la vraie modernité compose? Il y a un moment, où faut arrêter les essentialismes, C'est fatigant de les gens qui composent, ça s'appelle des compositeurs. C'est pas la vraie modernité qui parle, qui dit, qui fait quoi que ce soit. Donc quand on parle d'art, on doit aller aux œuvres. Sinon, on, on a toutes les chances d'être en train de dire vraiment n'importe quoi et de construire pour le goût des épouvantails. <laughs> On est forcé de conclure qu'il est impossible aujourd'hui d'être moderne. Voilà. Bon, en tout cas, il est visiblement très euh, très possible d'être un homme perdu, hein il est un, comme un comme un Rasta blanc. Pauvre pauvre Ducrot. Alors ça, il va le répéter. Vous allez voir dans euh, sa conférence, on va euh, on va rien entendre ça. Alors, je suis méchant avec les cils. J'ai choisi l'exemple de La Chute des Cils parce que c'est un joli poème de Michel Bachet. Voilà. C'est le, le, le poème sur l'insignifiance des actes. Et le but, comme le dit Lucie, des musiciens, c'est d'être moderne, évidemment. Non, le but des musiciens, c'est de faire de la musique. Quoi. Donc, vraiment, il y, y a un moment où la question du. Ah, le but d'un romancier, ce n'est pas d'être écrivain, c'est de faire des romans. Donc, ce n'est pas non plus d'être moderne, c'est de faire des romans. Le but d'un philosophe, c'est de faire de la philosophie. Ce n'est pas d'être philosophe ou d'incarner la ren renversion On est habité par des visions, des tensions euh, en, en tant qu'artiste, en tant que philosophe ou intellectuel. On prête foi en leur puissance de renversement, on espère bien. Mais être, vouloir être matin, enfin ça n'a... Qui ça rentre Qui ça habite C'est confondant, en fait. Ils pensent le plus sérieusement du monde l'histoire des arts comme une espèce de partie de ping-pong avec deux participants. On, on a souvent ridiculisé sur la chaîne hein, le, le réalisme, notamment en philo, ouais, cette capacité à incarner des trucs, quoi, à, à faire exister des entités aberrantes. Mais dans les arts, c'est encore plus fou. Il faut renier tout ce que les corps qui sont pris dans l'histoire font vraiment. Il faut, faut écarter toutes les œuvres elles-mêmes, tout le tumulte que, que représentent vraiment dans la vraie vie, quoi, et pas dans ce jeu binaire et ridicule de, de Ducrot, les œuvres contemporaines entre elles. Elles sont profondément diaprées, elles sont liées à la multitude des expériences. Et tout ça, c'est vrai également pour les manifestes, pour les groupes de recherche, pour les tendances artistiques. Il n'y a, a rien qui ressemble à cette espèce de conception puérile de la construction de l'histoire. C'est n'est pas le moins commun, j'irais des, des tours de force chez les conservateurs, de faire passer régulièrement leur conservatisme pour le retour normal aux formes, qui vont conduire vers la vraie modernité ça n'a aucun sens quoi ce credo repose sur cette espèce d'illusionnisme et de réalisme toujours donc en ancrage quoi, une espèce d'immense légèreté vis-à-vis -vis de de la notion du même comme du moderne des mêmes choses qui seraient assemblables quoi et de la modernité et du moderne comme des illusoire, ou même comme on pourrait dire ensemble d'actes liés entre eux par des décisions euh, ou ensemble d'artefacts, ou euh, conception euh, sociotechnique. C'est jamais précisé, c'est toujours flou, c'est dur vaseux. Pour Ducrot, j'imagine que la Renaissance, c'est un vrai retour à l'antique, par exemple. Sans s'en hein. Pour un historien d'art attentif aux œuvres d'art, il y a vraiment de quoi rire, quoi. On va faire ça avec Ducrot, on va se marier avec la conférence, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau Atmosphère d'indiscipline du chat ne doit pas aider, il faut dire. Par contre, plus sérieusement, je salue la promptitude dans l'édification et l'accueil des droits tous les deux avec Louisa et vous pour m'en tenir au mode de la chaîne le plus souvent là. Oui, on fait ça. On essaie de voir ce qu'ils ont dans le cigare, de comprendre où ils vont. Voilà. Bon, des fois, quand, quand la réflexion est aberrante, on clique au banne. Enfin, si quelqu'un arrive en disant comme l'autre fois, c'est un, un cigare ou une grosse bite. Tu te dis, est-ce qu'il y a une chance pour que ça ressemble un jour à une conversation Non, il n'y en a pas. Là, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il a dans le cigare, visiblement, bah rien. Et euh, par contre, quand on a des drôles de zozos dans le chat qui affirment des trucs très bizarres, ça vaut toujours un peu le coup d'avancer et de voir ce qu'ils ont dans le cigare. <laughs> Donc cette espèce de litanie du euh, c'était mieux avant. Je vous ai souvent dit qu'elle a commencé avec Pline, mais je ne vous l'ai jamais prouvé. C'est souvent, je dis oui, oui, on a toujours dit ça, le c'était avant, c'est un truc qui colle au basque historique depuis au minimum Pline. Je vous ai ramené le passage de Pline. Voilà. Je vais vous le lire et comme ça, vous verrez que c'est. Voilà, il est là. Vous allez voir que c'était déjà ça. On est au premier siècle de l'art chrétien. Achevons d'abord ce que nous avons encore à dire sur la peinture. Art jadis illustre. Alors que les rois et les peuples le recherchaient, et illustrant ce dont ils daignaient retracer l'image pour la postérité. Mais aujourd'hui, il est complètement expulsé par le marbre, et même par l'or. On ne se contente pas de revêtir des murailles entières on découpe le marbre, et on représente des objets et des animaux avec des pièces de marqueterie. Déjà, même les trumeaux de marbre ne nous plaisent plus, ni ces portions de montagne que la scie étend dans nos chambres à coucher nous nous sommes mis à peindre même la pierre. C'est une invention du temps de l'empereur Claude. Sous Néron, on a imaginé d'incruster dans le marbre des taches qui n'y étaient pas et d'en varier ainsi l'uniformité, ainsi que celui de Numidie offrit des ovales et que celui de Synade fut veiné de pourpre, tel enfin que le luxe aurait voulu que la nature les produisit. C'est ainsi que l'on supplée aux défauts des carrières et le luxe ne cesse de se tourmenter pour perdre dans les incendies le plus qu'il soit possible. La peinture qui transmettait à la postérité la ressemblance la plus parfaite des personnages est complètement tombée en désuétude. On consacre des écussons de bronze, des effigies d'argent, insensibles à la différence des figures, on change les têtes des statues, et là-dessus depuis longtemps courent des vers satiriques, tant il est vrai que tous aiment mieux attirer les regards sur la matière employée que de se faire connaître. Et cependant, on tapisse les galeries de vieux tableaux, on recherche les effigies étrangères, mais pour soi-même, on estime que le métal de l'effigie. Ainsi, sans doute, qu'un héritier la brise et que le lacet d'un voleur la saisisse. Ainsi, aucun portrait n'étant visant, on laisse l'image de sa fortune et non la sienne. Ces mêmes gens ornent les palestres, les salles d'exercice des portraits d'athlètes. Oui, sans doute, la mollesse a perdu les arts. Et comme les âmes sont sans physionomie, on néglige aussi la représentation des corps. Et ça continue encore sur trois pages. Et ça s'achève sur Nous nous en tiendrons là sur la dignité d'un art qui expire, la peinture donc. Nous avons dit de quelles couleurs uniques les premiers artistes la faisaient. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est notre ami Pline l'Ancien. Donc en gros, la chanson du Croc, vous allez voir qu'on l'a déjà entendue. On va donc pouvoir commencer. Donc c'était une petite intro qui durait une petite heure, mais il fallait ça pour nous mettre dans le bain. Alors, tu as toujours cru que c'était vous les drôles de Zozo qui disiez des trucs bizarres, ce qui est vrai également. Je vais me servir une petite chicorée pour fêter ça. Alors, on va se l'écouter, cette petite conférence de Ducro. Je vais me servir ma chicot. Et on va y aller

dans un roman qu'il intitule Paris au XXe siècle, Jules Verne dresse un portrait de ce qu'il imagine être la musique en 1960. Extrait. Enfin, s'écria Michel, nous allons faire un peu de musique. Surtout pas de musique moderne, dit Jacques, c'est trop difficile. À comprendre, oui, à faire, non. Comment ça Je m'explique. Assieds-toi sur le clavier. Comment ça Assieds-toi, te dis-je. Michel se laissa choir sur les touches de l'instrument et produisit une harmonie déchirante. Sais-tu ce que tu fais là lui demande alors le pianiste. Euh, je ne m'en doute guère. Innocent, tu fais de l'harmonie moderne. Puis le compositeur se met lui-même au piano. Sous ses doigts, sous ses mains, sous ses coudes, le malheureux instrument rendit des sons impossibles. Les notes se heurtaient et crépitaient comme de la grêle. Pas de mélodie, plus de rythme. Et tu comptes sur ce morceau-là dit alors Michel. Si j'y compte, répondit le compositeur, c'est de mon temps. Je serai compris. Alors il ne s'agit... Voilà, voilà. Donc là, il y a pas mal de trucs à dire. Donc voilà, Ducroc qui ouvre sa conférence en nous faisant marrer avec Jules Verne. Il essaie de nous faire passer Jules Verne pour un homme d'anticipation, ce que Jules Verne n'a jamais été. Quand Jules Verne, par exemple, découvre H.G. Wells, auteur assez prodigieux de La guerre des mondes et de la machine à remonter le temps, il s'écrit avec horreur... Mais mais il l'invente! Parce que Jules Verne, il n'invente pas, C'est un homme très rationnel, très assis sur son présent. Il s'intéresse uniquement à l'aspect hyper rationaliste et progressiste de son temps. C'est l'image même du positiviste vieillot, essoufflé et fatigant sans imagination. Donc Verne n'est pas à ce moment-là en train d'écrire une charge contre Stockhausen qu'il est bien incapable d'imaginer. Il n'imagine rien. Il écrit une charge contre la musique de son temps, à laquelle il ne comprend rien. Il écrit, de façon outrancière, une charge contre l'hyperchromatisme romantique, sans doute, ou Wagner, à laquelle il ne comprend rien. Cette espèce de petite phrase perfide et médiocre qui dit à comprendre, oui, à faire, non, on n'y comprend rien, mais un enfant de cinq, on peut le faire. C'est tout le programme ultra Plat aussi bien de la réaction que de l'épaisseur des brutes devant toute forme à laquelle il n'entend rien. C'est le partage intégral de ce type de valeur. L'exemple des fesses sur le clavier, par exemple, qui est donné comme une espèce d'image euh, paradigmatique de ce serait un cluster. Le cluster, c'est ce fait de jouer de façon dissonante et agressive le plus de notes possible euh, par le plat du coude, par exemple, sur un, un piano. On peut faire des clusters avec toutes sortes d'instruments. Ça a une vocation expressive. Salut M. Mokong, tu vas bien Le présenter en le faisant jouer avec des fesses pour en appuyer l'esprit de ridicule, c'est exactement ce que font les conservateurs quand évoquant l'art contemporain ils brandissent systématiquement et je le dis d'expérience pour avoir beaucoup traité sur les forums d'art dans les années 90 au début d'internet le fameux pot yaourt avec des nouilles qui serait euh, l'objet type pour parler de l'art contemporain ah ouais le pot d'ailleurs avec... jamais l'idée qu'il soit nécessaire d'en trouver un vrai, d'essayer de comprendre de quoi on parle avec un, une œuvre qui aurait réellement été faite un jour, euh, essayer de voir ce qu'elle est, pourquoi elle est apparue, si elle était... mais non, on s'en fout. En fait. On s'en fout de la réalité. On s'en fout de savoir ce qu'on voit réellement depuis 50 ans dans les musées. On s'en fout de savoir ce que réellement les compositeurs peuvent faire pendant 50 ans. C'est beaucoup plus parlant de parler d'un truc qui n'existe nulle part et qui s'il existerait mériterait d'une part d'être ausculté, savoir pourquoi tel compositeur un jour aurait décidé de faire un cluster avec ses miches, et aussi donc en ayant bien voulu voir qu'il a existé ce compositeur. Hein Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Si je vous dis que euh, Jules Verne est un traditionaliste, un conservateur, c'est pas que devant. Euh, la question d'Ajay mais c'est très également devant la musique, parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais il se trouve que Jules Verne écrivait des chansons et adorait la musique. Il écrivait, par exemple, il a écrit pour un certain Ignard, avec qui il a beaucoup fait de chansons, de musique et d'opérettes, à Monsieur de Chimpanzé et des chansonnettes. À... Je vais vous faire écouter du Jules Verne, vous allez voir quand même. On va voir ça, on va écouter du Jules Verne, parce que faut savoir de quoi on parle. Et pour ma part, j'en reviens toujours aux œuvres. Euh, je me demande si par exemple j'en ai pas. Ah si, je crois que j'ai euh... j'ai une version. Je crois. Euh... Ouais, je dois l'avoir en. Attendez, en fichier son. Est-ce que je l'ai mis en fichier son Regarde, je vérifie si je vous l'ai mis ou pas. Après, euh... alors oui, ma page de son. C'est possible que je l'ai mis et je ne sais pas ce que j'ai fait de ma page de son. C'est important, ça nous éviterait d'aller chercher en ligne le truc. Ah mais ça ne va pas. Alors, elle est là, elle est là, Finkel Crow. Ah, ben bah oui, j'ai ça, à la minute 14-3, et je vous ai mis ça. Donc, on va se faire ça. Il n'y a pas besoin d'aller. Alors, si vous voulez le découvrir en ligne, il y a moyen d'écouter plein de Jules Verne, puisqu'il y a des oiseaux qui croient nécessaire d'aller en interpréter. Bah, je suis content que ça aille bien, beaucoup. Donc, voilà, ça, vous pouvez aller en voir, mais nous, on va en écouter un petit bout et on va. Buenas tardes. Buenas hey. tardes à tous. Muchas gracias. Pour accompagner nous cette ah. noche. Eh... Écoutez, à 14.6, je crois. C'est ça. À 14.3. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme ça, ça permettra de juger vraiment de la valeur critique. avec de <muches> s'il se dit une voix douce chante de charmant odo Ah j'ai pas pu la prendre au début Comme parce que Oh moi tu t'es le redit petit oiseau pour un fond Et on danse vers ce formé de tes bras de Voilà, on va s'arrêter là. Donc dire que c'est plat, que c'est insignifiant, c'est quand même trop dire. On va situer quand même. On est là en 1863. Euh, Schubert est mort depuis à peu près 40 ans. Chopin depuis 20 ans. On est en plein dans la période musicale de Liszt, de Berlioz, de Wagner, de Brahms. De Verdi et lui, Jules Verne, son modèle musical, c'est ça. Il est content. Il est très content que a interprète ses chansons. C'est comme si moi, j'étais très très content de filer mes poèmes à Florent Pagny pour qu'il les foute en musique. Voilà, il est content. Autre chose, le mec que euh, qu'on a vu jouer au piano des, des clusters hein, euh, juste avant. C'est Paulini. Il était euh, en train de jouer euh, du Stockhausen. Et un des compositeurs les plus euh, inventifs et les plus renversants du XXe siècle, dans à peu près toutes les approches possibles et imaginables. Donc on ne peut pas résumer euh, l'œuvre de euh, Stockhausen à une seule approche. Il y en a beaucoup. Et euh, d'autre part, euh, cette pièce pour piano est une, une pièce d'un un encore jeune compositeur finalement. C'est le clavier Stucke, euh, numéro 4, je crois. Enfin, voilà. On écoutait poligny Et pourquoi poligny joue ça On voit un pianiste. Il a l'air concentré. Et apparemment, on est invité à rire parce qu'il joue des clusters avec cet air concentré. Donc, c'est la pièce clavier e euh, 10, pardon. Est la euh, qui n'est même pas nommée, là. On s'en fout, en fait, de savoir ce que c'est. C'est une pièce qui a été écrite en 1961. C'est quand même important aussi de la situer historiquement. Si vous regardez à quoi ressemble un, un récital de, de Mauricio-Poligny, je crois que j'en ai mis un là. Hop. Ah merde. Alors, bon, bah, on peut en chercher un hein, sur YouTube, mais si vous regardez un récital de Mauricio-Poligny, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il joue, Pauline. De regarder ce qu'il joue pendant un même récital. Et il y a... Alors, est-ce qu'on a une... un truc un peu long là Sur un récital d'une heure et demie. On a... Voilà, essentiellement du Brahms. Mais il joue... Dans les mêmes récitals, il peut jouer du Brahms, du Beethoven, du Webern et du Stockhausen. Qu'est-ce qu'on en conclut Est-ce qu'on n'a pas l'impératif à ce moment-là de se poser des questions Où cet homme est fou et sans discernement Où il passe énormément de temps et d'énergie de sa vie au service de pièces qu'il juge dignes d'être jouées, qui sont des pièces difficiles Et il ne se pose pas la question d'établir une espèce de hiérarchie pour lui, c'est une évidence que Brahms, Beethoven, Webern et Stockhausen composent un paysage musical digne d'être pris au sérieux à la même hauteur. Quand un compositeur fait ça, vous vous posez d'abord la question. Pourquoi il fait ça Quand un compositeur, pendant un interprète fait ça ou un compositeur, enfin, quand, quand vous voyez fleurir cette aptitude euh, et que pour un musicien, c'est une évidence de passer de l'un à l'autre, vous devez lui accorder le bénéfice d'un certain sens. Quand j'étais enfant, c'était très étrange pour moi de voir des gens qui, euh, qui parlaient. Bon, à l'époque, le, le, le paradigme du peintre euh, snob, euh, fouteur de gueule et ridicule qui ne valait rien, j'ai fini en 1967, hein. c'était Picasso. Bon, Aujourd'hui, c'est un des classiques, c'est même. Loin derrière nous. Quand on disait le mot Picasso, on avait tout dit. Et ce qui était dit régulièrement, c'est que cet homme savait euh, quand même très très bien dessiner, alors, alors qu'il avait gâché toute sa vie à faire des trucs affreux. Au lieu de se poser la question, pourquoi un homme qui sait faire ça, juge que c'est moins intéressant de faire ça, bien qu'il y revienne de temps en temps dans son œuvre. saluatoire à toi, Canicorvo. C'est quelque chose qui, pour lui, semble cohérent. De la même manière, il semble cohérent à Poligny, de jouer du Brahms, du Beethoven, du Webern et du Stockhausen dans la même soirée. Ça a du sens pour lui. Alors là, il y a plusieurs questions ah, qu'il ah, faudrait que nous euh, développions. Euh, ah, D'abord, je voudrais citer trois un témoignages un qui la signification du terme musique. Parce que c'est Moussak. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc il y a eu un petit problème sur la conférence. Euh, là. Voilà. C'est que je suis en train de perdre mais mon interface, ce qui est quand même assez problématique. Euh, bon. On a se retapé euh, Finklecrow, c'était un peu compliqué. On va reprendre la conférence. J'espère qu'on arrivera quand même à écouter euh, la suite sans trop de difficultés. Si je puis dire aux oh, deux antipos. Donc. On va devoir revenir là, ça a bougé euh, sur euh, le voilà. On va retomber sur Polini, dont il se manquait juste là. Voilà. Hop. Alors il ne s'agit pas d'une adaptation cinématographique de la scène que je viens de lire, mais bel et bien de l'interprétation par Maurizio Polini, très grand pianiste d'un chef-d'œuvre incontesté de Karl-Heinz Stockhausen, un des plus grands génies du XXe siècle, et qui date de l'année 60, 1960, 61 exactement, année précisément où est censée se dérouler la scène de Jules Verne. En 1970, donc à peu près au moment où ce texte est censé se dérouler et où Stockhausen compose la pièce dont nous venons d'entendre un extrait, le compositeur Steve Reich, dans un texte qu'il intitule quelques prédictions optimistes sur l'avenir de la musique, écrit ceci. La pulsation et l'exigence d'un centre d'attraction tonale clairement défini réémergeront comme l'une des sources fondamentales de la nouvelle musique. C'est très drôle parce qu'un hasard complet. Fait que euh, Agnès est tombée sur euh, un de mes bouquins, les écrits de Steve Rash. Elle a dit que ça serait chouette de lire les écrits de Steve Rach hier. Et donc, précisément, elle a lu ce texte de Steve Rash. C'est quand même assez drôle, hier soir. Euh... Franchement, bon, excusez-moi, je, je vois qu'il a fini par nommer le, le, le Stockhausen. Il n'a pas dit que c'était la clavière Stucco numéro 10, puisque c'est sans doute négligeable, mais. Autant pour moi, il nomme Sokhausen et il euh, situe la pièce en 61, ce qui est quand même un peu nécessaire. Sarkebouté derrière Steve Reich, euh, c'est assez drôle. Steve Reich est aussi un compositeur extrêmement conservateur. Ses écrits sont euh, assez souvent navrants de conservatisme, d'une opiniâtreté à être conservateur. Mais le problème n'est pas là, on s'en fout. Il y a des choses sympas chez Steve Raj. on pourrait écouter Pondouloum, mais je crois qu'Agnès l'a fait hier sur la chaîne L'Entortillé, euh, qui est plutôt une pièce assez sympathique. Et les premières pièces de déphasage ne euh, sont pas inintéressantes. C'est un batteur de jazz au départ. Donc, il est hanté par la pulsation. C'est un compositeur pulsatile essentiellement. Il écrit au départ sur les phasages et déphasages. Il va, il va travailler surtout sur des, des questions liées au tempo et au rythme. Euh, D'abord, avec des, des, des travaux découpés des de bande. Ah oui, a fait, elle, elle a fait, elle a écouté... Euh, bah super Elle a écouté euh, donc Pendulum. et Avec des choses comme euh, Come Out, par exemple. Euh, et Pendulum qui sont des pièces expérimentales pour micro, euh, dont ils rejettent le caractère expérimental, bien que fondamentalement elle le soit. Elles construisent des processus expérimentaux. C'est le même qui a accompagné uh, Thierry Riley le, dans Inci, par exemple. Il joue dessus avec euh, plein d'autres grands types importants. Il y a, euh, je crois, euh, il y en a seul. Enfin, il, y a, il y a plein de beaux mondes. Hein. Euh... Et puis, euh... il a commencé par ça. Et puis, à partir des prémices en question, il est venu bah, là où vous savez, hein, dans les, les, les musiques que vous lui connaissez, extrêmement répétitives, décoratives et... Et inoffensive et voilà. C'est pas très beau de, de vieillir, puisque finalement, tout ce qui réclame, c'est le retour, salut Tati Kong, à la chansonnette. Mais dès ses études, c'était un gros lourdeau. Dans ses études, le jeune Steve Reich est déjà en réaction contre John Cage, contre Berio, et il s'est arc-bouté à ces formes d'écriture, de ces gens-là, de Cage, de Berio, comme des sortes de némésis à la con qui l'ont hanté toute sa vie, qui le hantent encore. Il faut voir les dernières pièces de Steve Reich, c'est... C'est juste navrant, en fait. C'est de la tapisserie sonore. Ça ne fait rien, ça ne produit rien, ça ne pense rien. Autant dire qu'il a commencé à être très vieux dans sa tête avant de devenir très vieux dans sa musique. Et la pulsation, qu'est-ce qu'elle devient On va écouter la pulsation pour voir si effectivement il y a un problème. Et Alors là, je vais essayer de passer. Alors là, il y a plusieurs... Voilà, on écoute ça. Ah bah ça, c'est un petit bout de sivra, justement. Donc, le principe du déphasage, hein, c'est qu'il y a un lent décalage temporel qui s'opère entre. Euh, entre les fragments du bout qui partent en même temps et qui lentement se déphasent et qui, à un certain moment, quand ils vont tomber sur un, un processus, on va dire un, un dénominateur temporel commun, et ils vont se retrouver, ils vont se refaser et ainsi de suite. Voilà. Et ça, c'est Pandoloum. Comme vous avez eu ça hier, euh chez L'Entortillé. Je vous renvoie au live de L'Entortillé hein, et puis euh, je crois qu'elle l'a passé un bon moment. Maintenant, on va écouter un petit bout euh, de la canto de... Ah, je sais plus à quel moment c'est. De Helmut Larenman. Cette pièce magnifique, qui est une pièce euh, habitée à un certain moment de sa construction par la pulsation, comme vous l'entendez, est une pièce très joueuse. C'est une pièce des années 80. C'est la pièce par laquelle j'ai découvert le travail de la reine man, qui est un homme qui travaille énormément sur le timbre, par exemple. Mais surtout, ce qui fait la, la richesse et le génie de la reine man, c'est son travail sur l'écoute. Quelqu'un qui a bouleversé la relation à l'écoute, qui invite à écouter euh, toutes les musiques possibles et imaginables en se construisant comme auditeur possible, de, on va dire, du, du tout sonore potentiel. Donc Man est là, pulsionnel. La pièce s'appelle Akanto. C'est ça. Je vous le mets, c'est ça. rencontré par hasard dans les bacs quand j'étais adolescent à lorient la pulsation habite cette pièce et elle peut la quitter la pièce dure je crois trentaine de minutes là on est à la fin de la pièce Il y a des déplacements de la pulse, il y a tout un univers timbral qui est très drôle et très riche. C'est une très jolie pièce. Il n'en fait pas un programme. Donc les questions. Pourquoi je me mets ça Je vais vous en mettre une autre pièce pulsatile qui est euh, des années 80. Je sais plus de quand elle date. J'irai chez 80 ou 82. C'est ce que j'écoutais quand j'étais ado aussi. <truits> Salut Phil Morto. beaucoup d'entre vous ont reconnu Laurien Darson qui incarne une certaine forme de l'avant-garde new-yorkaise des années 80 oh, Sue, oh, Sue. Voilà. Donc je ne vais pas vous le passer en entier. De toute façon, à mon avis, ça va être coupé au son sur notre montage. Donc il est important que je dise rien de très important avant et après. Et pourquoi j'ai choisi ces extraits Pour vous montrer que retour ou pas de la pulsation, c'est jamais... Une question dans les productions contemporaines, elles apparaissent jusque dans les musiques les plus savantes, comme celle de l'Arenman, ou dans les musiques qui composent avec la pop contemporaine, comme Laurie Anderson. Il y en a d'autres, à la même période, il y a Art of North, il y a Meredith Monk, et euh, auparavant, l'inverse était également euh, vrai. Il y a des compositeurs euh, comme Pierre henri qui ont fait des jerks électroniques, c'est-à-dire qu'on injectait dans euh, leur musique expérimentale et euh, acousmatique, enfin électronique, euh, toutes les bases de la, la, la construction rythmique des musiques pop de l'époque, comme Gershwin en son temps l'avait fait avec le jazz, euh, comme euh, je sais pas euh, Chopin avec euh, les polonaises. On sent fou en fait, c'est pas une question. Donc chouiner sur la, la, la disparition éventuelle euh, de la pulsation euh, et son retour, c'est complètement cool. C'est-à-dire que dans les contemporains de Larry Mann, de Lori Anderson, etc., il y a aussi plein, plein de gens au même moment qui font des musiques bruitistes, qui poursuivent, euh, qui commencent des aventures des musiques micro-timbrales, il y a de la musique spectrale, il y a un champ très très vaste, la musique spectrale. Et, hantée aussi par une pensée, une pensée de la pulsation, mais pour, pour le coup elle est timbrale, c'est-à-dire que le son contient euh, lui-même, dans euh, ses propriétés physiques, une pulsation, qui est due à, à ses longueurs d'onde, à, à son oscillation, à, à sa structure physique. Il y a mille façons d'aborder la question de la pulsation, il n'y a aucune raison d'en faire un programme, et encore moins... Un programme obsédé de façon conservatrice par l'idée de la, la, la perte d'un élément essentiel de la musique et qui serait à retrouver. C'est vraiment une vision éclatée, parce que extrêmement parcellaire, complètement fantasmée et finalement assez inculte. Ce qui ne veut rien savoir finalement de, de, de la réalité factuelle de la production d'un moment, comme le fait du croc, qui parle toujours, je dirais, depuis une espèce de temps imaginaire où les choses sont unifiées, ressemblent ceci à cela, à tel moment. Euh, on y va. Je vous propose de voir ce qu'il en est 40 ans plus tard avec cet extrait trop court, pardon, du Concerto pour violon et orchestre de Carole Beffa. Que la prédiction de Jules Verne se bon, <coughs> euh... bon on va laisser jusqu'à la fin de sa phrase. Que la prédiction de Jules Verne soit réalisée. L'exemple que nous avons entendu en premier devrait suffire à nous en convaincre, surtout si j'ajoute que l'immense majorité de la musique de cette époque ressortissait peu ou prou à cette esthétique. Alors donc il veut dire de l'époque des années 60, c'est à celle de euh, Karl-Heinz Stockhausen. Euh, D'une part, c'est faux et d'autre part, il y a quelque chose de cohérent, salut aux disciplines. à ce que ce qu'on a appelé le, la sérialité généralisée aboutisse ici ou là à des formes qui vont étirer les propositions Schoenbergiennes assez loin dans l'après-guerre Mais c'est aussi le moment où tout ça s'arrête. C'est quand même une période relativement courte. Il y a plusieurs épisodes dans l'histoire, euh, dans l'histoire de la musique atonale. Euh, enfin, au oh, celle qui poursuit l'aventure schoenbergienne, parce qu'on peut appeler à tonal toutes sortes de musiques dès l'instant où elles se retranchent du fameux point d'appui dont il faut parler tout à l'heure, parce que les musiques modales aussi, en tout cas les musiques modales européennes, ça c'est le cas, reposent aussi sur des fameux points d'appui, donc des rendez-vous avec telle ou telle note, tel ou tel ton à tel moment, donc toute une organisation comme ça de préparation sonore à quelque chose. Euh, donc on peut appeler une musique atonale tonal, celle qui se soustrait euh, de, de ces structurations-là. Mais si on s'en tient à celle qui serait héritière du dodécaphonisme schoenbergien, donc de cette fameuse musique basée sur euh, on va dire la chute de l'hyperchromatisme jusqu'à la proposition des douze demi-tons, bah bon an, mal an, après les premières propositions de construction sur des séries comme forme d'organisation interne de la musique, jusqu'aux années 60, on va faire des propositions de plus en plus savantes, de plus en plus complexes, mais qui représentent un des aspects de la musique. Euh, je vous rappelle que notre zozo donne sa conférence en 2012. Il faut vraiment qu'on se garde ça en tête, c'est important. Il est en train de nous parler d'une musique qui n'a plus cours depuis plus de 40 ans. Et là, il nous fait écouter son pote Béchat. Alors, moi, je vais vous le faire écouter un peu plus long, parce que là, ça a l'air... On dit ah ouais, il y a des petits accents sympatoches. Enfin, bon, quand même, ça reste plutôt mauvais, mais écoutons ça. Je vous mets ça là. Voilà le concerto duquel c'est extrait en entier. Comme ça on va mieux se rendre compte. Allez on y va. Si on écoute effectivement en entier, on comprend mieux que euh, le petit père du croc a tenté de nous faire passer une vessie pour une lanterne en nous passant un extrait de Béfa où celui-ci a l'air d'être effectivement un compositeur contemporain. Si on écoute ce que je viens de mettre là, euh, on n'est plus du tout dans le même game. On est en train de se rendre compte qu'on écoute un type qui est mort quelque part euh, un peu avant Stravinsky ou vaguement dans les mêmes années. Donc là, alors vous pouvez l'écouter, oui je te copie le lien euh, Louisa, copier, mais c'est assez intéressant. Ah, je n'ai plus accès à mon chat. Allons bon. Je ne peux plus écrire dans mon chat moi. Et quoi ce bordel Alors. Afficher. Oh, ça me casse les burnes. Alors, chat, est-ce que je peux en avoir un hein, quelque part J'ai plus accès au chat. Bon, alors, je vais faire ça euh, dans le Twitch. Ce sera plus simple. Ici. Voilà. Ah hop C'est bon. Donc là, si vous voulez euh, découvrir effectivement Béfa, euh, l'homme qui a invité Ducrot, vous pouvez le faire en entier. Ça vous donne une petite idée de là où on est. Mais le plus simple, c'est peut-être d'écouter Ducrot lui-même. Je pense qu'on va faire ça. Est-ce que j'ai du Ducrot Là et là, on va comprendre qui on est en train d'écouter. C'est important. Pardon. Je vous mets le, le truc aussi. Alors les images ne bougent pas, faut pas m'en vouloir. C'est un bug de mon dispositif. Donc vous avez le son, mais pas l'image qui bouge dès que je regarde un YouTube. Je vous laisse en compagnie Jérôme Ducrot en personne. C'est une pièce de 2009 qui s'appelle Trio pour Piano, deuxième mouvement. Je vous laisse découvrir. Coquin. Et je vous mets le lien. Si vous avez vraiment envie de passer une soirée particulièrement chiante, on y va. Lisa l'a fait. <laughs> Mais il n'arrête pas d'en faire sur du courant. Hein. Il essaie de la placer juste un peu mieux pour obtenir le bonjour au calembour. Allez, on coupe ça. Et puis je sais que Guillaume ne va pas cesser de faire euh, des calembours sur, euh, sur du jusqu'à ce qu'il ait le droit à son petit bonhomme. What an incredible Voilà. Tu l'as pas mérité. Donc, vous avez découvert. Euh... Tu en as fait aussi sur H. Ah, je n'ai pas vu sur H, mais j'ai du mal à suivre l'intégralité du chat. Je suis vraiment désolé Guillaume. Enfin, du coup, tu as eu le, le petit salut quand même. On va continuer sur la conférence. Mais c'est assez intéressant non, de voir à qui on a affaire. C'est du sucre, ça fond. Faites-en exactement ce que vous devez faire de ce genre de choses. Vous, vous recyclez cette cochonnerie dans une boîte à musique. C'est ce type, non, qui est là en train de nous parler le plus sérieusement du monde, de euh, composition et, euh, et d'histoire de la musique, etc. On y va. Il est peut-être un peu tôt, en revanche, pour affirmer ici, sans l'ombre d'un doute, que la prédiction de Steve Reich se réalisera dans le même unanimisme. Même si nous avons de magnifiques exemples comme celui qu'on vient d'entendre, la lutte entre ceux qui souhaitent conserver le style musical atonal du XXe siècle et ceux qui souhaitent euh, s'en affranchir et âpres, et les seconds sont loin de l'avoir gagné. Les seconds sont loin de l'avoir gagné. Donc il y aurait une lutte entre les premiers et les seconds. Et franchement, il faudrait que ce pauvre homme sorte un petit peu de sa classe. De sa classe sociale, évidemment, et de sa classe culturelle, qui lui est plus ou moins superposable également. Et qu'il écoute la musique qui se fait tous les jours, loin de l'empire, de cette lignée de vieux bourgeois ridicules. Je vais vous redonner un lien, je ne sais pas si je l'ai là, je vais faire ça, aller voir ça, écouter toutes les musiques qui peuvent se jouer ici. Voilà. Ah vous m'en direz des nouvelles. Vous allez voir ce que font les gens depuis une quinzaine d'années. Ils font ça. Voilà. Ah Ils se battent pas pour savoir. Euh, à quelle espèce de, de domaine euh, de, de la musique euh, ils appartiennent. Ils en produisent une absolument insoucieuse de cette euh, chose qui n'existe pas, de cette lutte qui n'existe pas dont nous parle euh, Jérôme Ducrot. Donc allez voir ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Là, c'est un site passionnant. Où vous découvrirez des centaines de concerts. Voilà. Continue. Il me semble pourtant inéluctable que ce mouvement finisse par s'imposer et c'est ce que je voudrais tenter de montrer aujourd'hui. Pour cela, je vais me risquer à une étude comparative des caractéristiques respectives du langage tonal et du langage atonal. Pourquoi dis-je me risquer Parce que si les études particulières des différents styles contenus par chacun de ces langages sont nombreuses, on a cerné pour la musique tonale le style baroque, le style classique, le style... Euh, romantique, pour la musique atonale, le style sériel, le style post-sériel, spectral, euh, aléatoire, j'en oublie sûrement. On n'a pas, en revanche, l'habitude de se pencher sur les caractéristiques communes à tous ces sous-ensembles au sein de leur entité respective tonale-atonale. Bonjour le raid. Alors, j'arrive pas à lire. Le nom, c'est Gapos qui nous fait un raid. et bien, c'est super gentil. Bienvenue à bord. Bienvenue, Gapos. Ben, alors, tu arrives en plein milieu donc, de, de la tentative de décrypter. Merci d'être venu. Gapos et enchanté. Je crois qu'on s'est croisé, mais pas sur cette chaîne. On a dû se croiser ailleurs. C'est adorable de passer ici. Donc, on est en train d'écouter la conférence de ce pauvre du Et nous la passons au crible d'une analyse rapide, mais nécessaire, pour voir quelle forme de conservatisme désespérant habite cette triste conférence. Donc là, il en est à un moment euh, où il s'appuie sur la notion de style, euh, où c'est très, très bizarre de le faire. Déjà, il parle du style baroque. Euh, ça a un peu de sens. Quand il parle des de différentes catégories de style, il est en fait en train de parler de périodes et de périodes qui sont infixées. Salut à toi, uh, StackTear, bienvenue à bord. S'appuyer sur la notion pardon, de style. Pour faire exister aux choses-pieds dans des catégories naturalisantes et très générales des milliers de compositeurs, des compositeurs, on le rappelle, qui sont en lutte les uns contre les autres, qui s'aiment pas tellement, qui se tirent dans les pattes, et ça c'est pas dit hier, hein. euh, tout à l'heure on parlera d'Artusi, de Monteverdi, on va se marrer, mais c'est le seul moyen de faire exister des formes d'opposition comme celles qu'il nous présente là, qui elle-même escamote les antagonismes inter-individuels, un organisme violent entre les gens, dans des espèces de tensions imaginaires, entre des paquets imaginaires. Et quand même, il suffit de se rappeler, pour ceux et celles qui l'ignorent, je le répète, je suis né en 67, donc dans les années 80, par exemple, quand je suis adolescent, euh, la notion. De classique et de baroque n'a aucun caractère d'évidence à ce moment-là. Ce sont des caractérisations, c'est une, une nouvelle pensée de la périodisation, mais aussi euh, des approches musicales qui est proposée à ce moment, à ce moment et qui va euh, mettre du temps à s'imposer. À l'époque, quand moi je suis encore euh, un jeune adolescent, Bach est considéré comme un compositeur classique. On parle de musique classique pour ce qu'on a décidé désormais notamment à cause des enjeux qu'apportent avec eux des interprètes, les interprètes de, de la musique baroque, des gens comme bah, les écoles anglaises, Boyman, Jacobs, qui vont porter le projet qu'on appelle celui des baroqueux à bout de bras et euh, changer euh, complètement. Euh, vous parliez du, des troubles du spectre autistique. Ah oui, vous allez être complètement dans autre chose. Ici, on est plutôt dans les troubles du spectre artistique et euh, c'est une toute autre, toute autre dimension. Euh, mais c'est plutôt des troubles d'ordre politique auxquels nous sommes confrontés même si, euh, même si euh, ça a des effets euh, à, tout, à tous les nouveaux nos, nos approches même sensuelles de, de la musique charnelle etc. donc euh, quand laurent était adolescent bach était un de ses contemporains c'est ça. Un monde n'est fait que de contemporains, ça aussi c'est vrai, le, le présent est toujours profondément anachronique. De ça aussi il faut savoir tenir compte, ça veut dire que même cette périodisation, elle imbrique des cadres un peu anachroniques, elle produit en fait des assemblages. Il ne tient qu'à nous d'être assez prudents pour ne pas trop croire à nos assemblages, pour les laisser un peu de côté euh, au moment où il le faut. Je veux dire, c'est des, des façons conventionnelles de parler, mais ne pas leur accorder trop de crédit. Le style, c'est une notion fourre-tout. Ça évite de se poser la moindre question sur les singularités hein, qui se mettent en branle dans la création, qui se construisent euh, toutes seules, hein, comme des grandes, leur propre catégorie. C'est-à-dire, ils se construisent leurs objectifs, les, leurs ennemis, et tout ça à l'intérieur même de ce que Ducrot essaie de faire passer pour des espèces d'ensembles cohérents. Parler de choses qui n'existent pas, c'est une bonne façon de construire des antagonismes qui n'existent pas, des antagonismes artificiels, des guerres euh, imaginaires, pour planter un peu partout des petits drapeaux dans l'histoire. Alors la seule solution pour lui, ça va être de dire que par la suite, que ces catégories ont un sens, bon, même si au fond, rien ne rentre vraiment dedans. L'écueil d'une euh, analyse aussi schématique, je préfère le dire d'emblée, <laughs> est que je ferai peu cas de la frontière entre tonal et atonal, frontière qui est floue comme toutes les frontières artistiques et qui rend un grand nombre de compositeurs, notamment au début du XXe, inclassables selon cette terminologie. Mais la porosité de la frontière n'exclut en aucun cas la réalité de la différence profonde entre les entités qui s'en trouvent de part et d'autre. Et c'est elle qui, aujourd'hui, m'intéresse. Donc ça n'existe pas, mais ça existe. C'est exactement ce qu'il vient de me dire. Alors, que, que cette différence, elle ait été établissable à sa genèse déjà. Entre les musiciens qui accompagnent la naissance des propositions atonales, hein, comme on dit, mais ça n'a pas de sens. Ils sont les premiers à se lier étroitement aux propositions des anciens systèmes. Il y en a certains qui se basent encore, euh, qui vont revenir à des formes de tonalité plus anciennes. On l'a évoqué, ou même sur de la modalité, on a parlé de Debussy, on a parlé de Ravel. Donc, il faut savoir en fait qui aujourd'hui, à part Duco, serait intéressé à maintenir cette séparation. Comme tu le dis, Lucie, c'est complètement con. Ça n'existe pas, mais quand même, ça existe drôlement. L'intérêt, à contrario, d'une analyse aussi ouvertement binaire est qu'elle permet, au moins en partie, d'expliquer le divorce entre le public mélomane et la musique contemporaine au XXe siècle. Ah ça, ce, ce qui postule un divorce entre le public mélomane et la musique contemporaine du XXe siècle, déjà, postule... Un mariage auparavant, on a évoqué que cette question avait peu de sens, et en tout cas reposait au minimum sur d'introuvables preuves d'un âge idéal où ce mariage aurait eu lieu. Et ce divorce du XXe siècle, quand a-t-il lieu exactement À partir de quoi il le fait commencer À quelle date à Quel compositeur C'est quoi C'est Schoenberg exactement C'est à ce moment-là Ou c'est plutôt Stravinsky Ou c'est plutôt Varese oui, il parle d'un dit, dit divorce entre le public mélomane et la musique contemporaine du XXe siècle. Public mélomane, on ne sait pas si c'est le public qui est intégralement mélomane ou si est le public très ciblé de quelques mélomanes. Mais si c'est le public très ciblé de quelques manes, mélomanes, mélomane, c'est encore plus faux. Historiquement, il n'y a rien qui établisse ce divorce-là. Il y a à chaque fois qu'il y a de nouvelles propositions des heures, Il y en avait à la période de Monteverdi, des très violents également. Donc quand même ça ne date pas d'hier, mais pour l'heure, s'il y a un vrai divorce, c'est un seul tangible, pour parler de ce début du XXe siècle, puisqu'il s'agit de parler d'un champ, d'un saut de paradigme, c'est effectivement la réalité physique entre enregistrement et concert, qui va transformer les relations aux notions de présent et de passé, et expliquer quelque chose des nouveaux nuages qui peuvent se produire avec le passé. Lui, il y voit un divorce avec le contemporain. Mais c'est complètement con. Il pense à l'envers. Ce qui se passe au début du XXe siècle grâce à l'enregistrement, ça n'est pas que des gens rompent avec le contemporain, ils y restent attachés dans les mêmes proportions. C'est que d'un seul coup, ils ont accès à la floraison possible et immédiate de l'infinie variété du passé. Il pense à l'envers. Divorce dont témoigne, s'il ne fallait qu'un seul exemple, le fait qu'encore aujourd'hui, dans les conservatoires et dans les concours internationaux de musique, il y ait besoin d'imposer des, des pièces de style contemporain pour s'assurer que les étudiants en jouent. Mais. Quelle raison on imputera à la nécessité pour des étudiants, je crois qu'il parlait du public Mélomane. Là, il est en train d'un seul coup de passer à l'école, où des gens sont en train de se former, c'est-à-dire qu'a priori, il rentre à l'école en sachant peu de choses dans l'espoir d'en savoir un peu plus. À votre avis, est-ce qu'il n'a pas toujours été nécessaire dans les écoles de mettre au fait les élèves du contemporain comme du reste, parce que a priori, fondamentalement, ce ne sont pas des pièces plus difficiles à saisir et plus difficiles à jouer, qui vont les attirer si effectivement on ne leur demande pas leur avis. Quelle raison imputer à cette nécessité Parce que si on ne en... leur fait pas jouer euh, du Monchicourt, si on ne leur fait pas jouer euh, du Tartini, si on leur fait pas jouer les pièces obscures du plus grand répertoire du monde, qui est la musique baroque, le plus grand, le plus grand nombre de pièces, à votre avis, ils vont jouer quoi spontanément, les élèves Ils vont jouer du Bach Ou du Scarlatti, au mieux Peut-être du Vivaldi C'est pareil, en fait. Pour que des élèves aient jouer des choses qui soient un peu moins évidentes, il faut le leur imposer Bougredane de Ducrot. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit du contemporain, en plus, le répertoire contemporain est précédé grâce à des gens comme Ducrot de sa réputation d'extrême difficulté et d'obscurité. Autant dire que les étudiants, ils sont effrayés avant même de savoir de quoi ils retournent. L'environnement social et musical met en avant les mêmes compositeurs, sans piternellement, et ça au gré des modes. Moi, enfant, j'avais l'occasion d'écouter du Mozart au moins une fois par semaine, si le cœur m'en disait, en me déplaçant peu. Il y en avait même jusque dans la publicité. On entendait l'arrière en la mineur de la Reine de la Nuit pour vendre du riz qui ne colle pas. Mais où est-ce que j'aurais pu entendre du Berriot Nulle part Il n'était pas joué Qu'est-ce que ça nous dit Ça ne nous dit rien d'autre qu'un certain état de la consommation. Alors ce que Ducrot fait, c'est quoi C'est la valeur du plébiscite. Et en quoi le plébiscite est-il formateur En quoi est-il dépositaire de qualité Et comme le dit Glitch, ça pose une aura d'autorité à ses pièces, carrément. Donc, à partir de là, posons-nous un peu mieux les questions. Ça vaudrait le coup. Il n'est peut-être pas inutile à cet égard de rappeler que jamais on a dû imposer la musique romantique au 19e siècle, jamais la musique classique au 18e, évidemment. Contra Mais quel mensonge. <laughs> Ça ne fonctionne évidemment que si vous dites une énormité du genre la musique romantique. À partir du moment où ils acceptaient l'idée que la musique romantique n'existe pas, mais qu'il y a plein de compositeurs romantiques, il y en a peut-être un ou deux qu'on accepte et que les autres sont balancés aux orties. Il se trouve que la musique romantique, personne ne va l'écouter parce qu'a priori, elle ne compose pas la musique romantique. Schubert compose. Euh, Berlioz compose. Beethoven n'est pas romantique, mais compose. Brahms compose. Mendelssohn compose. La musique ceci, la musique cela ne compose pas. Elle donne pas de concert. La musique. Donc, ce qu'on appelle en historien musique romantique, c'est le regard rétrospectif qu'on porte sur un siècle de production musicale, quelques plans théoriques et un grand ensemble de pièces. Alors, trop fatigué pour choper ces belles citations au vol, d'accord. <laughs> il est con comme une barrique et d'une mauvaise foi ahurissante, nous dit Guillaume. Oui, oui, complètement. Et le sort, en tout cas, de tous les musiciens, il n'est pas égal. Berlioz, il se fait envoyer bouler pour ses opéras, alors que la vieille courge décorative de Gounod, qui n'a donc plus personne n'écoute aujourd'hui, est adorée à ce moment-là. Je vous rappelle, à toute fin utile, puisque Ducrot parle avec une certaine légèreté de la musique qu'il dit classique au XVIIIe, même si c'est un lieu commun dont on vous a sans doute rebattu pas mal les oreilles, le docteur Platz, membre du conseil de Leipzig, quand il s'agit d'attribuer la chair d'orgue qui était vide et qui avait été refusée par Téléphone qu'on ne voulait pas, par quelques autres qu'on ne voulait pas, qu'est-ce qu'il écrit dans sa correspondance à propos de son choix de Jean-Sébastien Bach Pour des raisons importantes, la situation est délicate et puisqu'on ne peut pas avoir les meilleurs, alors on va prendre les médiocres. Il parle de Bach. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie du croc Avant, tout le monde aimait la musique de son temps qui ne blessait pas les oreilles. Voilà ce qu'il dit en fait. Leipzig, ouais, ça se prononce comme ça, je crois. Bon, moi, je vais faire un petit pipi. Je vous laisse méditer sur ces conneries. Euh... Non, je ne vais pas vous faire écouter euh, un nouveau Finkel Crow. Je ne vais pas vous faire ça. Je vais vous mettre un petit machin le temps que j'aille faire pipi. Tiens. allez, un truc que je ne sais pas quoi c'est, mais voilà. C'est un des concerts. Euh... On y va. C'est papyro. Je ne sais pas ce que ça vaut. Papyrus. Oui, c'est pas ouf <laughs> alors pas de chance de l'ambiance un peu chiant t'as pas été au bout de leur concert oui c'est carrément pas top je <laughs> suis vraiment désolé j'ai pas choisi par j'ai pris un peu au pif j'arrive attendez Je ferme la porte parce que c'est un peu difficile de conserver un minimum de chaleur dans cet atelier. Non, c'est papiro, c'est pas papirote. Alors, pause, pipi, pause. Voilà, trop fatigué pour choper les belles citations. Je regarde un tout petit peu le chat. Je suis désolé si je ne vous suis pas. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que On va continuer avec la conférence de ce euh, zozo. Je parlais de, de quoi Je parlais de tout le monde aimait la musique de son temps qui blessait pas les oreilles. Euh, je vous ai évoqué tout à l'heure très très rapidement euh, Artusi <coughs> et Monteverdi. Alors il y a une très belle conférence là, enfin non, une très belle pastille euh, qui va me permettre aussi de vous faire découvrir un site absolument génial que je vais souvent voir. Voilà, et je vais vous le mettre. Hello. Hop, hop, hop. C'est ça. C'est un site qui s'appelle Early Music, qui est vraiment très très bien. Donc c'est ce monsieur qui est assez brillant. Welcome to earlymusicsources.com. My name is Elamoten. Today we're we'll talk on. about Giovanni Maria Artusi. And what exactly he was upset about. Donc voilà, il dit qu'on va parler de Giovanni Maria Artusi et ce qui l'énervait énormément. Je vous file le lien, allez voir ça. Cette chaîne est extrêmement intéressante et le type est brillant. Ne vous inquiétez pas, il y a des sous-titres français. Ouais, Ce n'est pas des sous-titres automatiques, ils ne sont pas trop mal foutus. Euh, donc, allez voir ça. Et c'est l'affaire Artusi-Monteverdi. Euh, c'est un lieu commun de la musicologie, mais ici, il n'y a pas que des hein, musicologues, il n'y en a même pas. Moi, je ne suis pas musicologue et Brandberg n'est pas là. Donc, je suppose qu'il n'y a pas lourd de musicologues là. Euh, du coup. De quoi nous parle-t-il C'est quoi cette affaire Artusi-Monteverdi Monteverdi a poussé très très loin. L'art euh, d'entraîner euh, le dispositif tonal dans lequel il écrivait loin de lui-même, en produisant des cassures de tonalité ahurissantes, et euh, notamment dans les périodes les plus tristes de sa vie, alors qu'il avait perdu successivement. Euh, je crois que c'était une jeune chanteuse de son entourage avec laquelle il travaillait, puis sa compagne. Donc, euh, les lamentations sur la mort d'Ariane, il les, les, y a des pièces qui sont mais, déchirantes de Monteverdi, et il, il fout tout en l'air. Euh, donc Monteverdi, on est euh, au XVIe siècle, je crois, enfin vérifier dans le, dans le chat les dates exactes de Monteverdi. Et Artusi, quand il parle euh, de Monteverdi, il le dégomme dans cette conférence, dans cette pastille. Artusi vise Monteverdi, ça vous parlera de ça dans le détail, en disant que euh, lui il défend le contrepoint et il dit que les madrigaux de Monteverdi font saigner les oreilles. Il le dit littéralement dans son traité. Il dit, ça blesse l'oreille. Il établit une espèce de partage expressif entre la bonne et la mauvaise dissonance. Il y a des bonnes et des mauvaises dissonances qu'offre Du croc tout à l'heure, vous verrez. Hein. Au nom essentiellement de quoi bah, de la tradition. Et la tradition, c'est la tradition. Il faut pas discuter de la tradition. C'est la tradition. La tradition, ça ne discute pas. Ça, c'est la tradition. Il tient aucun compte de l'expression. Il tient aucun compte ni du texte sous-tendu qui est très important chez Monteverdi. Et il découpe à la hache les extraits sans texte de Monteverdi dans son bouquin puisqu'il va écrire un bouquin contre Monteverdi hein, pour appuyer sa démonstration. Et il en fait un faux dialogue histoire de rendre vraiment Monteverdi complètement con. Donc c'est euh, méthode assez traditionnelle hein, de faire ça. C'est la méthode du croc en fait, quoi, de faire parler des gens qui n'existent pas, de fabriquer des épouvantails. Alors, évidemment, avec le temps, d'une certaine façon, Artusi a gagné pour un temps. C'est-à-dire que les constructions de Monteverdi, leur complexité, leur étrangeté, pour ses contemporains, elles vont pendant un instant, merci pour les dates, donc fin 16e, euh, milieu 17e, merci beaucoup. Euh, ça va passer un peu de mode. Et puis, ça a été perdu devant l'histoire de la musique, devant la modernité, puisque bon, bah, ça forme le socle, tout simplement, de ce que ça va devenir à l'avenir. Pour laquelle, bah, pour les constructions desquelles les audaces du passé deviennent les conventions du lendemain. Donc, il a un peu perdu et beaucoup gagné. C'est-à-dire que toutes les audaces de Monteverdi vont devenir, le, finalement, le socle commun des constructions musicales du, du siècle qui suit. Petit moment d'apaisement, bon c'est bizarré, reste encore trop des bizarreries. Elles sont inintégrables dans ce qui se passe parce qu'il a, on va dire, quelques longueurs d'avance. Et puis, tout simplement, il construit les socles de demain. Tout simplement parce que c'est drôle qu'un type comme Ducrot existe. Parce que les audaces l'emportent toujours sur le conservatisme, dans toute l'histoire des arts. Toujours. C'est les audaces qui restent. Les retours, c'est jamais des retours. C'est des dévoiements qui aboutissent à des formes qui n'ont aucun rapport avec leur modèle. La Renaissance italienne, ce n'est pas l'antiquité dont ils se revendiquent. C'est un drôle de truc très bizarre qui trahit la totalité des bases de ce que pouvait concevoir un architecte ou un sculpteur grec. C'est autre chose. On ne produit jamais le passé. Et les audaces l'emportent toujours. Les gens comme Ducrot, depuis, depuis Pline, ils perdent dans leur lamentation. Donc pourquoi ils continuent est-ce qu'ils ne savent donc rien Ils ne savent pas qu'ils perdent toujours. Ducrot, lui, contrairement à Artusi qui a gagné un moment, il a fait que perdre. Là, il a que perdu. Et vous savez pourquoi Parce que Artusi, lui, s'en prenait à la musique de son temps, à son contemporain immédiat, dont il comprenait littéralement pas du tout la musique, mais peu importe. Mais Ducrot, le pauvre, il n'est pas contemporain des compositeurs qu'il détruit. Là, il va ridiculiser Schoenberg, qui est mort depuis un paquet de temps. Il s'en prend à une pièce de 1960 de Stockhausen. Ce genre de conneries sur la musique contemporaine, comme sur la musique romantique, la musique classique, mais, mais ça tient debout que quand on s'arrime à des catégories vaseuses. Vous ne serez pas étonné si je vous dis qu'une salle actuelle qui va donner du Steve Reich, bah elle est pleine, hein, sans aucune difficulté. Et qu'une salle qui donnerait, par exemple, je ne sais pas moi, au pif, hein, pour reprendre le mec dont je parlais tout à l'heure, du claude de Balif, euh, voilà, hein, bah elle aura du mal à remplir une baignoire. Bah oui, évidemment. Et, et vous pensez que c'est quoi Que c'est des problèmes de tonalité ou c'est des problèmes de pop culture À votre avis Problème de tonalité ou problème de pop culture Qu'est-ce qui fait qu'une salle de Sivrach est remplie et une salle de, bali de, de Balif est vide Ce n'est pas très compliqué. Sivrach est le compositeur favori des rockers, par exemple, qui le cite beaucoup en exemple. Il euh, y, des... y a toute une postérité raïchienne qui existe dans la musique pop et rock. Bon, je ne peux pas résister au plaisir, d'abord parce que cette conférence s'est déroulée exactement au même endroit. Quelques décennies plus tôt. Et parce qu'elle est en Collège de France, parce qu'elle défendait le même point de vue, elle arguait elle aussi, d'une naturalité, de la tonalité, un caractère physiquement répulsif de la dissonance. Je vais vous faire écouter un petit extrait de « Musique tonale et atonale, le grand schisme » de André Lavagne. Je crois que j'ai mis ça sur ma petite liste. et J'espère que je ne l'ai pas oublié. Oui, c'est ça. C'est une expérience d'un autre, autre, autre ordre, ordre, à laquelle se à sont liées les vieux mystes Ferfir et Benzimon, qui furent les premiers à mesurer la, la viscosité sanguine. Prenant un patient, ils lui ont fait en servir une aiguille, royée à leur appareil de mesure à sang sanguine, placée sur sa tête un casque d'écoute, et lui ont fait entendre une musique de plus en plus dissonante. Au fond, il y mesure que les dissonances ont croissé, L'appareil montrait que, que le, son, le sang s'est Jusqu'au moment, moment où on met de notre intolérable le, le patient à chaque casque. On a également sorti que les, les jeunes, jeunes, dans son, son, son encart cave, cave aux sons des musiques musique, tonitruantes, deviennent médicalement sous. Cette tolérance entraîne une altération momentanée de l'ouïe. Sur un autre plan, je citerai cette parole de Spengler. La tonalité est à la musique ce que la perspective est à la peinture. Comparaison saisissante, car elle met en lumière l'un des apports fondamentaux à l'œuvre musicale, le sentiment de la vie. Concertons en fa, symphonie en la, dans les programmes. Précaution bien inutile. La tonalité s'impose d'elle-même avec une telle force que nous lui obéissons dès la première rencontre. Elle apporte. Une logique si parfaite au langage musical que nous saisissons intuitivement des rapports hiérarchiques. Intuitivement Le Rusteplov, auteur d'un traité sur la psychologie des aptitudes musicales, rapporte des résultats analogues et son enquête montre que si on demande à un enfant d'improviser la fin d'une mélodie interrompue, il revient naturellement sur une tonique ou une dominante dont il subit l'attraction. Tout ceci prouve que la tonalité gouverne toute la musique, et il n'est pas exagéré de l'appeler loi de la pesanteur harmonique. Cette capitulation devant les lois naturelles apparaît tout aussi clairement dans les arts plastiques. Avec une grande pénétration et sa puissance de synthèse, René Huyghe la juge inséparable de certains phénomènes mentaux et y découvre les symptômes de l'état d'esprit schizoïde. Vous avez plus d'écho, j'espère. J'ai viré l'audio du bureau, ça doit fonctionner. Qui signifie littéralement dissociation ou discordance entraînant l'impossibilité de s'adapter à une situation donnée. Cette anomalie du caractère se traduit d'abord par la rupture du contact vital avec la réalité. Il se complique de représentations abstraites déconcertante, d'obsession géométrique, d'un repli sur soi-même, d'un rationalisme morbide et d'un conflit constant avec l'ambiance. Vous voyez tout ce qui arrive quand on n'écoute pas de musique tonale Répandu à la façon d'une épidémie sous la pression du monde contemporain. Donc où on, où on est 40 ans avant hein, ou quelque chose comme ça. trans, monde matérialiste, l'homme angoissé a perdu le sens, la transcendance. <laughs> L'abolition des cadences avec leur succession. Je vous en ai mis un deuxième petit bout. Désolé pour euh, l'épaississement du sang qui est passé euh, avec de l'écho. Hein, je suis vraiment désolé, c'est parce que j'ai oublié de couper l'audio du bureau. On écoute la suite, c'est trop drôle. De tension et de détente, la suppression des grandes lignes, l'indifférence totale quant au rapport des notes entre elles, ont eu pour premier résultat de laisser l'auditeur dans un état de tension permanente. Cette musique, à l'état de marqueterie, ne manque ni de timbres inattendus, ni de couleurs chatoyantes, ni d'un dynamisme rythmique. Mais recouverte d'un voile d'obscurité, elle plonge l'auditeur dans la pénombre. Et celui-ci, privé du sens de l'orientation, cherche à tâtons un suis -je? chemin. Oh, Qu'ils ne trouvent jamais. Au secours. À la cohérence. J'ai perdu la nature, ma tonalité. Oh, aucune contrepartie n'a pu être apportée. Je suis confus. Les de la matière sonore, oh, sous l'impulsion électronique, a de submergé moi. les musiciens. Et après des essais de haute mathématique, ils se sont réfugiés dans des structures puériles. Plus on avance dans cette période musicale, plus on va grandir le vide. L'initiative <laughs> n'appartient plus aux musiciens mais seulement à la machine ou au hasard. Et je citerai René Huyghe, l'art a perdu sa foi en l'homme et en lui-même. En <laughs> ouais, Il s'amuse à fabriquer des jouets optiques comme le fait l'art cinétique. Et j'ajoute qu'un monde d'objets fabriqués est un monde sans durée, sans relation organique un monde dissocié et dépourvu de sens, un monde factice. Tandis que les réalités naturelles ont une genèse, elles naissent, elles évoluent, on peut en discerner le sens, l'orientation. Les jeunes musiciens, dans leur véhémence anarchique, croient multiplier les audaces alors qu'ils donnent le spectacle du conformisme le plus étroit. J'admets que c'est un coup bas de ma part. J'ai tenté d'esquisser devant vous ce grave problème de l'évolution musicale qui exigeait de vastes développements, mais il apparaît clairement que la musique, elle aussi, subit la crise de civilisation. <laughs> Nous sommes encore des créatures terrestres, écrit Leonard Bernstein, le célèbre chef d'orchestre, génie virtuose. Et aussi longtemps qu'un homme s'adressera à un autre homme et touchera celui-ci, l'humanité connaîtra le salutaire réconfort d'une réponse. Tonale. Et Bernstein établit un parallèle entre la mort de la tonalité qu'on ne sait de proclamer et la mort de Dieu qu'on célèbre à grand bruit. Cependant, terminons sur une note d'espoir. Pourquoi certaines recherches ne mèneraient-elles pas féconder l'imagination d'un musicien dont le génie, bien sûr, serait les incorporer au langage traditionnel et faire naître une nouvelle floraison de la musique mais pour cela, il faut se délivrer des abstractions. Fuir un univers glacé, briser un monde clos et revenir à ses lois naturelles, donner toute poésie. Ce jour-là, l'homme se retrouvera en entier dans une musique à la mesure de son rêve. Mais ce sera, n'en doutons pas, à la manière de ce vieux laboureur d'une légende médiévale qui a force d'enfoncer son soc dans le vif de la glèbe Traversa toute l'épaisseur de la Terre, et qu'est-ce qu'il dit poindre, au bout du fer de la charrue, la lumière d'un autre ciel. Bravo 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 Avouez ah que c'est bon quand même, c'est très très drôle, c'est extrêmement marrant. Donc, si vous voulez la conf en entier, je vous file le lien, parce que ça vaut son pesant de la frais. Moi, je vous en ai mis qu'un tout petit extrait, ça dure plus d'une heure. Évidemment, de ma part c'est un vilain coup bas de foutre ça en pleine euh, conf sur euh, Ducrot. Qui ne <laughs> va pas en sortir grandi, le pauvre. Ça va être très compliqué de lui redonner du sérieux après ces conneries, mais qu'est-ce que vous voulez? Euh, je sens qu'on n'aime pas beaucoup les réactions. Oui, tu as raison, Guillaume, il y a une petite réacophobie, c'est pas bien. Euh, oui, tu as raison, c'est pas bien du tout. Allez, on continue avec notre ami Ducrot. Hein Marrons-nous un peu. On savait être éloquent à l'époque. Ouais, on savait faire ça, Docteur Wack. Bienvenue à bord. On continue chez notre ami Ducros. Clairement, à ce qu'affirme toutes les reconstructions fallacieuses de l'histoire de l'art, la musique du moment a toujours été la préférée des amateurs, à l'excès. Alors, déjà, la musique du moment, ça n'existe pas. Je mets. Au défi qui que ce soit de me dire quelle est là, en, en novembre 2022, la musique du moment. Il se joue, ne serait-ce que dans cette toute petite portion du monde qu'on appelle France, des centaines et des centaines de formes musicales extrêmement hétérogènes et dissemblables. La musique du moment, ça n'existe pas. Tous les siècles sont traversés par des tensions. Violente entre artistes et mouvements. Aucune discipline n'échappe à ces facteurs, pas plus la musique qu'une autre, des fractures qui se répercutent d'ailleurs dans les choix des différents publics, dans les nôtres. D'autre part, Ducrot oublie un détail. Il n'y a aucune musique du moment, depuis le jour où on peut enregistrer toutes les formes jouées préalablement, d'abord sur des micro-sillons, et puis sur des bandes magnétiques, et désormais encodées en bits. Le présent du 20e siècle, comme tout présent, enfin du 21 pardon, mais qui commençait à enregistrer avec le 20e siècle, donc le présent du 20e siècle qui commence, est complètement anachronique. Le présent du 15e l'est déjà, c'est-à-dire on trouve des formes euh, archaïques dans la peinture du 15e siècle, on trouve euh, des formes archaïques dans l'architecture du, du, du 15 siècle, mais dès l'instant où on peut enregistrer la musique, et enregistrer les images, et avoir une relation continue à la conservation. Notre siècle et le précédent sont anachroniques, sont soumis en termes de visibilité pour chacune des propositions musicales à la circulation, à la publicisation qui touche toutes les marchandises finalement. C'est impossible que Ducrot ait jamais entendu parler d'Adorno, ni d'industrie culturelle, par exemple. Il se fout un petit peu de nous. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire de notre moment Il aurait une drôle de gueule au Collège de France si on le faisait effectivement euh, euh, reposer sur ce qui remplit les salles, le moment de Ducrot. Est-ce qu'il sait que parmi les musiques les plus écoutées du moment, par exemple, en ce moment, il y a les musiques de jeux vidéo. Il y a tout un public qui écoute les musiques qui sont composées pour leurs jeux préférés, qui sont pour la plupart du temps des musiques néoclassiques dans leur structure et dans leur tonalité. L'endube de l'été ah Elle est magnifique. What an incredible carambou <laughs> Alors là, c'est beau comme du suze, hein, et je dois dire. Exception donc, exception remarquable du XXe siècle. Pourquoi ce divorce C'est ce que nous allons tenter de comprendre. J'avancerai seulement pour l'instant qu'on ne peut plus raisonnablement l'imputer ce divorce à une peur du nouveau. Tout d'abord, nous verrons que la musique contemporaine n'offre rien de profondément nouveau depuis des décennies. Il y a déjà pas mal de trucs à dire. Vraiment. Et déjà, c'est peut-être le moment de se faire un petit peu d'écoute. La musique contemporaine n'offre rien de profondément nouveau depuis des décennies. Alors, je vous ai passé déjà un lien vers USSR et je vais vous faire écouter un petit truc. Juste des petits extraits du moment. On y va et c'est tout ce qu'on... C'est simple. On y va. On va commencer par Manolito euh, Amanit, puis un petit bout de Claire Bergerot, et puis un petit bout de Pascal Batus, et puis un petit bout de Thibaut Coest. On voit. Ça, c'est juste des trucs produits dans les 3-4 dernières années. passe à Claire Bergerot. Oui, si, oui, c'est effectivement une forme dérivée de jazz. Oui. Une, une exploration systématique du mouvement de respiration d'un accordéon. Une pièce très simple. Carbergeron, chanteuse et accordéoniste. De cette musique, qu'elle est tonale ou atonale, n'a évidemment aucune sens de sens. Il n'y a aucun moment où elle touche à ces catégories. C'est une pièce plus récente, Glitch. juste la mise en œuvre d'une exploration particulière de l'accordéon. Ensuite on passe à Pascal battus Il est évident que là je vous fais écouter des pièces qui sont toutes composées plus ou moins dans les cinq dernières années. On pourrait remonter jusqu'aux fameuses années 60 qui provoquent les petits hurlements de, de Ducrot et trouver pour chaque année une centaine de pièces qui offriraient de l'invention progressive, de la transformation, de l'exploration, des larges pans, une certaine profusion, une hétérogénéité, parfois pulsative, parfois, pas, parfois même tonale, peu importe. Et l'affirmation selon laquelle la musique contemporaine n'invente rien, est juste fausse. Ces musiques que nous écoutons n'ont -ce Ces musiques que nous écoutons n'ont rien à voir. Rien en commun avec le clavier Stöck, le de que nous écoutions auparavant. Et c'est normal. 60 ans les en séparent. Qui n'ont pas cessé de produire des cadres d'invention sonores, musicales, structurels, compositionnels. Bonsoir à toi, Nejman. En entier, parce que pour moi, il y a quand même, on a encore pas mal de conférences de ce zozo à écouter. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est quand il parle de musique contemporaine, ça fonctionne si, si justement vous parlez de la musique contemporaine qui fait des choses. Mais pour ça, il va falloir écarter la quasi-totalité hein, des productions contemporaines elles-mêmes du champ musique contemporaine. Il faut enlever les vraies choses pour que ça marche. Cet argument que ça invente rien, c'est toujours celui de la réaction. Comme quand vous avez des vieux fossiles qui vous traitent de ringard, c'est toujours le même renversement. Les gauchistes ne sont pas les humanistes que l'on croit. Alors, comme ça, on peut oublier toutes leurs valeurs pour, sur lesquelles ça repose pour pouvoir s'asseoir dessus et se comporter comme une vieille merde de droite. La modernité n'est pas vraiment moderne. Alors, comme ça, on peut faire dodo dans une couche archéologique sonore et ça nous fait un joli petit lit de caca sédimentaire etc etc. Vous entendrez Toujours la même chanson, avec toujours le paradoxe, au nom d'une éventuelle introuvable modernité, de nous faire choisir de l'appétit pour le passéisme. Ça n'a aucun sens. Oui, oui, Batus a travaillé avec Jean-Luc et, euh, et euh, comment euh, Claire Bergerot aussi. Ils ont fait des albums ensemble. Et, et, bah, je peux vous faire passer d'ailleurs, tiens, j'ai une idée. Et d'autre moi... part les mélomanes qui se sont... pardon dans euh, les écoutes j'ai oublié un autre petit okay. qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une connerie attends qu'est-ce que j'ai fait mais où est euh, Timothée Costa tiens il manque quelque chose j'ai l'impression que j'ai fait une connerie ah je sais pourquoi j'ai j'ai fait ça. Non, non, c'est une erreur. J'ai oublié de vous faire écouter un autre joli truc puisqu'on était dans les euh, les écoutes néo-néo. C'est ça. Écoutez ça aussi. Même période. Voilà. Timothée coste Très chouette. Euh... Se moquer du caca sédimentaire dit Lucie je commence à être fatigué oui l'énergie fossile de demain et là on n'est pas loin de la balade de la chanson et pour autant Elle n'est pas sans lien avec des expériences précédentes, avec Craig Burke, avec des choses comme ça, des années 80. Mais c'est encore une autre chose. Voilà, c'est tout. J'avais oublié ce petit extrait. Donc, on reprend euh, la conf. Refuse à la musique contemporaine vont très volontiers voir le dernier film, achètent le dernier livre de la rentrée littéraire, ils n'ont pas en soi peur du nouveau. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que ça ne peut pas être la peur du nouveau qui fait reculer les gens, parce qu'ils vont écouter, ils vont regarder les derniers films. Mais de quoi il parle On est en pleine approximation. Il dit... Les mélomanes qui se refusent à la musique contemporaine, c'est le terme qu'il emploie. Voilà, bon, j'ai coupé à un mauvais endroit. Je suis désolé, c'est pas facile de revenir en arrière. L'interface ne le permet pas, mais c'est ce qu'il dit. Il dit les mélomanes qui se refusent à la musique contemporaine, ils n'ont pas peur du nouveau parce que la preuve, ils vont voir les derniers films. Et de qui il parle est-ce qu'il y a un endroit où se réuniraient des mélomanes particuliers qui se refusent à la musique contemporaine Est-ce qu'il y a un club de mélomanes qui se refusent à la musique contemporaine Qui thématise ces questions du refus de la musique contemporaine Qui se définissent comme ça Et de qui vient, du coup, l'appellation de mélomanes Qui les désigne comme tels qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Phil Morteau dit le terme mélomane m'exaspère, il est tellement élitiste. Oui, il est hors sujet, en plus. Il, est... il suppose un degré de spécialisation de l'écoute qui est très mise à mal notamment par Helmut Lahrenmann, mais qui nous dit aussi une incapacité pour le spécialiste de se faire écouteur, c'est-à-dire de devenir mélomane, parce que précisément il est pris dans des dispositifs préconçus d'écoute. La mélomanie, au sens où on pouvait entendre ce terme jusqu'à il y a longtemps, est condamnée à mort. Réellement, elle n'a pas de sens. Ce qu'elle suppose de relation à l'écoute n'a plus de sens. Ça fait un moment que ces questions sont disloquées. Et je pense évidemment au arcs électronique de, de Pierre-Henri. Mais on, on, dans les années 90, il y avait un compositeur qui s'est fait une spécialité de cette destruction, on pourrait dire, des, des, euh, des cloisons épistémocritiques entre les différentes zones de production médicale. C'est John Zorn. Il a construit toute sa carrière là-dessus. Et rien que ça, ça donne à apprendre à congédier d'une certaine façon la relation à la mélomanie, qui n'a pas de son. Et on apprend en plus par Ducrot que cette catégorie mystérieuse de la population, les mélonades, va voir les derniers films. Mais quels films, du coup Qu'est-ce qu'il veut dire Qui va voir quoi Est-ce qu'ils vont voir le dernier Marvel Ou est-ce qu'ils vont voir le dernier Lodge Kerrigan Parce que ça, il ne le dit pas. Le cinéma se trouve, comme toutes les productions artistiques, exactement dans le même type d'écart et dans le même euh, caractère hétérogène, euh, complexe, varié de productions artistiques. Les mêmes écarts, avec les mêmes questionnements. Donc, dire ces gens, absolument inexistants, on ne sait pas de qui ils parlent, euh, ils n'ont pas peur du nouveau, là, après ils vont voir les nouveaux films et ils ne vont pas écouter les nouvelles musiques contemporaines. Mais de quoi tu parles Et surtout, c'est quoi le rapport À quel moment, si on mettait statistiquement le doigt sur cette réalité vaporeuse évoquée par notre petit Ducrot, on pourrait tirer une conclusion intéressante d'une telle corrélation euh, Pour que ça marche, mais pour que ça marche, il faut avoir essentialisé la catégorie du nouveau. Il faut l'avoir fait soi-même. Il faut avoir développé cette certitude que, par exemple, ce serait l'horizon des gens. Le nouveau, mais mais personne ne pense comme ça. C'est à -dire que dans la tête de ce genre de gens que déjà ce nouveau serait une espèce d'horizon. Et puis c'est quoi la peur du nouveau mais Qui a peur qui thématise cette peur en fait Qui a-t-il dans le nouveau aussi qui soit nouveau Qu'est-ce que on peut pas l'essentialiser Ce qui se discute par exemple des usages instrumentaux. Parlons de la nouveauté sérieusement et qui peut opposer encore régulièrement des instrumentariums classiques et électroniques. Ou ce qui peut opposer ces musiques euh, d'instruments avec de la musique d'objets, ou la musique de court-circuit, ou le field recording. En fait, ça, par exemple, c'est sans aucun rapport avec la nouveauté de l'écriture ou de la composition. C'est des batailles de lutterie. Et les relations à la nouveauté, elles, elles ont des déplacements potentiels. Il y a différents questionnements dans ces relations. Elles ne sont pas toutes progressistes, par exemple. Et elles ne sont pas toutes soucieuses des mêmes caractères de nouveauté. Les relations à la nouveauté, elles ne sont pas plus essentialisables que tout à l'heure celles de style. Qu'est-ce que vous me dites, les gens Alors, le dernier film qui sort, ce sont les films Mellow Man. Non, mais c'est pas vrai. What an incredible C'est une honte. Hein. Euh, les films tonal. <laughs> c'est ça, ouais. Est-ce qu'ils vont voir l'un et l'autre Mais tout ça n'a pas de sens. De toute façon, la question est tellement, tellement, tellement dingue. Les mélomanes contre les pétomanes, moi, je pète. <laughs> Allez, on continue avec cette enduit de Dicro. Les raisons du passage à l'atonalisme au début du XXe ont été abondamment décortiquées. Celles du retour remarquable de la tonalité au sens large ces dernières années n'ont pas fait l'objet d'une analyse aussi approfondie. Elles sont surtout commentées, disons, en surface par. Il est en train de nous dire, il est en train d'affirmer qu'il y a un retour à la tonalité, mais qu'on n'en parle pas. Sans doute parce que ça menace l'ordre du monde, je suppose. Donc... Alors, donc, il faut déjà que ce soit une vérité avérée, ce retour à la tonalité, et que du coup, on ne le commenterait pas, sauf de surface. Et il y aurait forcément des bonnes raisons à ça, n'est-ce pas Hein Alors, d'une part, il bon, n'y a aucun retour à la tonalité. Hein. Là, je vous ai fait écouter des tas de trucs. La euh, bah, question de la tonalité, on... très sincèrement, on s'en balèque. Il hein. y a tout au long du XXe siècle, il y a toutes sortes d'approches. La plupart, par ailleurs, se foutent éperdument de cette histoire la tonale, tonale Il est fixé, effectivement. Il y a un petit retour assez pathétique, des rengaines moisées en berlificoté, dans des vieux costumes de convention, qui passent par quoi bah Par la musique de cinéma en ce moment. C'est vrai, la musique de cinéma, elle est. Je me souviens de. Comment de Straub qui disait, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces, 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 ces flots de soupe permanente à l'arrière-plan La musique du cinéma, elle est essentiellement pompière, elle est décorative, elle est bête à bouffer du poing, elle est lourde, et elle est principalement anglo-saxonne. Et que cette soupe surexpressive, fondamentalement mélodique, soit parfois piquée, des petites formes réduites à un cliquetis de piano tout maigréchon pour accompagner des fois la tristesse de machin ou l'ennui de truc dans la millième merde hollywoodienne du moment, ça, ça marque un seul truc, hein. c'est que les compositeurs ils se font chier eux-mêmes, ils s'emmerdent dans leur post-afterback romantisme à la con, au moins autant que moi quand je les entends, et ils changent des idées de temps en temps avec une petite cure d'amaigrissement à base de neurasthénie pianistique. Mais il n'y a nulle part ailleurs qu'il y a cette espèce de retour. En fait, il y a des continuums euh, contemporains, dire contemporains entre eux, de recherche dans différentes pistes d'interrogation musicale de temps en temps, il y a une réémergence de certaines catégories parce que des très jeunes compagn... pardon, euh, compositeurs, ça de trucs de vieux parce que pour eux, ça n'est pas connoté. Donc, du coup, ils trouvent ça chouette. Là où les compositeurs les plus vieux disent mais c'est des vieilles merdes, ça, ça n'intéresse personne. Résultat, en ce moment, il y a plein de jeunes compositeurs qui euh, vont puiser dans le crowd rock, enfin, dans toutes sortes de trucs que pour ma part, je serais incapable d'écouter parce que, bah, eux, ils sont nés dans les années 2000, donc la musique des années 80 peut avoir un certain intérêt. Pour moi, il n'en a absolument aucun, évidemment. Et puis, ils vont bricoler leur truc avec ça. Donc, voilà, il y a des jeux de tension permanents, mais qui ne sont pas propres à la musique. L'histoire de la Renaissance italienne, que je connais un petit peu, est faite exactement de la même façon de ce dont je vous parle en ce moment, dans les relations euh, aux, aux conventions, aux, aux vieilles choses, à leur recyclage, etc. C'est exactement pareil. C'est une bêtise similaire d'ailleurs quand il parle de la rentrée littéraire. Oui, il ne sait pas de quoi il parle. Oui, il ne sait pas de quoi il parle. Depuis les années 80, le principal bouleversement de la musique contemporaine, c'est son abdication du cloisonnement social. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et c'est ça qui va conduire les musiciens de tout horizon à se rencontrer. Les gens qu'on a écoutés, c'est pareil. Ils ont fait hybrider les constructions avec les sonorités, les approches, les sociétés. Ils ont dématérialisé les frontières charnelles et artistiques. Ils l'ont fait entre le free jazz, les musiques rock, les productions électroniques, la musique trad. On a vu la musique trad complètement réinjectée dans les musiques contemporaines, avec, euh, avec le hardcore, avec le métal, avec l'expérimentation, avec euh, un retour à des, des formes euh, analogiques du court-circuit. Tout ça, c'est ça qui, qui fait le nouveau des années euh, post-80. C'est cette explosion des frontières entre les domaines musicaux, notamment du point de vue hiérarchique et social. Donc ça veut dire également avec la vision de la mélomanie et des changements dans les rapports à l'écoute. En plus, il dit déconner. Il suffit d'ouvrir une revue critique consacrée aux musiques contemporaines, tu sais pas, ben comme Circuit, la revue canadienne qu que j'aime bien dont je vous ai déjà parlé, ou Tasset, ou Inferno. Et on voit qu'ils sont commentés, analysés, ben, ce qui apparaît. Et sans que cette question, apparemment, si cruciale, tonalité, atonalité, y émerge une seule seconde. Tout le monde s'en fout, en vérité. Ah, la langue t'envoie, oui, ton, à atonalité. Bah, je dirais atonalité, tonalité, comme ça, si je ne mets pas l'article, ça passera bien à l'oreille, d'accord Comme ça, ton, ça fera bizarre quand je dirai les choses, puisqu'il manquera un article dans la phrase, mais comme ça, on, vous comprendrez de quoi je parle à chaque fois, ce sera un tout petit peu plus simple. Ok. Par ceux qui souhaiteraient que le style musical du XXe reste ce qu'il est pour les siècles des siècles. On est d'accord. Hein Il est en train de dire qu'on tait. Il y, y, y a un mystère hein, qui plane. On, on, on fait taire ceux qui voudraient parler du retour de la tonalité hein, contre ceux qui voudraient que la musique reste atonale. De quoi parle-t-il Et qui traite volontiers de réactionnaires, de révisionnistes. Euh, enfin, tous les équivalents séculiers du diable sont les bienvenus. Ceux qui, comme. Euh, Béfa notamment, qui veulent s'affranchir des dogmes de la tonalisme. <laughs> eh, sans déconner, qui souhaite que le style musical reste ce qu'il est pour le siècle des siècles Qui, un jour, s'est réveillé le matin pour souhaiter ça et le formuler et, est -ce que je... Comment Ducroux comprend la création musicale exactement De quoi il parle est-ce qu'il est pas resté bloqué quelque part dans une espèce d'ornière de l'histoire de l'après-guerre et du sérialisme radical, qui a existé effectivement, mais dont, dont il ne reste rien depuis très longtemps Mais rien Et je vous remets à la suite. Ces colibets à consonance politique ont évidemment pour but, et certainement pour effet, de masquer les raisons réelles de cette lame de fond néo-tonale, alors qu'elles seules, bien entendu, sont intéressantes. Nulle envie, en effet, et je pense que Carole ne me contredira pas, chez les néo de revenir pour revenir, de décider par principe que c'était mieux avant, de prôner le retour à un ordre ancien parce qu'il est ancien, bien sûr que non. Oui. Les raisons profondes de cette situation sont à chercher dans les apories même de l'atonalisme et dans les principes non négociables qui sont à l'origine de son avènement. Donc déjà, il y aurait un retour de tonalité qui reste très amplement à trouver. D'autant qu'elle n'a pas disparu, on est d'accord. Parce que ce mec ne baigne pas dans le même monde que nous. Hein. Le, le monde autour de nous, c'est quand même celui de la variété et de la musique du coup, mélodique, tonale, chansonnette. Donc de toute façon, la tonalité pas disparu à aucun moment, etc. Et comme je vous l'ai dit... Elle fait partie étroitement des propositions contemporaines parmi l'ensemble des autres. Ah, il y a eu un petit écho, mais j'ai encore oublié euh, d'enlever l'audio du bureau, c'est pour ça. Je suis con. Désolé. Donc, non seulement il y aura un retour à la tonalité, mais les raisons de ce retour à la tonalité, on ne devrait pas les trouver dans le désir de tonalité affirmative des compositeurs. Non, non, ils y sont obligés. Ce n'est pas une positivité, hein. De qui il parle, de quoi on Mais à l'intérieur, comme il le dit, des apories de la tyrannie théorique de atonalité. Du coup, on est en droit de se demander un petit truc. S'il y a un diktat, ben, où sont les dictateurs Vraiment, je veux bien savoir, moi. Euh, qui oblige qui que ce soit, où que ce soit, à quoi que ce soit, musicalement, là Dans quel conservatoire de 2012 Hein, quand date sa putain de conférence, à quel moment un compositeur aimerait drôlement faire un truc, mais il ne peut pas, parce que papa surgit de derrière un fourré il lui crie Oh là là Il faut pas toucher ça, c'est caca, c'est étonnant, il ne faut pas. Hein Honte sur toi, retourne à tes séries, malheureux. Je ne je, je, je doute pas qu'on fasse écouter des musiques de leur temps aux élèves. J'en suis persuadé et j'espère pour eux. Mais si j'en crois à la forme d'éducation musicale qu'ils ont reçue, par exemple, au Conservatoire de Rennes, pour prendre qu'un exemple, par mes amis musiciens, euh, je peux vous assurer qu'on est assez loin de leur en faire jouer, même si on leur faisait écouter de la musique contemporaine. Et d'ailleurs, quand on écoute l'orchestre de Rennes, qui s'est événement à la demande d'un ensemble qui, lui, n'est pas un ensemble municipal, euh, donc, euh, de jouer dans une pièce de Núñez, alors qu'eux, ils jouent plutôt le même répertoire 19e mise tout le reste de l'année. Ils sont tout perdus, les pauvres. Ils ne savent pas faire. Et on se dit, ils n'ont pas dû en jouer très souvent de la musique de leur temps. Donc je ne sais pas de quoi ils parlent. Et je ne sais pas où ce diktat existe. Et je ne sais pas qui il subit. Mais s'il y en a un, bah, il a putain pas d'effet. Hein. C'est le diktat le plus raté du monde, quoi. Principe dont nous verrons que la remise en cause est nécessaire à l'évolution même de la musique, ce qui conditionne, et ça n'est paradoxal qu'en apparence, l'évolution de la musique à un retour aux fonctions essentielles du langage tonal. Donc l'évolution, on l'a compris, ça oblige à un retour à un langage tonal. Ok. Alors, on est impatient de savoir ce que ça veut dire. Moi j'ai hâte d'apprendre ça très également à euh, ces oiseaux. Hein, les oiseaux qu'on va écouter, on va, on va écouter des musiciens là, et on va leur parler euh, de l'inévitable retour à un langage tonal. écoutons ça. <laughs>

des Indiens Ararès d'Amazonie qui sont donc euh, ravis de savoir que heureusement, ils vont être rapidement repêchés par ce qui les concerne le plus au monde, le retour au langage tonal.

Donc voilà une chamane argentine qui va être ravie. Euh, elle attend avec impatience le retour de la tonalité, je pense. Mmh.

Alors le texte de ce chant inuit du Canada célèbre le retour de la tonalité. <laughs> Continue. Ce chant espagnol des baléares, un chant redoublado. Est un célèbre hymne du retour la à la tonalité. Principale préoccupation, évidemment, des musiciens des Baléares. Cette psalmodie bouddhique, adienne, à votre avis, que célèbre-t-elle Mais le printemps de la tonalité retrouvée c'est la célèbre récitation épique de la tonalité au Japon. Est-ce qu'il n'a pas l'air terriblement blanc d'un seul coup, notre petit ducro misérable sur cette photo figée est-ce qu'il n'y a pas une grosse frontière avec des barbelés autour de cette grosse tête de flanc qui lui obstrue un petit peu la vue sur l'étendue musicale et géographique du monde Et enfin, chantons le retour inévitable de la tonalité avec le chant des hommes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. <laughs> bien sûr, hein, Guillaume. Bien sûr. Donc, c'est pas la peine de faire le tour du monde. On peut tout à fait trouver euh, dans des musiques traditionnelles françaises des choses qui vont dans des directions très étonnantes. J'ai des chansons danoises, suisses, tout à fait stupéfiantes. Effectivement, j'ai choisi juste de vous prendre un endroit que vous aviez moins de chances de connaître, notamment les chants ou Arara euh, que j'aime beaucoup, euh, les chamans argentins, ces trucs qu'on entend... Difficilement, c'est euh, chouette de découvrir aussi des approches euh, de toutes sortes. Après, bon, il y a des, des choses que nous connaissons tous, plus ou moins. Les psalmodies bouddhiques, on connaît, les chants inuits, c'est sublime. Voilà, tout ça, c'était pour donner une petite perspective aussi aux, aux assertions euh, à coup de marteau euh, de Ducrot sur le retour de la tonalité qui s'annonce. Voilà, voilà. Ça relativise les problèmes auditifs européens de notre petit zozo. Parce que le monde de Ducrot, en fait, pour fonctionner, il a besoin d'être grand comme un jardinet d'enfant. Il a besoin d'avoir toutes les portes de son petit jardinet bien fermées pour pas faire rentrer le reste du monde dedans, pour pas salir ses beaux petits problèmes tout blancs avec des trucs affreux venus du reste du monde. Ah putain! Le reste du monde que moi j'écoute là, que nous avons écouté et qui viennent percuter et qui viennent perforer la belle palissade de ce monsieur depuis longtemps. Ça change notre écoute depuis des décennies dans notre propre rapport à l'écoute déjà, notre relation au rythme, notre relation au timbre, notre relation au ton. Ça a énormément compté pour transformer la musique du 20e siècle par ailleurs. Les dispositions d'écoute. Enfin, ici même, lors de son dernier cours, où il était question de la nécessité de la filiation dans l'élaboration d'une œuvre, a cité cette phrase de Verdi « Tournons-nous vers le passé, ce sera un progrès. » Alors, il a dit, on a raté le début, Bart. Il parle de Bart. De Roland Barthes, hein, pas Jean-Sébastien Barthes. Roland Barthes, qui cite Verdi au Collège de France. Le truc, c'est que Barthes n'est pas musicologue. Et il cite Verdi, super. Dans quoi on ne saura pas? Pourquoi on ne saura pas? À quelle fin, on ne saura pas. De quoi parler Verdi à ce moment-là, dans la citation que Barthes en fait, on ne saura pas. Ça a la même valeur heuristique que l'exemple frappé de Jules Verne tout à l'heure. C'est complètement inadmissible d'un point de vue méthodique, évidemment. On ne saura rien de tout ce que ça signifie. S'il est indispensable, aujourd'hui, je pense, d'écarter la notion de progrès de la chose artistique, elle lui a plutôt porté malheur. Alors. On aimerait savoir en quoi et où la notion de progrès apporter malheur à la chose artistique et quelle forme du progrès. On ne doute pas que le progressisme qui hante par exemple les musiques futuristes porte en lui un poisson toxique, au moins d'un point de vue politique. On ne doute pas que certaines formes de musique électronique qui sont plus hantées par la nécessité de se tenir à arrimer à leur luterie qu'à changer leur forme de composition porte le progressisme comme un poison. Mais le progrès, de quoi on parle ben, euh, en Où et quand ça a porté malheur à la chose artistique Je reviens sur cette idée. L'idée du progrès est fondamentale dans la Renaissance italienne. Et même le machinisme, comme, du coup comme progressisme, hante les représentations. Il fait partie de la pensée du XVe et du XVIe siècle florentin. Elle leur apportait malheur Pas que je sache. Donc quand, pourquoi ça a apporté malheur à la chose artistique, on ne saura pas non plus. Il me semble en revanche qu'évoluer en se tournant vers le passé, ou avancer à reculons pour reprendre le mot de Sartre sur Baudelaire, non seulement ne manque pas en soi de pertinence, mais que c'est même aujourd'hui le mieux que nous ayons à faire. On peut se la refaire. Donc cette fois-ci, c'est Sartre qui citait Baudelaire. Quand, dans quoi, de quoi parler Sartre, à quel moment, quand, on ne saura pas. Quel sens ça a, qu'est-ce que ça apporte à sa tentative de démonstration Et eh bien forcément que dalle. Et puisqu'on va parler de langage musical et que j'ai un piano sous la main, je vais en profiter pour commencer par donner quelques exemples. Et tout d'abord, à tout seigneur, tout, tout honneur, un peu de musique tonale. À la face, il y a eu un petit problème vers la fin. Euh, ça s'appelle des fausses notes, il y en a eu deux, bon d'accord, je, je reconnais, j'assume. Et j'assume d'autant plus volontiers qu'en qu en réalité c'était fait exprès, bien sûr, puisque ces fausses notes seront le fil rouge de la séance d'aujourd'hui, ou plus exactement d'ailleurs le fait que vous les ayez remarquées, car enfin, rendez-vous compte que, sans avoir étudié certainement pour beaucoup d'entre vous les lois, du langage tonal, vous êtes capable d'entendre deux fausses notes dans un morceau qui en compte plus d'une centaine, et morceaux que vous ne pouviez pas connaître puisque je l'ai composé pour l'occasion de cette leçon. Voilà, voilà, voilà. Du joue un tissu de convention mozartienne ouverte au maximum à celle de l'ornement. Et il feint de pratiquer une musique que nous serions censés ne pas connaître. Vous voyez le subterfuge grossier. Il se fout vraiment de nous. Si vous chantez un air de musette de votre composition en respectant toutes les règles de la musette, à votre avis, est-ce que tel ou tel auditeur, même peu formé au balmu, ne sera pas heurté, même s'il a peu de goût pour tout ça, si d'un seul coup vous intégrez un grand écart rythmique, une nanoseconde de distorsion sur l'accordéon. Dieu sait quelle sorte d'écart. Parce que c'est un ensemble familier de règles historiquement instituées. D'autre part, en quoi est-ce qu'il est éclairant que la reconnaissance d'une erreur dans un système quelconque soit un caractère déterminant de sa valeur esthétique, ça n'est un caractère déterminant que de la familiarité de ce système. Est-ce qu'on est censé écouter un rondo comme on écoute le ronronnement d'une bagnole heureux si on y surprend aucun accident, aucun écart en disant hm, non ça va, elle roule bien. Est-ce que c'est ça le rapport à la musique? C'est quoi sa relation à la musique ces, ces critères de solidité artistique sont donc censés reposer, vous allez le voir, et c'est l'obsession de la tonalité, effectivement, sur l'anticipation. C'est le principe de la tonalité c'est un principe d'anticipation structurelle. On a vraiment l'impression d'entendre ces lecteurs et lectrices médiocres qui ne fonctionnent dans le roman, dans ce qu'ils lisent, qu'à l'identification et qui confondent leur attente affective devant des créatures de fiction avec des qualités romanesques. J'ai préparé pour vous quelque chose de très simple. Voilà, je pense que vous n'aviez pas besoin de connaître par cœur natura Sonorum de Bernard Parmigiani, que Freddy a reconnu, qui est une pièce majeure de l'œuvre de Parmigiani, pour vous rendre compte qu'il y a eu une fausse note. On a entendu un truc qui n'avait rien à foutre là. Vous n'avez aucune familiarité obligatoire avec cette pièce, mais vous avez quand même entendu une petite descente de piano en vous disant mais qu'est-ce que ça branle ici parce que tout simplement, c'était hors de ce système instauré par Parmigiani et sa construction. Moralité, si vous chiez sur un monochrome, tout le monde se rendra compte que quelque chose déconne. Si vous parasitez un système, quel qu'il soit, on s'en fout, qui se donne expressément pour système. En affirmant ses codes avec sa propre forme, c'est ce que font les œuvres d'art, elles s'affirment, elles affirment leur code, même leur code complètement nouveau et renversant, n'importe quel abruti va s'en rendre compte. S'il avait ajouté une mesure étrangère, s'il avait changé deux accords, remplacé une montée par une descente, c'est-à-dire, si s'en était tenu à son système perceptible comme système, personne n'aurait rien remarqué du tout. Personne. Je vais vous faire écouter quelque chose. Ça, c'est la première version. Croirait si vous voulez, mais vous avez entendu la même pièce jouée deux fois. C'est un extrait d'une leçon de percussion d'Inde du Nord. À votre avis, laquelle est la bonne La première ou la deuxième On sait pas. On sait pas. Eh ben oui, on sait pas. Sachez tout simplement que dans la première, j'ai introduit 15 fausses notes uniquement en la travaillant électroniquement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un système que vous ne connaissez pas, il faut une parfaite connaissance de ce système. La bonne par rapport à quoi ben, C'était des fausses notes, tout simplement, euh, Guillaume. J'ai euh, travaillé en pitchant, tout simplement à certains moments, les percussions à euh, des fois jusqu'à deux tons. <laughs> <laughs> jusqu'à deux tons pour descendre hein, et euh, jusqu'à un ton pour monter parfois la plupart du temps d'un demi-ton c'est pour vous donner une idée de, de, de la nécessité qu'il y a pour comprendre une faillite dans un système d'avoir des relations particulières à ce système et que selon la façon dont vous introduisez comme moi dans le Parmigiani tout à l'heure un truc grossier tout le monde l'entend, un truc subtil personne ne l'entend c'est aussi con que ça voilà, bah bonne nuit Luisa Bonne nuit, à bientôt. Donc, on continue avec lui. Euh, autre chose maintenant, toute autre chose, une exécution que j'espère honnête cette fois-ci, d'une œuvre atonale, particulièrement intéressante en ce sens qu'elle est la première œuvre écrite dans un langage atonal théorisé. C'est la première œuvre dodécaphonique sérielle, écrite par Schoenberg en 1923. J'en joue la première page. ça s'est mieux passé. Enfin, je dois quand même soulager ma conscience parce que ça s'est très bien passé au début, c'est-à-dire que les sept premières mesures ont été exécutées presque à la perfection. Et puis à la mesure 8, c'est peut-être le trac, ma, ma main gauche est descendue d'un demi-ton, et ce, pour toutes les mesures euh, qui suivaient. Chose que j'ai voulu corriger à la mesure 15 en remontant ma main d'un demi-ton, mais je me suis trompé de main, et c'est la main droite qui est montée d'un demi-ton à ce moment-là. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, les notes de la main gauche et celle de la main droite étaient fausses. Je réussis à force de concentration à la mesure 20 à descendre ma main droite d'un demi-ton, mais ça a immédiatement pour effet à la mesure suivante de faire descendre ma main gauche d'un demi-ton également, alors que si vous avez bien suivi, elle aurait dû remonter normalement. Et finalement, par je ne sais quel miracle, au milieu de la mesure 25, mes deux mains retrouvent les places qui leur étaient dévolues, et je joue brillamment les mesures... 26 et 27 exactement telles qu'elles ont été écrites. Ce qui veut dire en résumé que le tout début et la toute fin étaient joués normalement et le milieu c'était n'importe quoi. J'ai compté, parce que bien sûr c'était préparé, j'ai compté dans l'exemple que je viens de donner pas moins de 79 fausses notes, euh, dont pas une n'a été entendue par les spécialistes même. En d'autres termes, si on résume la situation, des non-spécialistes repèrent deux fausses notes dans une musique tonale qu'ils ne sont pas censés connaître, alors que des spécialistes ne repèrent pas 79 fausses notes dans un extrait de 31 secondes d'une musique atonale presque centenaire qui fait partie du répertoire. Voilà, voilà, voilà. Je vous lis un peu et après on revient. À... Alors, qu'est-ce que vous dites, bande d'audio, zozo, alors Hop, ah, c'est le Waybot qui cause. Plus le visage est embaumé de Lénine jaunit et se parchemin. Vous êtes resté sur Lénine depuis tout à l'heure et le jeu des citations. D'accord. Et se parchemin. plus la queue des visiteurs à la porte de son mausolée s'allonge et moins les gens s'intéressent au véritable personnage et à sa dimension historique. Chaque jour, de nouveaux monuments sont élevés à sa mémoire. Tatati, ta Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Bon. Alors, il est fâché parce qu'il joue mal. Je ne crois pas qu'il joue aussi mal que ça. Au contraire, je pense que c'est un... Mais on va vraiment réfléchir à ce qu'il vient de faire comme une tour de passe-passe. On note déjà un truc. Il s'adresse à des non-spécialistes imaginaires, à des spécialistes imaginaires qui fait parler dans sa tête, puisque évidemment, aucun organisme vivant n'a la possibilité de l'interrompre pendant cette conférence. Les derniers survivants que vous voyez là euh, dans les rangs, il n'y a pas grand monde, sont consanguins de sa famille de Bigorno, et ils vont pas se révolter beaucoup plus sur les prochaines conneries qu'il va dire qu'ils ne l'ont fait sur les précédentes. La fausse note en soi est une idée particulière de la construction musicale qui joue habilement, façon de parler, hein, sur un double sens faux au sens harmonieux, faux au sens du respect de l'écriture, avec tout ce qu'implique évidemment la valeur du mot faux. Dans la musique traditionnelle, comme dans la musique baroque, de larges parts sont données à l'improvisation sur des modes, sur des gammes, sur des motifs. En restant dans ces cadres, personne ne joue de notes vraies ou fausses, mais se conforme à une atmosphère, une directive, des tensions, une structure, des usages, balisés, normalisés, guidés par le contexte d'écriture, quand c'est écrit, et musico-social, quand ce sont des modalités traditionnelles, donc d'un autre ordre. Il faut quand même savoir que vous pouvez faire pas mal de pain dans un concert de musique baroque. Personne ne s'en rend jamais compte. Ni plus, ni moins que dans un concert de musique improvisée. Bon, en d'autres termes, du coup, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a improvisé et 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 rien. Rien parce qu'il avait improvisé comme dans mon exemple en injectant des corps étrangers, la mesure de Gounod que j'ai foutu dans mon bout de Parmigiani par exemple. Euh, ça aurait été cringe, ça aurait été drôle, mais vous auriez entendu que ça. c'est tout ce qui se serait passé. C'est parce qu'il a choisi de faire, bien entendu. D'autre part, il affirme à la fin de son petit numéro de cirque qu'il n'y a pas une oreille qui a entendu cette petite trahison. Est-ce que c'est sûr Moi, je ne sais pas, je ne les connais pas ces prières. Mais par exemple, je connais par mes sur le bout des doigts le "Denatura Sonorum" dont, dont j'ai trahi un des extraits. C'est quelque chose que j'ai écouté des centaines de fois. Il n'y a pas la moindre structure qui ressemble en quoi que ce soit à de la tonalité. Il y a très très peu de repères qui pourraient vous raccrocher aux branches rythmiques. Je connais ça par cœur. Si vous altériez le moindre petit bout de timbre, je dirais Oh oh, il y a quelque chose qui couille. Si vous ralentissiez le moindre moment, et j'en suis familier, je vis avec cette musique. Les premières pièces de Schoenberg, c'est parmi les plus jouées du répertoire historique, genre le Piro Lunaire ou cette fameuse valse, vous savez, l'opus numéro 25 pour piano, qui est pratiquement la première pièce, on va dire, dodécaphonique. On peut gager que ces auditeurs familiers les connaissent, ces pièces. Moi, je les reconnais, les pièces de Natura Sonorum. Un corps étranger, vous l'introduisez, je le connais. Puis, il y a beaucoup à que même dans une musique aussi respectueuse que peut l'être parfois le black metal de la tonalité, qui reste quand même globalement sur des principes tonaux, si vous introduisez, si vous n'êtes pas familier, je veux dire, de, de la musique black metal, euh, sans le de doute que même cette espèce de pignou, vous ne sauriez pas reconnaître une trahison, vous ne l'entendriez pas. Un amateur de black metal le saurait. Parce qu'il vous faudrait de toute façon le long temps d'un apprentissage pour y développer des capacités distinctives, des capacités discriminantes, une hiérarchie. J'ai un petit texte marrant, une thèse de Kabimera qui est assez chouette sur le black metal. Vous voyez ce qu'il nous dit en parlant. La figure ci-dessus nous montre le premier riff du titre Transylvanian Hunger, extrait du quatrième album de Dark Throne, également intitulé Transylvanian Hunger 375. Dans cet exemple, nous avons figuré les deux guitares ainsi que la basse. La batterie joue un blast beat classique. Ici, nous constatons une forte identité tonale en La mineur, confirmée par le passage sur Do de la ligne mélodique à la première guitare. Le riff fait donc entendre entre les degrés 1 et 5. Il est joué 8 fois consécutives, avec l'entrée de la voix à partir de la quatrième occurrence. Voilà, ça c'est un type. Qui connaît euh, le black metal, qui fait une thèse dessus. Et s'il y a une couille dans le potage, il l'entendra. Ni moi, ni Ducrot, à mon avis, n'entendrions la moindre couille. Mais, mais tout simplement parce que toute musique produit ses auditeurs et ses spécialistes. Évidemment. Ce postulat me semble assez édifiant et en dire assez sur les différences profondes entre tonalisme et atonalisme. Pour que j'ai décidé de consacrer l'essentiel de la leçon d'aujourd'hui à son analyse. Autre expérience rapide, toujours un peu dans le même sens, mais pour montrer que les autres styles de musique atonale présentent les mêmes caractéristiques. Parce qu'on veut parfois opposer sérialisme, musique atonale libre, etc. Euh, Aujourd'hui, je parle d'atonalisme de façon générale. Je veux montrer que ça présente les mêmes caractéristiques. Je vais donc. Euh... Alors, il parle d'atonalisme dans un sens général Essayez juste de retrousser la proposition débilitante et grossière qu'il vient de faire. Essayez d'imaginer que je vous parle de tonalisme dans un sens général. Vous voyez le problème Vous voyez l'étendue de cette grossière plaisanterie. Vous vous dites, mais attends, le tonalisme dans un sens général de quoi il parle, Laurent, là Il parle de Palestrina ou il parle de Beyoncé Il parle de Manchicourt ou il parle de Michel Legrand il parle de Tatave Malheur euh, ou il parle de Jérôme Ducrot aux personnes ah, Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il parle, Laurent, avec, euh, le, 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 dans le sens général du tonalisme. Bah, lui non plus, il ne sait pas, il ne saurait pas. Bah, par contre, dans la tonalisme, hein, dans un sens général, ça on peut dire. Ah oui, oui, ça, il, il sait. Ça veut dire quelque chose. Euh, jouer deux petits exemples. Alors maintenant, vous ne, faites, vous ne me faites certainement plus confiance du tout puisque je mets des fausses notes partout. Donc je vais procéder <laughs> autrement. <laughs> je prends deux petits extraits de musique atonale de deux compositeurs différents, plus récents que, que Schoenberg, bien sûr, et de chaque extrait, Salut je donne deux versions dont je vous dis d'avance qu'une sera à honnête, c'est-à-dire respectera le texte, et l'autre sera euh, totalement défigurée. À vous, bien sûr, de me dire laquelle des deux est la bonne, peut-être avec l'aide de, de Carole. Donc, euh, tout d'abord, Donatoni, une version euh, honnête, une version défigurée. <laughs> la première, voici la deuxième. Une idée non Aucune Alors on va prendre un, un, un autre compositeur, alors court tag, après, après on s'arrête, euh, court tag, même chose, une bonne version, une mauvaise. Merci pour le follow. Deuxième version. C'est gentil. Non Personne Un dernier vraiment pour s'assurer qu'on n'y arrive pas et ensuite on, on reparle de tout ça. Deux versions. Est-ce que je vous fais l'insulte de vous demander si vous avez... Non. Voilà, on continue dans les conneries. Laquelle est la bonne Sur quel savoir est censé reposer l'expertise sur Courtag Sans déconner. Si moi je vous montre un Véronèse et un faux Véronèse, jusqu'à quel point vous saurez faire la différence entre un faux et un vrai Véronèse à votre avis Sachant que les peintres vénitiens du XVIe siècle font école, qu'ils sont beaucoup copiés, qu'ils travaillent en atelier. Et si pour rendre l'exercice encore plus tordu, encore plus compliqué, je vous posais la question avec un, je sais pas moi, Ugo Dinerio. Ugolino Dinerio di dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Un vrai, un faux. Vous seriez dans la merde, hein Pourtant, là, c'est l'équivalent du très très tonal, hein, tout ça, ça je vous parle. Et si, par ailleurs, je vous livrais une interprétation pas très top de Mozart et une bonne, est-ce que, sincèrement, vous retrouveriez vos chiens Pour l'exemple de Courtag, par exemple, dont la construction repose sur les tensions, les écarts d'intensité, l'expression, et pas sur la hauteur ce qui fait que des variations de hauteur peuvent être insignifiantes, par exemple. L'exemple que je vous ai donné sur l'Inde du Sud tout à l'heure, euh, du Nord, j'ai dit, pardon, c'est l'Inde du Sud, les, euh, la petite pièce euh, euh, pour percussion, dans laquelle les écarts de hauteur ont une valeur expressive importante. Personne, à moins d'être familier de cette musique, n'était évidemment capable de. Mais je mets au défi Ducrot et ses amis musicologues de me dire « mais lequel est le bon Lequel est le bon ?» En fait, le seul moyen de reconnaître, c'est de connaître. C'est tout. Et qu'il s'agisse de court -tag ou qu'il s'agisse de bac. C'est tout. Tu étais venu pour le dessin, mais c'est pas ce soir, le keyboy Ce soir, on est vraiment complètement concentrés sur euh, Ducrot et l'atonalisme. Donc l'artifice du décalage dont il nous parle, d'une main et d'un demi ton, il revient à dire c'est quand même dingue. Dans un système qui repose sur telle régularité, on remarque l'irrégularité, non d'une pipe. Et quand on applique cette irrégularité dans un système qui ne repose pas sur cette régularité, eh ben euh, euh, on le remarque pas. C'est dingue, non Franchement, enfin, c'est dingue. Si vous tracez une ligne droite et noire sur un Mondrian, on ne voit pas. Et si vous le faites sur un pollock, à votre avis, il va se passer quoi C'est dingue, non Et Je vais vous faire écouter un petit truc. Alors, marrons-nous un peu. <truits> ça, c'est la première interprétation. Deuxième. Voilà. Une seule de ces deux est de Mozart. Vous savez laquelle J'ai demandé... Ah, François, coquet, de me faire ça. Euh, il m'a dit mais non, l'exemple sera pas bon, on va garder un exemple pianistique, puisqu'on va parler de la tonalité, c'est pas très intéressant de faire ça sur un instrument monodique. Et euh, François est saxophoniste. Donc il a demandé à une amie à elle de faire euh, Laquelle est la bonne, la première. Non, Clyde. En fait c'était... Euh, non. C'est la deuxième. Dans la première, il y a 15 fautes qui sont là. On les voit, elles sont en violet. C'est tout ce bordel que vous voyez là. On voit les petites notes en violet. Qui sont posés dessus. Euh, je crois qu'elle nous décrit en note quelque part euh, où elle a fait son truc. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit Alors, elle dit Voilà la partition du menu, et en tout il y a 20 fautes. J'ai enlevé la deuxième croche de la dernière mesure, j'ai changé 19 notes. Et dans la reprise, j'ai changé en plus deux notes dans la première mesure de la basse, mi et seul à la place de ré et mi. Toutes les foutes sont violées. J'ai pensé que les noter sur la même partition, c'était plus clair. Voilà. C'est très simple. À l'intérieur d'un système, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, tous les amis musicologues de, du Père Ducrot. Et l'instant où on ne joue pas au coup, ça ne marche plus. conclusion. sur les capacités discriminantes devant tous les petits exemples dont on parle. comme ducrot fait les questions et les réponses, il a tout pouvoir, tout loisir de rendre, de faire de sa foule imaginaire, de mélomanes imaginaire, à loisir des gens capables ou pas de discrimination à l'intérieur de ces systèmes. Ah ben bah, il est bien applaudir. Hein. Euh, je précise que les défigurations sont exactement du même ordre dans les trois exemples que j'ai donnés, c'est-à-dire en gros décalage d'une main, d'un demi-ton plus quelques ajouts selon la fantaisie du moment. Il semblerait donc que les capacités discriminantes du jugement soient présentes chaque fois que la musique est tonale et disparaissent chaque fois qu'elle ne l'est plus. Non, il ne semble rien de tout je ça. Je précise hein, à cet Biromain. instant que le fait que vous ayez Reconnu qu'elle est la bonne version d'une œuvre de Beethoven, n'a rien à voir d'une part avec le fait que vous connaissiez peut-être cette œuvre, ça aurait fait exactement le même effet avec une œuvre que vous, connaissiez, que, que vous ne connaissiez pas, pardon c'est d'ailleurs ce que j'avais choisi de faire pour le tout premier exemple, et n'a rien à voir non plus avec un effet d'accoutumance dont le temps qui passe euh, serait la raison. Ah bon Les fautes étaient entendues exactement de la même façon qu'aujourd'hui dès la première audition d'une œuvre, sans quoi d'ailleurs personne. N'aurait remarqué les bizarreries qu'on a pu reprocher à tel ou tel compositeur et qui relevaient précisément de la part du compositeur de la fausse note voulue. Car, c'est là que je voulais en venir, les compositeurs de musique tonale avaient et ont à leur disposition un langage dont le public maîtrise une bonne partie des règles, même s'il est incapable de les énoncer. Et tout le travail discursif du compositeur est fondé sur votre connaissance de ces règles. C'est d'ailleurs le propre d'un langage et ce pourrait être une partie au moins de... Sa Allez, définition, on y va, on va vers le langage, un système ça. codé dont les acteurs, émetteurs et récepteurs, ont intégré et partagent consciemment ou inconsciemment les données principales. Donc on a compris qu'il confond le langage et le code, donc il dire qu'il est très formé en linguistique, ce monsieur... Putain, le langage. On a... Il fallait qu'on aille jusque-là, forcément. Alors, faire reposer une exigence de fonctionnement spécifique, des faits qui sont attendus pour le langage, sur le malentendu qu'il y a à l'employé à tout bout de champ, pour évoquer indifféremment, comme il le fait là, des codes ou des usages locaux ou des usages collectifs ou individuels ou des langues parfois, ou parfois des discours, ou parfois des façons de parler, ou parfois des façons de faire de la communication animale ou de la communication machinique ou des ensembles de traits culturels. Les attendus du langage... Le langage je répète, c'est une activité humaine reposant sur une capacité à articuler du sens. C'est pas un système historique comme une langue ne peut pas confondre langue et langage. Ça ne peut pas être replié sur des corpus de construction culturelle, de construction artistique. Ça n'a pas de sens. En français, par exemple, et puisque c'est la langue qui nous réunit aujourd'hui, les exemples abondent de règles que nous respectons, alors que soit nous les avons oubliées, soit même nous ne les avons jamais apprises. Non, mais ce n'est pas possible. Vous avez entendu ce qu'il dit Bon, pour ceux et celles qui se disent que j'exagérais, qu'il ne pouvait pas être aussi brouillon et aussi confus que ça, vous voyez qu'il il est passé en moins d'une minute, là, de... Langage à langue. Je n'ai pas menti, il l'a fait. Il est rigoureux comme, euh, comme menu. <laughs> si un étranger nous demande à quel temps on doit conjuguer le verbe après « il faut que », par exemple, nous allons tous, pour répondre, procéder exactement à la même opération. Formulation in petto d'une ou de plusieurs phrases commençant par « il faut que ».« Il faut que je vienne »,« il faut que tu ailles »,« il faut qu'il prenne et déduction de la règle, il faut que est suivi du subjonctif. Il faut que je fasse mes devoirs. Bon, euh, la seule chose, vraiment, hein, la seule chose qui vous permet de supposer que il faut que soit suivi du subjonctif, c'est que vous disposiez à la fois des moyens de le reconnaître comme tel, donc de l'avoir appris, et de formuler son existence. En bref, que vous ayez appris la règle et que vous ayez déjà été confronté non seulement à cette règle, mais au moins assez loin dans votre vie de parlant à l'inévidence de la convention qui balise son usage. Mieux avec une règle que nous ne connaissons pas. Imaginons la proposition suivante, écrite ici un savant aveugle. Il y a deux façons de lire ça. On peut lire un savant aveugle. Où on peut lire « un savant aveugle ». Si on tend bien l'oreille, il y a une différence de sens entre les deux façons de lire. Quand je dis « un savant aveugle », on comprend « un savant qui n'y voit pas ». Quand je dis « un savant aveugle », on comprend « un aveugle qui sait ». Autrement dit, dans le premier ça cas, est très sans la liaison « savant » et le nom bon, « aveugle » hein. dans le deuxième cas « savant aveugle » avec la liaison « aveugle » et le nom et savant est l'adjectif. Mm -hmm. Il existe une règle qu'on peut trouver, par exemple, perdue au milieu du grévis, qui dit ceci. On ne prononce pas la liaison après la consonne finale d'un nom au singulier. <laughs> bon, ouais. En effet, une fois qu'on le sait, on, on va lui passer un savant. On dit un loup affamé, pas un loup affamé. Un collier admirable, un sujet intéressant. Personne d'entre vous ne dirait, c'est un sujet intéressant, très intéressant. On dit c'est un sujet intéressant, pas de liaison parce que sujet est un nom. Très intéressant, liaison parce que trait n'est pas un nom. On est d'accord, hein on est... <laughs> Est-ce qu'il ne va pas devenir notre aquarelliste à nous C'est possible, ce serait assez drôle. Je pense que ça peut devenir l'objet d'un mème euh, entre nous, <laughs> ce pauvre Ducrot. Bon, dans quelle mesure il raccorde euh, cette proposition qui n'a pas le moindre rapport On est d'accord hein <laughs> Avec la musique, à l'idée selon laquelle on pourrait comprendre des règles qu'on n'a jamais apprises. Ça, je, je sais pas. L'apprentissage immersif dont il parle, précisément, c'est un apprentissage. Donc, du croc-confond, l'apprentissage d'une règle, en l'occurrence, non pas l'apprentissage d'une règle, mais l'apprentissage d'une convention, et la possibilité de lui donner un nom et de l'isoler thématiquement comme règle. Mais pourquoi il fait ça C'est quoi ce qui le motive, à votre avis ben, C'est pour présenter des caractères d'évidence et un état de nature aux conventions dont il voudrait nous persuader, qu'elles s'imposent sans avoir à être questionnées comme convention. C'est un exemple frappant d'une règle que nous employons tous tous les jours, alors que très probablement, nous n'en ne av avions jamais entendu parler. Nous ne l'avions pas formulée. C'est dingue. Il y a des gens qui ne sont pas foutus de savoir ce qu'est une conjonction de coordination, mais ils en utilisent tous les jours. Parce que ce n'est pas le même problème. Ces règles, en musique comme en français, nous les avons assimilées par la simple répétition d'énoncés corrects auxquels nous avons été confrontés. À force d'entendre des phrases bien formées, on sait comment elles se forment. C'est un apprentissage. Hein, à l'avènement de la tonalisme, on a pensé peut-être de bonne foi. Que la répétition dénoncée correcte ferait de la même façon assimiler la langue à tous les auditeurs. D'accord. Donc il dénie complètement le caractère de singularité des œuvres dans le temps, à la fois pour l'exercice de leur propre durée et pour l'affirmation même de cette singularité. Il, il essaie de nous persuader que les œuvres d'un moment ou de plusieurs moments se constitue en corpus historique d'un partage à réactiver, comme on le fait, des composantes d'une langue à un moment M de son histoire. Dingue. Or, il n'en a rien été. Un compositeur plus qu'éminent qui a consacré l'essentiel de sa vie à composer de la musique sérielle m'a dit un jour, où dans la petite anecdote, la réduction d'orchestre du concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, musique sérielle donc, que cette partition, et ce depuis toujours, contenait un grand nombre de fautes, de fautes, fa au lieu de fa dièse, etc. Et que les enregistrements de ce concerto et ses exécutions en concert reprenaient sans exception ces notes fautives. J'ai saisi l'occasion pour lui demander, mais dites-moi où sont les fautes que je viens de commettre, que je corrige immédiatement ma partition. Et lui, de me répondre, je ne peux pas vous le dire là, ma partition corrigée est à la maison. Qu'est-ce à dire exactement En fait, quand vous êtes un compositeur, vous êtes censé connaître par cœur, même si vous êtes à votre six millième page, l'intégralité des détails qui constituent votre travail. Afin de pouvoir à tout moment dire ce qui couille ou pas. Excusez-moi, mais moi, dans mon propre travail d'écriture, par exemple, je suis bien incapable généralement de savoir ce que j'ai écrit il y a quatre jours. Et euh, si je voyais une copie fautive d'un de mes textes, par exemple, ou d'une de mes planches de bande dessinée, sans doute, il faudrait que j'y regarde de très près avec mes originaux pour me dire Ah ouais, elle était vraiment là cette tâche, je suis pas sûr, ou euh, j'ai vraiment écrit ça comme ça, vaut bon, mieux que je vérifie. Mais non, on est censé. Euh, corps et chair, toutes nos cellules avec tout ce qu'on produit. Qu'en musique tonale comme en français, on fonde les règles sur une connaissance et une pratique empirique qui nous permettent de sentir si la phrase est correcte, si elle sonne bien. En musique atonale, en revanche, étant privé de cette sensation que la note est juste ou fausse, on a vu à quel point tout à l'heure, on fera appel à la règle pour le savoir. Autrement dit, dans la musique tonale comme dans la langue parlée, on déduit la règle de la phrase, alors que dans la musique atonale, c'est. On déduit la règle de la phrase. Mais ça n'a aucun sens en français. Tout ce qu'on peut déduire des phrases, et dans la seule condition d'y trouver régularité et confiance, ce pas des règles, c'est des usages. Un usage du, duquel aucune règle ne peut se déduire. D'une part, faut être quand même d'une mauvaise foi assez aberrante pour prétendre que des partitions fautives, baroques par exemple, ça pourrait être corrigé sans coup férir par n'importe quel musicien aguerri à la musique baroque. Ça n'a pas de sens. Connaître sur le bout des doigts tel compositeur, ça ne vous fait pas pénétrer miraculeusement euh, les constructions qui lui sont propres. Sous le prétexte complètement absurde qu'elle serait implicite, déductible, là où elle viendrait à manquer, euh, euh, correctible, là où ce serait glissée une de ses fameuses erreurs, quoi. C'est où cette conception qui nie toute littérature C'est au Collège de France. Oui, oui, debout la France anarchiste, cette chose se passe au Collège de France. Mais bon, on est sous l'égide de Carole Beffa, donc qui a la chair et qui est euh, le même genre de, de sinistre zozo que celui qui l'a invité là à déblatérer ses conneries. Non, vous voyez quand même tout ce, ce que ce, cette espèce d'esprit de système hein, qui plane au-dessus de la partition prétend capturer. De sa possibilité même d'être écrite. C'est-à-dire de, de s'affirmer dans sa singularité. Puis on laisse cheminer l'esprit de Ducrot. On a le droit de s'étonner que la musique ne soit pas en tout point égale à elle-même depuis ce jour improbable de la fin de la Renaissance où la fin des modes a laissé place à la tonalité. Rien, en l'occurrence, on déduit la phrase de la règle. Il est temps. Maintenant de se pencher sur cette connaissance que vous avez du langage. Oui, oui, penchons-nous. Vous pourrez se définir à minima par votre capacité à prévoir, après entendre, devrais-je dire, ce que doit être la musique dans la seconde d'après. Je reprends mon exemple du début qui vous a fait sur. Donc on a bien compris, le seul problème qui nous préoccupe, c'est l'anticipabilité de la musique. C'est ce qui établit en force sa qualité éternelle. Amen. D'accord, c'est pas ça. Mais que se passe-t-il quand vous entendez ça Eh bien, que vous soyez spécialiste, que vous sachiez l'écrire ou pas, ou que vous simplement vous aimiez la musique, vous savez qu'après, nous avons tous la même réponse à cette question. Le compositeur, sachant que vous le savez, peut décider de vous surprendre. Par exemple... Alors, il sait que vous le savez, mais il sait que vous ne le savez pas non plus, puisqu'on n'est pas censé avoir à le savoir. On le sait sans le savoir, puisqu'on n'a pas à l'apprendre. Il n'y a aucune sorte d'aberration dans tout ce qui est dit là. C'est pas mal aussi. Alors pour Chomsky, je vais rater le bout, tu dis « ça te rappelle les conneries linguistiques chomskyennes, sûrement ta détestation de cette dernière figure qui parle ». Non, il y a un point de commun en tout cas, c'est le fait que Chomsky est capable d'imaginer qu'une langue puisse être déshistoricisable, qu'elle n'a pas besoin d'avoir un territoire et des corps pour exister puisqu'il considère le code euh, informatique comme une langue, c'est abruti, ça n'a absolument aucun sens. Hein. Pour la détestation de Chomsky, difficile de pardonner, la défense est là. Et le réflexe boutiquier a motivé le nœud argumentaire. Non, mais je ne t'en veux pas du tout, Klitsch. Je partage le mépris total de la linguistique de Chomsky avec toi. Ça n'est pas forcément ce que vous aviez prévu. Ça s'appelle rompre une cadence. Mais vous considérez que ça fait partie du champ des possibles. C'est une surprise, une bonne surprise, si on veut. En revanche, si je fais. Tout le monde est sûr ici que ça ne fait pas partie du champ des possibles. A fortiori. Bon, est-ce que c'est vraiment euh, nécessaire de revenir sur la grossièreté d'un mixage aussi stupide, franchement. Peut-être simplement, on pourrait rappeler que pourtant, si dans de nombreux cas de figure, la réponse à une musiquette tonale, ça peut être un cluster ou une coupe franche, on peut trouver ça par exemple euh, dans un drame musical instantané. Ou on peut trouver ça chez Michel Chion, son requiem. Euh, et on peut le trouver. Bah, je vais vous faire écouter des extraits. On va faire ça. On y va. Voilà.

une amorce résolue donc une minute après par ça en soi l'irruption d'un corps étranger peut faire partie d'une composition c'est pas un absolu ça peut même le structurer quand ça ses euh, relations avec la construction et la surprise passons à ça Si on veut un matériel juste, c'est de faire des choses qui ne pas mais le ne C'est bien aussi de se confronter à ce que peut signifier les, le surgissement, et même dans le, des rapports à des corps étrangers, qui ne deviennent finalement étrangers que par le type de système dans lequel ils s'imbriquent. Leur valeur, leur valeur propre, est simplement déterminée par le cadre contextuel dans lequel... Ces corps vont s'affirmer. C'est aussi simple que ça. Une fois encore, les exemples choisis par Ducrot n'ont aucun intérêt. Il fait le pitre. Encore moins. Essayons avec de la musique atonale, contemporaine. On a envie de quoi là après Bon, je recommence. C'est pas mal, pas, non Mais aussi... Possible mmh. Crédible J'arrête parce qu'on peut y passer la journée, la nuit, tout est possible. Alors, tout de quoi tout dans quelle pièce, dans quel cadre, dans quelle réalité musicale. Tout reposant sur quel type de tension proposée, sinon là, un numéro de 10 secondes. J'ai évoqué l'iniquité qu'il y avait tout à l'heure à aborder les problèmes de tension à l'intérieur d'une pièce de courtaque dans un extrait de 10 secondes quand celle-ci se joue sur l'ampleur de ce système de cette propriété, de cette pièce. Si vous coupez des mouvements propres, quel sens ça Qu'est-ce qui va se passer dans l'après de l'après Et l'après de cet après Pour composer ce qu'on pourrait appeler de la musique, précisément, un problème musical. Et en plus, une fois de plus, en quoi le rendez-vous avec une vieille connaissance tonale, est-ce qu'on peut espérer de mieux musicalement Le fait d'anticiper ce qui se passe sur la base de quelle espèce de vision saugrenue de la musique c'est ce que vous pouvez attendre le mieux d'elle. On s'attend à tout. Et comme on s'attend à tout, on est surpris par rien. Et nous entrons donc dans une forme d'écoute passive, et tout au plus, on se dit... Je vous laisse quelques minutes avec lui, il y a deux minutes d'écoute et je vais pisser. Tiens, il a fait ça. Si on analysait un peu vite les constatations que nous avons faites jusqu'à présent, on pourrait donc conclure qu'il y a à l'écoute de la musique tonale un type d'accords qu'on admet, qui sont plutôt consonants, et un type d'accords qu'on n'admet pas, plutôt dissonants. Auquel cas, cette capacité discriminatoire que nous avons à l'écoute d'une musique tonale serait l'expression d'une reconnaissance de la valeur absolue que nous attribuons à des sons. Ce serait déjà pas mal et ce serait déjà la preuve que tout le monde a plutôt une assez bonne oreille. Mais, nous allons voir que la réalité est plus complexe et votre compréhension beaucoup plus profonde que ça. J'ai besoin de me livrer à une petite improvisation. Ça vous a plu Eh bien, j'en suis ravi. Non pas parce que ça flatte mon égo d'improvisateur, mais parce que j'ai joué à quatre reprises cet accord-là et que vous n'en avez rien entendu. Je, je remontre dès le début. J'ai fait ça. Il est là. Arrêt sur image. C'est le même. Ici, ça va très bien. ça après. c'est quoi C'est celui-là. Horrible ici, hein Mais là, hein. formidable. Après, j'ai fait ça. <laughs> Même chose. Voilà qui devient extrêmement intéressant. Pourquoi Ça a été un tissu de banalité ce, ce historique, hein, je vous rappelle. Ce sont certains sons qui vous déplaisent et pas d'autres. Ce sont certains sons que vous admettez dans certains contextes et pas dans d'autres, ce qui change la dimension de votre connaissance, car alors intervient la notion du sens. Et les sons s'apparentent à des mots. Vous refusez <laughs> telle note dans telle phrase musicale, non pas parce que la note vous est antipathique. Mais parce que vous la jugez incohérente dans la phrase en question. Elle... La question du sens et les sens s'apparentent à des mots. C'est-à-dire que cet homme pense sérieusement que ce qui fait tout l'intérêt de la musique, fondamentalement, c'est de ne pas en être. Que les qualités qu'on lui doit, c'est d'être subordonné à un modèle structurel et signifiant. Qui n'est pas celui de la musique, mais ce qui serait celui auquel, par je ne sais quel miracle, elle s'apparenterait. Ce n'est pas la note qui est antipathique. Non, ce n'est pas la note. c'est bien de filer les analogies, mais il ne faudrait quand même pas qu'il ait affaire à un public un peu moins conquis et un peu moins docile, qui pourrait, qui devrait à ce moment-là exiger de lui que les mots, ces mots qui sont des notes, comme il dit, ces mots, comme le font tous les mots, disent quelque chose et exigent qu'il lui rende des comptes sur ce que ça veut dire, si ce sont des mots. Sinon, il faut arrêter les conneries. Alors, comme si les sens d'une construction artistique c'était du même ordre que le sens d'un énoncé, c'est au mieux un malentendu, au pire c'est une parfaite stupidité. Soit ces sons s'apparentent à des mots et on va pouvoir les dissocier en unités structurelles, signifiantes, réorganisables selon une double articulation qui est celle du langage. Et je serais ravi, mais vraiment, d'assister à cette incroyable démonstration ici. Soit C'est pas le cas et Ducrot se fout de nous. On va noter que ce brusque sursaut de générosité qu'il a à propos de la dissonance dans un complexe tonal, qui ne vise qu'à lui éviter euh, le ridicule, quand tu lui foutrais effectivement le nez dans quelques milliers de partitions qui se partent dans tous les sens, notamment depuis Monteverdi, qu'on avait déjà évoqué, ce serait assez bon qu'il en fasse un peu preuve également à propos des musiques pour lesquelles il se démène sans jamais supposer. Qu'à ce tout est possible imaginaire, n'importe quel compositeur dira non, tout n'est pas possible. Ne fait pas partie, autrement dit, du champ des possibles dont je parlais tout à l'heure. Donc ma fausse note de départ, c'est comme si je vous avais dit longtemps je me suis couché de bonne chèvre. Vous savez immédiatement que le dernier mot est faux, que c'est une fausse note pour filer la métaphore. Mais ce n'est pas parce que c'est un horrible néologisme ou une épouvantable grossièreté que vous le rejetez. C'est parce qu'il contrevient au sens de la phrase, alors qu'il conviendrait très bien ailleurs dans un autre contexte, exactement comme notre accord. Mmh. Je veux dire un exemple aussi débile, qui repose par ailleurs même pas sur le sens réel de la phrase énoncée, mais sur le fait que nous connaissons tous qu'il s'agit de la connaissance culturelle d'une phrase de Proust, qui lui permet de faire le singe savant. Ça ne va pas l'aider beaucoup à aborder la question littéraire. fût elle celle des siècles précédents Comment il se démerderait, par exemple, avec un poème du 16e siècle de Maurice sève pour essayer de se représenter ce type de tour de passe-passe et de la. Ce que nous pourrions attendre ou pas de ce qui va venir. j'ai un petit bout de Maurice Sève. Je vous demande à chaque fois de savoir quel est le mot qui doit venir à cet endroit-là et qui va faire sens. Ainsi que l'air de nu se dévait pour nous montrer l'esprit de son serein. Ainsi, quand elle est triste ou pensive, elle reprend le clair de son teint souverain pour en tailler mieux qu'en bronze ou érins et confirmer en moi mon une à celle fin que la persévérance toujours me pousse à si heureux déduit, comme elle sait qu'en fidèle assurance, cela, mon feu, à bon port le conduit. Voilà. Il y a quelque chose d'anticipable dans le phrasé, dans la construction, dans tout ce que fabrique, tout ce qu'invente Maurice Sèvres, qui est réputé effectivement pour être un des grands poètes complexes de la Renaissance française, mais en vérité... Et je pourrais vous foutre à peu près n'importe quoi là-dedans. Ça marcherait très bien. Je me suis amusé. Parce que je suis taquin. Je vous ai amené du proust. Alors. Est-ce que j'ai... Et... Qu'est-ce que j'en ai foutu Ah, c'est con. C'est con, c'est con. J'avais un exemple très drôle et euh, je l'ai oublié. Dites donc, c'est vraiment con. Mm -mm -mm. Ah, bah non, tant pis, je l'ai pas. J'en suis vraiment donné. Salut, Insane600, le L, OL. bienvenue à bord. Bon, bah écoutez, j'ai raté mon coup. Euh, je ne sais pas ce que j'ai foutu de mon texte de Proust. C'était un exemple plutôt bidonnant où j'avais évidemment changé le sens de tous les mots de Proust et vous auriez été un foutu de le trouver parce que ça nécessitait une connaissance parfaite. Salut mondialistique du texte proustien, c'était dans l'ombre des jeunes filles en fleurs, et je suis con. Une... J'avais bossé, mais euh, Anne que je suis, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Et eh ben c'est pas grave. Ah si je l'ai Ça y est. Ça y est, ça y est. Si je ne compris pas la plaisanterie, je fus ravi d'entendre rire Madame Swann. Son timbre me paraissait comme son peignoir, comme le parfum de son escalier, comme ses manteaux, comme ses chrysanthèmes, faire partie d'un tout individuel et endiablé dans un monde infiniment supérieur à celui où la raison peut analyser la vie. N'est-ce pas que c'est beau cette tirade de vingt Me dit Swann, avouez que c'est bien joli. Alors évidemment le lecteur de Proust se dit, tiens, il y a un coup dans le potage, une tirade de Vinteuil, mais Venteoy, c'est pas plutôt euh, le mec de la sonate, la petite sonate. Bah ben, si. Il y a pas mal de fautes là-dedans, hein, pas mal de conneries. J'ai remplacé tout, au petit bonheur, ça donne, en vérité... Je fus ravi d'entendre jouer Madame Swann. Son toucher me paraissait comme son peignoir, comme le parfum de son escalier, comme ses manteaux, comme ses chrysanthèmes, faire partie d'un tout individuel et mystérieux. Dans un monde infiniment supérieur à celui où la raison peut analyser le talent. N'est-ce pas que c'est beau cette sonate de vinteuil me dit Swann. Avouez que c'est bien joli. Voilà. Je crois que j'aurais pu en changer plein, foutre à peu près n'importe quoi. J'aurais pu vous amener des histoires un peu moins saugrenues que ce point chèvre. Mais n'empêche, on en fait bien à sa tête, pour peu que précisément on soit en terrain culturellement conquis. La littérature, puisque nous en parlons, a eu aussi son heure moderne ou contemporaine au sens de volonté d'éclatement de, du langage, sujet, verbe, complément, c'est du passé, c'est des vieilleries, on change un peu tout ça. Euh, on a un peu oublié peut-être que la littérature aussi a connu ce passage-là. Je vais en déterrer un petit morceau pour poursuivre le parallèle entre musique et langue, qui est décidément inépuisable. Inépuisable. Je hein. Un petit morce un petit extrait de Tristan et Sarah. Ça doit dater, je crois, de 1916, et c'est un des premiers textes d'Adaïs. « Porte close, sans fraternité, nous sommes amers, fels, vire, rendre, scolopendre de la Tour Eiffel, immense. Pense, pense et pense, pense, mécanisme sans douleur, 17, 98, 58, 555, Iéo, Bibo, Fifi, Aha, mon Dieu, oh mon Dieu, le long du canal, la fièvre puerpérale, Scarabée et SO2H4, tombeau, matapo, les vice-rois des nuits, ils ont perdu les bras, polygone irrégulier, amatsakas, la coccinelle est plus grosse que l'hémisphère cérébral, mais où sont les vice-rois des nuits? Voilà. Non, effectivement, il n'a pas choisi le dadaïste le moins con, mais surtout, il le lit comme une merde. Et euh, ça ne compte pas pour rien dans l'impression de ridicule que nous venons de subir euh, de ce pauvre texte. Mais déjà, le premier point, c'est que Tristan Zara, en dehors du fait que c'est pas un poète bouleversant, euh, que c'est un dadaïste un peu tardif, euh, et comme le dit Guillaume, <laughs> ce qu'il vient de lire, c'est ce qu'il a dit de plus intelligent, surtout Tristan Zara... C'est vraiment notre passé. C'est notre passé. Euh, ce n'est pas la seule expérimentation de ce genre. Hein. Il y en a beaucoup de contemporaines de Zara. Il y a la langue Zaoum de Klebnikov. Euh, il y a les de Plein d'expérimentations passionnantes. Personne ne lit ça autrement que comme tel, comme appartenant à des paris nécessaires à un certain moment, notamment Dada. Mais il se trouve que Baudouin de Condé également fait partie de notre passé et que le jaillissement de la langue de Baudouin de Condé, qui est un français du XIIIe siècle magnifique, mais vous surprendrez au moins autant que la langue de Zara, et que Barbé d'Orévilly non plus. Je vous ai amené du Barbé d'Orévilly, le pape de la grande belle langue du XIXe. Vous allez voir. Il y avait dans ce torse ainsi jeté, si délié, si souple, une contraction qui n'échappa point à Marigny, et qui accusait l'effort intérieur ou l'angoisse. Il s'approcha, la prit subitement et doucement par-dessous les reins et l'enleva ainsi avec sa peau de tigre comme une mère enlève son enfant dans la mante où elle l'a couché. Tu souffres, qu'as-tu? lui demanda-t-il en lui arrachant son mouchoir. Je n'ai rien, dit-elle, prête à l'imposture, cachée, pensait-elle, par sa volonté sous son frêle masque de baptiste. Mais lui, la portant devant une glace, regarde comme tu mens, dit-il en opposant le visage livide à la parole indifférente groupe fier et beau, après tout, que cette femme aux pieds bruns et nus, au visage tourmenté, aux larmes dévorées, dans les bras de cet homme sympathique à sa douleur, cachée debout, la tête nue, enveloppée dans un manteau qu'il n'avait pas pris le temps de détacher, sur les pieds duquel pendait avec ampleur la peau du tigre, aux griffes d'or. Laisse-moi, Rino, fit-elle, avec un soubresaut violent, comme honteuse de la trahison de son visage. Alors quand vous lisez un texte comme une merde... Quel qu'il soit, il a toujours l'air merdique. Mais il se trouve que ce qu'on vient d'entendre est peut-être encore plus ridicule que ce de toute façon. La langue de Barbet d'Aurevilly est assez euh, vieillotte, surannée, poussiéreuse, suradjectivée, profondément chiante. Il n'y a pas un de ses bouquins qu'on puisse sauver aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas Nerval hein, de, de Barbet. Hein. Voilà. Ça incarne un moment du XIXe dont ce zozo qui est du s'imagine sans doute que c'est un grand moment de littérature. Mais ça ne vaut même pas le papier pour se torcher avec. C'est ainsi. Voilà. Ça prouve quoi Absolument rien. Le poème de Zara, pareil. Ça prouve absolument rien. Donc si on n'attend rien passivement euh, de la lecture de Zara par Ducrot, c'est quand même essentiellement parce qu'il a décidé de le lire de cette façon, en appuyant expressément. Sur la notion d'absence de sens, exactement avec la même mauvaise foi que je viens de le faire avec Barbey d'Aurevilly. Voilà. Mais vous obtiendrez le même résultat en prenant un texte excellent si vous le lisez comme une merde. Ça fera cet effet-là, tout simplement. Il va de soi qu'en écoutant cela, vous vous mettez dans un état de passivité qui ressemble à l'état auquel vous oblige l'écoute de la musique atonale, car vous n'attendez rien. Car il n'y a pas de sens. Je peux faire autant de fausses notes que je veux à la lecture, vous ne pourrez pas les entendre. Je ne me suis d'ailleurs pas privé, vous commencez à me connaître, euh, <laughs> et j'ai remplacé malencontreusement dentelle par scarabée dans le texte que je viens de lire. Ce qui, je pense, dans un texte qui aurait du sens, aurait forcément posé problème. Alors j'ai prouvé avec le texte de Proust que pas du tout que je pouvais allègrement euh, changer 15 mots dans un texte tout petit de Proust. Euh, vous avez rien remarqué. Mais ici, n'en a posé aucun. Ben voilà, as l'air d'un Autrement con. dit, Proust tonal, je remplace non. Heure par chèvre. Ben non, en ben non. Sarah à tonal, je remplace dentelle par scarabée. Personne ne l'entend. Ben ben de la mais même mais façon, <laughs> j'ai pu tout à l'heure défigurer Schönberg, euh, Donatoni, Courtag, euh, sans que personne ne le remarque alors que deux fausses notes dans un langage tonal vous ont fait tressaillir il va falloir se rendre à cette évidence on ne peut défigurer impunément que ce qui n'a pas de sens pour le spectateur j'espère que vous l'avez bien pesé celle-là surtout le impunément on ne peut défigurer impunément que ce qui n'a pas de sens pour le spectateur impunément on entend toutes les belles voix historiques bien dégueulasses du bon sens, celui qui s'autorise impunément à détruire tout ce qui lui échappe, à piétiner tout ce qui ne comprend pas. Tout ce qui ne comprend pas au nom de l'évidence, qu'il n'y a rien à comprendre. J'ai quelque chose pour toi, tête de nœud. Ça s'appelle Nietzsche, et chez Homo, dernier bouquin. On y va. Bref. Personne ne peut trouver dans les choses sans en accepter les livres plus qu'il n'en sait déjà. On ne saurait entendre exactement ce à quoi des événements antérieurs ne vous donnent pas accès. Alors imaginons dès lors un cas extrême, et la Nietzsche parle de lui évidemment, qu'un livre ne parle que d'événements qui se trouvent complètement en dehors des possibilités, qui se présentent fréquemment, ou même rarement seulement, dans la vie de quelqu'un. Que c'est la première fois que le livre en question parle un langage qui prépare une série de possibilités nouvelles et inouïes. Dans ce cas, il se produit un phénomène extrêmement simple. On n'entend rien de ce que dit l'auteur et on a l'illusion de croire que là où on n'entend en rien, il n'y a rien. Le compositeur tonal a donc à sa disposition un langage qui lui permet de jouer constamment avec la prévision de l'auditeur. Cette propriété est au fondement même de la musique savante, puisque c'est sur elle et sur elle seule que repose le fait qu'on ait pu avoir envie de développer des discours dans le langage musical. Claude Lévi-Strauss, qui s'est employé à mettre en avant cette propriété Allez, essentielle du langage maintenant. tonal que le sérialisme, selon lui, euh, est incapable de reproduire, l'a décrit en ces termes L'émotion musicale provient précisément de ce qu'à chaque instant le compositeur. Retire ou ajoute plus ou moins que l'auditeur ne prévoit sur la foi d'un projet qu'il croit deviner. Et il ajoute le plaisir esthétique. Vous noterez qu'il sarme vraiment de musicologue. De et de répit Comme musicologue, on a eu le droit pour l'instant de à Jules Verne, à Sartre, Alors, je qui citait à le Verdi, je crois. à Bart parmi des milliers. De cette capacité que le compositeur a d'utiliser notre connaissance pour la surprendre. On ou là, on va avancer un peu flatter. parce qu'il va faire le service savant, c'est-à-dire qu'il va juste égrener 64, un, air, un bout d'histoire le de la musique hein, euh, qui le constitue chantant, les écarts de la tonalité principale d'un morceau, puisque ça blend, fait partie des propriétés habituelles de la construction musicale qui s'est étendue avec le temps pour aboutir précisément. À cette espèce de, de chromatisme total du 19e siècle et qui a induit d'une certaine façon l'arrivée euh, du dispositif sériel. Voilà. Donc on va le laisser continuer à faire le zouave juste pour nous persuader, comme un saint avant, qu'il joue bien du piano et qu'il connaît bien la musique. Parce que pour l'instant, il est censé nous faire des démonstrations théoriques. Et ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Il occupe l'espace et le terrain par un numéro de pitre. Il a vraiment peur d'être surpris, de ne pas être en contrôle, de rencontrer quoi que ce soit qui lui serait étranger. Ouais. ouais. Il faut que même la surprise soit préparée par un art de la surprise. Ouais. Dans un premier cas, ça sera l'interprète est nul. Dans le deuxième cas, ça sera le compositeur est génial. Ah, J'étais un petit peu trop loin là. Attente. Voilà, on est à 38, 2 Et attente trompée et récompensée au-delà de l'attente. Voilà ce qu'il voulait dire. Rappelons. Que pour que nous soyons surpris, il faut qu'on se soit attendu à quelque chose, et que c'est mécanisme. Voilà, oui, je suppose que vous avez été surpris alors que vous ne vous attendiez à rien de particulier. Quand vous La de horror, phrase, Il vient de dire donc, il faut s'attendre à quelque chose hein. pour être surpris. C'est faux. Il ne faut pas confondre s'attendre à quelque chose et anticiper. Ce qui va se passer, ce sont deux choses complètement différentes. Bonne nuit, bonne nuit, Freddy. Voilà. Donc, si vous voulez surprendre pendant un concert de Schubert, c'est pas la peine de, comme Schubert, de, de, de composer des subtiles brisures de cadence hein, ou tirer un coup de feu. et C'est pareil, ça fera l'affaire. Dire hein. à l'audition de cette modulation. Ce mécanisme, c'est, si j'ose dire, le jugement en comparution immédiate de l'anomalie. Il ne se passe que quelques millisecondes entre la commission du forfait, l'enquête contradictoire, la plaidoirie de la défense, le réquisitoire et le verdict. Le verdict, dans un premier cas, ça sera l'interprète est nul, dans le deuxième cas, ça sera le compositeur est génial, mais ces deux verdicts seront l'aboutissement d'un seul et même type de procès, c'est celui que l'auditeur intente à la note qu'il n'avait pas prévu d'entendre. Euh, quelques mots maintenant <laughs> sur... Une utilisation la spéciale de vos capacités prédictives, c'est la marche harmonique. La marche harmonique, c'est une sorte de suite logique qui se propose de flatter votre connaissance préalable du discours et qui est à ce titre évidemment très appréciée des mélomanes. On est revenu sur son obsession du mélomane. Au moment où elle arrive... Vous pouvez prévoir le discours non pas une note à l'avance, comme c'est en général le cas, mais deux, quatre, six, voire huit mesures à l'avance. Et ça, c'est bien. Et vous pouvez en prévoir le déroulé non seulement harmonique, mais mélodique, pour peu que le compositeur ait introduit... Un... Non, mais ça à mourir de rire. On a tous en tête les interminables finaux des, du rock FM des années 80, où on savait très bien comment tout ça finissait, on attendait le dernier coup qui allait... Par achever la cadence. En fait, tout le monde est conscient, et j'espère là, qu'il est en train de nous faire le portrait de toute l'histoire ou pratiquement du, du rock'n'roll, qui vous permet également d'anticiper plus de 4, de 10 mesures à l'avance ce qui va se passer dans le morceau. Et c'est vrai également pour le punk hardcore le moins soucieux de cadence parfaite ou de marche harmonique. Bref, Ducrot, il arrive à se persuader que la plus insipide des blouettes de merde, ça vous offre un cadeau splendide, celui de pousser la chansonnette sans connaître la chansonnette. Ah, c'est merveilleux ça quand même, ça valait vraiment la peine. Je crois que Jean-Sébastien Bach a eu raison de se lever le matin pour des gugus pareil, quoi. Toutes ces heures de souffrance au piano qu'il a passé, le gars, c'était en fait pour en arriver là, pour arriver au, au confort d'écoute. C'est ça le kiff de Ducrot. C'est son petit chausson. En fait, sa robe de chambre, à lui, c'est sa robe de bal. C'est ça. Ses pantoufles vertes, euh, en fait, c'est des braves Charentaises. Pauvre garçon. Quand Amour amène un autre, à une autre rime que toujours, on sort mentalement les menottes. C'est pareil. Tu as raison, Docteur. On sent bien que le Melonaman porte une cravate. Qu'il est poli, bien élevé, bien né, sans doute même. Oui, il est sans doute tout ça à la fois. Un embryon mélodique sur la première marche. Ah putain On va euh, aller loin, vous savez. Hein. Da 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 da, ta Ça n'a pas ta fini les conneries. Ta Au moment donc, où arrive la marche, vous avez presque l'impression de connaître ce morceau même si vous ne l'avez oui, jamais entendu. Mais oui, c'est vrai Il nous est si familier Ou même mieux l'impression de l'avoir composé vous-même ou d'être en train de le composer. C'est un véritable cadeau que le compositeur euh, fait à son auditoire et à ce titre d'ailleurs, la marche intervient souvent euh, après un passage où votre attention a été particulièrement sollicitée, où vos, vos nerfs mis à rude épreuve, je pense par exemple à ce, ce passage du deuxième clavier-stuc de Schubert. Paysage aride, inconfortable, la tension est palpable. Moi, Mozart, c'est la même chose, bien sûr que non. Mais c'est pour rappeler quelque chose de. tra. Il joue bien à Schubert. Hein. C'est juste, c'est pas le propos d'écouter faire le pitre. On s'en fout quoi. Très important et d'un peu trop oublié dans le monde tonal d'avant la scission atonale, la musique savante et la musique populaire parlent la même langue. <laughs> J'adore ces moments. Dans le monde d'avant. La musique populaire la musique savante parlent la même langue. Bon déjà, on ne va pas s'attarder sur la comparaison avec la langue. Visiblement, il n'a pas la moindre idée de ce qu'est une langue, d'accord Le fameux désastre atonal a fait que tout ça est tout cassé. Qui parmi vous est assez absurde pour s'imaginer que la fête d'un village au XVe siècle s'est battue à la mesure des inventions de Josquin des -Prés il y a vraiment des gens qui croient sérieusement que le chanteur du marché du 17e, il incorpore les motets de Monteverdi, franchement. Ou que les rues de Béreuth euh, en 1860, euh, ça résonne des explosions chromatiques de Wagner. Il y a des gens qui croient ça C'est quoi ces conneries Alors, oui, on joue la musique du temps dans les salles, c'est vrai, oui, je pense que oui. Enfin, je ne sais pas, ça va être les mélomanes évidemment qui vont les écouter, parce que les salles, ce pas pour tout le monde. Du coup, ça devient un coup de force, comme je l'ai dit, ce que faisait Mendelssohn en faisant réécouter Bach, parce qu'on joue toujours le présent, on joue le contemporain, c'est un relecteur de Bach. Mais c'est quand même une autre paire de manches d'injecter la musique populaire dans la musique savante. Ça, c'est autre chose que de prétendre que la musique savante est dans la musique populaire. Quand Lys, Chopin, Bartok, Gershwin, Pierre-Henri, pour reprendre toujours les mêmes oiseaux, ou John Zorn réinjectent, c'est précisément parce que cette langue prétendument commune est une chimère. Le mouvement pour les intégrer est un mouvement extrêmement intellectualisant. C'est une construction artistique. Ce n'est pas le partage d'une langue commune. C'est un geste. Tu crois, dis des conneries. En 1934, à cet égard, Schoenberg laisse échapper une étrange fulgurance dont on n'a pas pris encore toute la mesure. Il y aura toujours, dit-il, de la musique tonale, car il faudra toujours de la musique populaire. Les bras nous en tombent. Il est insensé quand on y pense qu'un compositeur met au point un langage dont il pressent qu'il ne pourra pas être celui de la musique populaire. Il est malheureux d'une certaine façon qu'il n'ait pas pris la peine de développer cette prémonition, car après tout, il avait fait le plus difficile en reconnaissant avant l'heure que la musique populaire ne serait jamais atonale. Il lui suffisait de pousser un peu le raisonnement pour arriver à la conclusion que la musique atonale ne serait jamais populaire. Alors, <laughs> que la musique populaire ne serait jamais atonale, il serait vraiment temps qu'il aille se décrasser les oreilles, ce pauvre ducro, et qu'il voit ce que produisent les musiques euh, pop-rock contemporaines qu'on ont perdu depuis longtemps la, la relation sacrale à la tonalité, d'une part. Mais il est en train de nous parler de la nécessité d'impliquer, pour la musique savante, un devenir populaire. Mais c'était où et c'était quand exactement le devenir populaire de la musique savante Est-ce que Couperin est un musicien populaire Est-ce que Lassus c'est un musicien populaire? Est-ce que Scarlatti, c'est un musicien populaire? Est-ce que Forqueray, c'est un musicien populaire? Sans déconner. Quand on est en soirée entre potes, euh, on chante du Brahms, des lits de Schubert. Oh non, on ne fait pas ça. Ça n'existe pas, en fait. Le monde dont nous parle euh, du n'existe pas. Le devenir populaire de la musique savante, tu sais même pas de quoi il parle Les, les différents états possibles d'une langue sont le signe que c'est une langue. Tristan et Isolde et Viens Poupoule sont écrits dans la même langue. Je vous laisse mûrement réfléchir à ce que l'on vient d'entendre. Il a dit Tristan et Isolde et Viens Poupoule. Putain, la référence de quoi. Viens Poupoule. Tristan et Isolde et Viens Poupoule sont écrits dans la même langue. Je ne même pas où ils vont en mais On l'écoute, le truc. Pourquoi faudrait-il que la musique savante devienne populaire Je n'en sais rien, Guillaume. C'est vraiment n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. On s'en fout, mais vraiment, ça n'a aucun sens. Mais Tristan et Isolde et Viens Poupoule sont écrits dans la même langue. Alors, déjà, il est vraiment un culte, mais je me dit qu'il était ignorant comme un âne. Donc, déjà, non. Non, ce n'était pas vrai. Déjà parce que Tristan et Isolde, euh, ça n'existe pas. Faut il faut qu'il le sache. Hein. Personne ne lui a dit, mais ça n'existe pas. Euh, je pense que Wagner, c'est la référence de ce zozo. Et que ça embrume ce pauvre Ducrot, évidemment. Donc il existe bien chez Wagner, un Tristan und Isolde. Mais ici, en France, c'est ce pays glorieux de Via Poupoule. On a Tristan et Isolde. On n'a pas Tristan et Isolde. Donc déjà, bon. Et c'est écrit en anglo-normand. Oh bah merde, c'est con ça du crot. C'est écrit en anglo-normand au 9e siècle, tête de gland. Et c'est traduit trois siècles plus tard, effectivement, en langue d'oïl. C'est vrai, voilà. Et euh, bon, après, il y a plein de versions. Hein. Toutes plus ou moins fragmentaires, je crois que c'est un peu le bordel pour la longue histoire de Tristan et Iseux. Moi, je vais vous lire quelques lignes d'une des premières qui soit attestée, celle de Bérou. Et on va comparer avec bien Poupoule, ça va être rigolo. On va voir qu'ils sont bien écrits dans la même langue. On commence donc par Bérou, Tristan et... Ise, pas Isolde. Et je criai, me mot du chien le cri, quoi je pourroie en tel le eustre, au vostre gouvernal mon maistre, s'il il feroit nous nos prendre, au vuel peine mettre et entendre, à beste prendre sans crier. Or, voit Tristrane, en bois bercé, a fait y à un d'un trait. L'issant en chiette, il brachette bray, l'idin s'navraise à s'enfulte le seau. Usdante, l'ibose en cri en haute, l'isbois du cri au chien résonne. Tristran, le fierte, grand corps l'idone. Li chien, à son seigneur, s'arreste. L'aile, le crier guerpiste la beste, ou les gardes ne sait qu'il fasse, nous crier, guerpiste la trace. Tristran, le chien, des os lui botte. On lance tortor, balarote, et Usdante, en révote crier. Voilà. Donc ça, c'est Tristan et Iseult. Poupoule, a-t-il été écrit dans la même langue Est-ce qu'on peut voir ça le samedi soir après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme, comme dessert, je te paie le café-concert. On va filer bras dessus, bras dessous aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut te dépêcher pour être bien placé, car il faut mon coco entendre tous les cabous. Viens, poupou, le viens, poupou, le viens. Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens, poupou, le viens, poupou, le viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu toi, que je, que je suis devenu toi. Un petit tableau bien épatant, quand arrive le printemps, c'est d'observer les charivaries des environs de Paris dans les garguettes au bord de l'eau, au son d'un vieux piano. On voit danser les petits joyeux, criant à qui mieux mieux. Elle, hey, piano, tu joues faux, ça ne fait rien, mon petit coco. Viens, poupou, le viens, poupou, le viens. Ce soir, je t'emmène. Ouh, à la cabane, bambou. Ouh, viens, poupoule, viens, poupoule, viens. Voilà. Est-ce que quelqu'un voit le moindre rapport de langue entre... Tristan et Iseu, pas Isolde, et vient Poupoule, vient, censé être écrit dans la même langue. Voilà. On parle d'écriture. En fait, on parle d'écrivain. Il se trouve qu'un écrivain, ça n'écrit pas la langue. Ça écrit des romans, ça écrit des poèmes, ça écrit des essais. Qui n'existent ne, pas, qui ne sont pas là pour rendre compte de l'état d'une langue, mais qui s'articulent à cette langue comme existant. L'écrivain, ce pas un putain de grammairien, ce pas un linguiste, c'est pas un lexicographe, c'est un écrivain, parce que la langue est inconnaissable. Elle est un état historique d'un système. Et par nature, elle est inconnaissable. Il serait bien aussi que quelques oiseaux cessent de passer sans cesse dans cette espèce d'illusion de l'écriture qui serait un reflet de la construction orale du quotidien, c'est-à-dire du fonctionnement d'une langue. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment pas avoir la moindre idée de ce que écrire est pour véhiculer cette conception-là du monde. Alors toi, tu es estomaqué, tu crois que le monde entier s'était tout le temps exprimé en français moderne des 20, 20e, 21e siècle. Tu es déçu, Glitch Je suis désolé. Vraiment désolé. Julien Grac parle la même langue que Fernand Reynaud et Marguerite ursenard la même langue que Denise Fabre. Une une langue qui ne permettrait qu'un seul mode d'expression serait au mieux un jargon au pire une glossolalie et jamais l'un ni l'autre que je sache n'ont permis l'éclosion d'un chef-d'œuvre. Un des Voilà donc une glossolalie n'a jamais permis l'éclosion d'un chef-d'œuvre. Alors déjà une bonne fois pour toutes Fernand Reynaud et Julien Grac parlent peut-être. La même langue, mais ils n'écrivent pas la même langue. Et ça, c'est important à comprendre. C'est par leur écriture que leur renommée s'est établie, pas par leur putain de conversation de bistrot. Salut, chulos. Il se trouve que l'écriture, contrairement à un mythe solidement ancré, je le répète, je viens de le dire, mais chez ceux qui ne lisent ni décrivent, n'est pas la transcription de la langue d'usage elle n'est pas une transcription de l'oralité en usage, et je le répète, elle est inconnaissable en tant que langue, état, historique. À tel point, d'ailleurs, que les transcriptions littérales de l'oralité choquent, sont problématiques. Quand des sociologues comme Bourdieu ont décidé de passer à l'écrit de façon très littérale, les discours oraux, pour essayer de coller au plus près, de la façon de s'exprimer de ce qu'ils euh, allaient euh, voir dans euh, par exemple pour composer toute la misère du monde ils se sont confrontés à des gros problèmes ils se sont rendus compte que quand on le faisait les gens avaient l'air euh, de pas savoir parler de pas construire une phrase euh, et tout était à charge alors que dans l'oralité pas du tout ça passait très bien tous ceux qui doivent transcrire des euh, entretiens savent ça visiblement pas du coup voilà, voilà. Et il paraît, dit-il, que euh, on ne peut pas tirer de chef doeuvre C'est ce qu'il a dit. Hein. Aucun chef-d'œuvre n'est né d'une glossolalie. Je vais vous lire quelque chose. Ce sont les glossolalies de Harto. Entre le cul, et la chemise, entre le foutre et l'inframise, entre le membre et le faubon, entre la membrane, et la lame, entre la latte et le plafond, entre la jungle et la membrane, entre la membrane, et le fond treu l'arête et treux, le limon, entre le trou et la limaille, entre le sperme et l'explosion, entre le cul, et la main mise de tout sur la trappe à haute pression d'un râle d'éjaculation naît. Pas un point, ni une pierre desséchée morte au pied du bon, ni le membre coupé de l'âme. L'âme n'est plus qu'un vieux dictum. Ram des mouzoudi arouti akad akad la ré la graine ré ni ta graine et ni ta graine et ripipi et il n'y a plus de graine d'être. Mais l'atterrante suspension d'un souffle d'aliénation volé, limé, pompé à fond par toutes, l'insolente racaille de tous les enculés des troncs qui n'ignorent pas d'autre boostify que de bouffer arto Momo, là où on peut piner plutôt que moi et l'autre bander plus haut que moi en moi-même s'il a eu soin de mettre la tête sur la courbure de cet os entre anus et sexte, cet os sarclé que je dis dans la crasse d'un paradis dont le premier dupé sur terre ne fut pas le père ou la mère qui dans ses antre te refumait. Je, vissé dans ma folie, et qu'est-ce qui me prie d'y rouler, moi aussi, ma vie Rien. Parce que moi, j'y suis, c'est la vie qui roule, sa peau obscène bien. Et après Après Le vieil Artaud est enterré dans le trou de la cheminée qu'il tient de sa gencive froide de ce jour où il fut né. Mais après Après après, il est ce trou sans cadre que la vie voulut encadrer parce qu'il n'est pas un trou, mais un nez qui sut toujours trop bien renifler le vent de l'apocalyptique tête qu'on pompe sur son cul serré et que le cul d'Arto est bon pour les amateurs de miséréré Toi aussi, tu as la eu gencive, la gencive droite enterrée. Dieu, toi aussi, ta gencive est froide. Va, vas-y, va, vas-y, tairendo, va, vas-y, au okrasi. Oh Depuis infiniment d'années que tu m'envoyais à ton étriné pour voir si j'allais être né à la fin, n'a remendi à diportine temple ou dine temple croit un mendi en joc n'a remendi itonitant in temple à tine temple or menendi or toi depuis le temps que tu m'espérais en attendant mon ventre d'absent. Voilà donc ça, c'est. Euh les glossolali, donc on, a, on est d'accord, comme le dit Ducrot, jamais n'a produit le moindre chef d'œuvre. On aurait pu citer évidemment la oursonate de Kurt Schwitters, mais je suppose que cette anne-batté considère que c'est une merde, etc. etc. Comment vas-tu, ça Alors, c'est vrai que malgré d'occasionnelles tendances à l'oralisation du texte, par exemple dans ce chat, on transcrit les hésitations répétées EE, euh, euh, involontaires à l'oral dans nos énoncés écrits. Puis s'ajoute le mot chèvre, on ne s'en rend pas compte. <laughs> C'est vrai, j'aurais pu faire ça. Les collatéraux de cet abandon d'un langage intelligible est qu'en se privant volontairement des, des possibilités d'étonner son auditoire par autre chose que par des gestes, la musique atonale s'est privée également des possibilités d'évoluer en profondeur. On peut raisonnablement dire que depuis Webern ou Varese, qui offraient des œuvres véritablement inouïes, littéralement inouï euh, à leurs auditoires, le style atonal, qu'on l'appelle moderne ou contemporain, peu importe, n'a plus rien offert de véritablement étonnant depuis bientôt un siècle. Alors, il est très gentil de parler d'un siècle. Parce que ça fait quand même depuis les années 60 que tout le monde s'en bat complètement l'arrêt de ce qu'il appelle le style atonal. Mais le style atonal, ça n'existe pas. Il n'est pas du tout question d'un style. De quoi il parle Que personne n'ait produit une œuvre atonale au sens en fait qu'on puisse vraiment lui accorder. Puisque là, il joue beaucoup sur les mots. Il joue sur l'historicité du terme atonal en faisant comme si, dans une espèce de confusion totale, on poursuivait l'expérience Schoenbergienne, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il n'arrête pas de l'ouvoyer sur le sens général de atonalité. Euh, et dans ce là on peut dire que la quasi-totalité des musiques contemporaines sont effectivement atonales, mais du coup, ça ne veut plus rien dire du tout. Ça veut juste dire qu'elles ne se construisent pas selon le système hiérarchisé euh, baptisé sur les points d'appui hein, des deux types de gamme majeur et mineur. Et effectivement, euh, c'est pas vraiment l'optique et euh, le questionnement. On s'en bat un petit peu, mais soit il essaie de nous dire quelque chose de totalement imprécis, donc qui n'a pas de sens, soit il essaie de nous faire croire que des gens euh, s'éverturaient encore en ce moment à produire de la musique schoenbergienne. Ça, c'est pas vrai. Le moment d'histoire dont il est question depuis Schoenberg et ses conséquences, dont les plus tardives des dernières musiques sérielles, je l'ai déjà dit, c'est dans les années 50-60, euh, que ça ne produise plus rien, c'est pas plus surprenant qu'il y ait une absence inouïe de menuet ou de toccata en 2022. Oh, ça ne produit plus grand chose de fécond, les toccata et les menuet. Oh, il n'y a pas eu de motet composé l'année dernière. Oh, le motet est en perte de vitesse. Non, mais sans déconner. Le plus formidable tour de force de Ducrot comme de tous les conservateurs de son espèce, c'est d'en tirer la conclusion que ce tarissement euh, complètement naturel d'une source moderne serait résolu en allant têter des mamelles de marbre dans un musée antique. L'idée c'est que puisque Varese c'est vieux, notre salut c'est beaux-arts. Car les astuces ou les coups de génie dont les compositeurs de l'époque tonale faisaient usage pour séduire ou surprendre leurs auditeurs les poussaient à découvrir des mondes harmoniques parfois inexplorés dont certains ont été abandonnés et d'autres ont fait école au gré de la ah cette dialectique une fois abandonnée oui ça il est que la musique n'évolue plus en profondeur puisqu'on ne peut naturellement faire évoluer que des paramètres qu'on utilise d'où un paradoxe Très frappant. On va avoir un paradoxe frappant. Depuis une centaine d'années, on ne s'est jamais autant focalisé sur l'évolution de la musique et elle n'a jamais aussi peu évolué. Bon, ça, il n'arrête pas de l'affirmer. De... Alors, on a bien compris en écoutant beaucoup de musique euh, expérimentale contemporaine que ce qui lui permet de l'affirmer, c'est qu'il ne qu connaît pas. Il ne sait pas. Bah oui, bah forcément, vu de, vu de cette distance, il peut pas voir qu'il se passe des trucs là, au fond, là-bas, loin, loin, loin de lui. lui-même. Loin de son fauteuil. Hein. Très juste. Le pauvre, triste académicien. On prétend, dit-il, que le XXe siècle a beaucoup évolué, mais c'est faux. Il y a moins de différences entre les tendances d'aujourd'hui et Stravinsky qu'entre qu Beethoven et Wagner. C'est faux. Nous l'avons entendu. Juste. Essayer de faire des bonds d'environ 60 ans dans l'histoire de la musique, c'est édifiant. Par exemple... La passion lance Saint-Mathieu, la flûte enchantée, l'Owen Green et le sacre du printemps. Bach, Mozart, Wagner, Stravinsky. C'est des sauts d'une soixantaine d'années. Nous sommes tellement aguerris au statu quo que ça nous semble sidérant. Voyons ce qu'il en est avec l'atonalisme en écoutant maintenant quatre petits extraits. Euh, évidemment, court, avoir des tout petits bouts euh, de quatre musiques de compositions atonales, beaucoup plus larges, de hein. auteurs différents. Mais vraiment des micro-bouts, ça va être assez drôle. Hein. Donc là, vous reconnaissez, c'est peut-être un petit bout de Brian Fernéou. Je n'ai jamais su comment ça à se prononçait. Alors là, c'est plus vieillot, on entend bien. Il y a un petit côté varésien, même. Moi, je suis pas fou de ça, c'est Lyot Carter. Troisième non, on dirait même le Varese. C'est bizarre quand même. Non, ça devait être Varese le précédent. Ah non, c'est l'Octandre. Oh, ça fait des années que j'ai pas écouté Varese. Je sais plus. Ah, ouais. on sent que la espèce de Et tension extrait, un petit quoi, peu. En... Euh... Comment euh, Un peu narrative. Hein. Voilà, si pour jouer on entend bien, on fait grincer les cordes pour faire l'andouille. Hein. Quelqu'un pourrait-il dire lequel de ces extraits est manifestement beaucoup plus moderne que les autres Autrement dit, le classement chronologique saute-t-il aux yeux, bien sûr que non. Il pourrait quatre prendre quatre un peu avoir de temps ici. Après-midi, par un étudiant en composition d'un de nos conservatoires nationaux supérieurs de musique. Et s'ils l'avaient été, ils auraient tous les quatre été avalisés par le professeur bon. tant ils répondent aux exigences stylistiques imposées par la. Non, c'est pas vrai pour la dernière pièce, Il clairement. Pourrait, pas. À ce titre, figuraient aussi tous les quatre sans l'ombre d'une hésitation dans les bacs musique contemporaine de nos disquaires. Bah oui, pourquoi pas. C'est là que c'est quand même très très bizarre. La musique contemporaine recouvre une période extrêmement large. Donc, quel problème y aurait-il que le bac musique contemporaine soit assez large pour embrasser euh, une grande période de production À part la dernière pièce, évidemment, qui est une pièce de couillon, que, marrante, hein, qui est belle d'ailleurs. C'est une pièce drôle. Euh, où est le problème Si. Euh, un... Un disquaire euh, se piquait de faire un bac musique baroque. Euh, la périodisation de la musique baroque, c'est vaste aussi. Hein. Donc euh, voilà, ça couvrirait un large, pan. Euh... Que dire Eh bien, ces quatre extraits datent respectivement, dans l'ordre où nous les avons écoutés. On a dû entendre de faire des où, 2010, bah, est à 2010. 1985. Ça doit être Elliott Carter, 1923, Donc, ouais, le Mais Il y avait des accents hyper varésiens dans le Carter, c'était quand même évident. J'admets que faire figurer le dernier extrait dans une des oui, dans il cette admet. petite anthologie est une forme de facétie de ma part. Voilà, c'est une voulais... facétie. Il nous a fait écouter une des plaisanteries, il s'en faisait énormément, il y a tout un répertoire. Alors moi, si vous aimez euh, la, la façon dont euh, a été travaillé, je vous ai mis un petit lien, ça va vous brancher je pense, c'est très très chouette. C'est... Alors, où oui, je l'ai foutu cro Beffa, bus Debussy, voilà, les modes... Oh, merde ah merde Ah je voulais noter quelque part j'espère quand même que... Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait Il y a euh, un très très joli... Euh... Je vois si on peut le trouver là. En ligne sur YouTube. Est-ce qu'on peut trouver ça facilement Ouais, c'est là. Il est là. Je vous mets le lien. C'est du clavecin. C'est très beau. Je voulais vous en faire écouter un peu passage parce qu'il y en a quand même une pièce qui est très très belle euh, c'est pas rare hein. euh, les promenades du côté de la dissonance euh, que ce soit par jeu ou pas hein. mais euh, moi il y a un genre de mac que j'aime bien donc je vous mets le lien euh, des avant-gardes du passé qui est un très très bel album qu'on peut trouver en ligne alors euh, de clavecin je vous fous ça là qui est joué par euh, elisabeth euh, chojnakal je suis pas sûr de bien prononcer j'ai un peu honte je vous mets ça, CTRL V. Donc euh, la, la pièce que ce cornichon de Ducrot nous nous fait euh, écouter, et pas seul dans son genre, euh, à nous entraîner euh, sur des, des voies étranges de la dissonance, hein, euh, la, la petite pièce de Carlo Farina, le Capriccio Estravagante, qui est une pièce du 17e, vous allez voir qu'il y a tout un répertoire comme ça, qui est très beau. Hop, CTRL V. Voilà, euh, qui est super chouette. Et je... donc vous pouvez écouter ça. On peut écouter le Jean-Mac qui doit être normalement au point... Ouais c'est ça. On va écouter ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est une très belle pièce. Ça vous donnera envie d'écouter le bazar, je pense. Bienvenue chez le Morton Feldman du XVIe siècle. Je vous mets son petit nom. Rien attendre à ce qui va être joué, donc selon du c'est de la merde hein. puisqu'il déjoue toutes vos attentes, c'est du caca. Le droit à une note finale qu'on attendait, c'est la seule qu'on aura. <laughs> Ouf oh, On est soulagé, on a une autre cadence. Bon. Voilà, c'est juste pour vous dire que euh, la petite incursion euh, perfide de, de, du croc euh, me permet au moins de vous parler de choses vraiment cool, comme euh, ce qu'on vient d'entendre. Voilà, voilà. Euh, on continue. Cornichon, celui-là, alors. Profitez de l'occasion pour rappeler que, de la même façon que le monochrome a existé avant Malevich, l'atonalisme a existé bien avant Schoenberg. Alors, non, le monochrome n'a pas existé avant Malevich. Parce que Ducrot confond par un petit coup bas « merdique ». Exactement comme il l'a fait en prétendant en quelque sorte que Jules Verne était une sorte de visionnaire de la musique du futur et un musicologue, alors qu'il n'était qu'un pourfendeur de sa musique du présent et un incapable. Il fait exactement la même chose ici, puisqu'il sait, comme nous le savons tous, que euh, toutes sortes de gens détestant la musique, la, pardon, la peinture de leur siècle, n'y comprenant pas grand-chose ou ayant juste par plaisanterie envie de s'en moquer, et souvent d'ailleurs, euh, la cible de leur coup bas était des peintres aussi géniaux que Turner. Je serais très étonné que Ducrot ait du mal à nous dire de Turner, ou alors décidément, il est prêt à tout et n'importe quoi. Donc il, il fait comme si euh, les monochromes réalisés pour rigoler, pour se moquer d'une peinture. Euh, dont il voulait signifier à quel point, décidément, euh, on se moque de nous, donc des conservateurs exactement comme lui. Enfin, pas tous. Hein. Alphonse Allais n'était pas propre proprement parlé à un, conserva un conservateur. C'était surtout un petit plaisantin. Donc voilà, c'est un petit coup bas euh, par lequel il prétend qu'il y a une antériorité du monochrome. Mais la réalité, c'est que non. La réalité, c'est que une œuvre n'est pas déductible uniquement de la forme qu'elle prend pour être et pour nous pour apparaître. Elle est produite dans un cadre qui lui donne son sens avec un désir qui se structure d'un point de vue sémantique, intellectuel, poétique, uniquement du désir de celui qui le produit. Alors, qu'est-ce qui raconte les gens Bon, toi, tu commences à être cramé et du. Oh, c'est presque fini, tu sais. Ils t'épuisent. Tous les vieux plombages sautés et cuisent le trou de leur cul sur les bancs du Collège de France. On est à la fin, tu sais. Hein. Euh... De se voir si beau à ce miroir, grand bien leur face. Au fond, il aurait plus vite fait de nous refiler, s'entraîner. Les dates de la prochaine tournée d'André Rieu. Sur quoi, avant de t'endormir, tu nous laisses. Sur ton ordi, tu nous laisses. Et puis que je t'embrasse très fort, c'était vraiment très, très chouette. Bon, la fin, ça va être court. Hein. Euh, voilà, là. Qui est ce ducro, demande Insane euh, 600 euh, LOL bah, C'est un, un type qui a fait une conférence euh, en 2012 euh, sur euh, tonalisme et atonalisme et dont nous nous moquons parce que c'est bête, mais ça nous intéresse euh, surtout de voir euh, le côté conservateur. Enfin, Qu'est-ce que le conservatisme, qu'est-ce que les conservateurs veulent, quelle est leur vision du monde, quelles sont les armes par lesquelles ils se défendent et quels sont les tours de cochon rhétoriques par lesquels ils espèrent nous persuader du bien fondé, de leur vision désespérante du monde et de la création. Voilà à peu près qui est ce zozo. bah plus tard, Guillaume. Merci d'être passé, c'était cool. Au titre, souvent expérimental, de tentative d'imitation des bruits de la nature, ici c'est Carlo Farina compositeur qui a dû naître aux alentours de 1600. Cette œuvre est intitulée Capriccio Stravagante et dans le passage en question, il imite les miaulements des chats et les aboiements des chiens. Exactement, on est donc dans la configuration évoquée euh, tout à l'heure euh, du fait comme si, parce qu'un objet prend la même forme, il avait nécessairement le même sens. Ça n'a pas de sens. Il veut écarter le fait que reconnaître un objet pour singulier, lui dégager un espace de pensée propre, c'est précisément l'arracher à ses connotations. Qu'elles soient favorables ou défavorables, on s'en fout. Donc, dans le Capriccio, euh, la volonté d'imiter des de chat est une volonté connotative, d'utiliser un instrument pour détourner son timbre et lui donner un caractère, un tour amusant. C'est une visée, mais c'est une visée connotative. On pourrait dire c'est de la figuration. C'est un travail figuratif. On est exactement dans un mouvement inverse des tentatives d'abstraction dont on est en train de parler. Ça n'a donc aucun sens de faire cohabiter les deux comme si on avait le même objet. C'est pas seulement de la malhonnêteté, c'est de la bêtise aussi. Il y a une vraie bêtise frontale devant les objets, une incapacité totale à les distinguer. Il y a qu'une c'est de l'inculture sur l'éclatement extraordinaire et ahurissant des propositions musicales au XXe siècle, qui peut prétendre par ailleurs en donner un extrait dans les... ce qu'il nous a fait écouter. Il nous a fait écouter trois petites pièces, donc une de Fernéou, j'ai jamais su prononcer son foutu nom, j'en suis vraiment désolé, euh, un Elliot Carter et un Varèse. et il prétend nous raconter toute l'histoire de la musique du XXe siècle. Ah bah vous voyez, ça n'a pas évolué mais c'est dingue! C'est vraiment dingue! Il est évident que si vous euh, mettez euh, côte à côte, euh, exactement aux mêmes périodes, vous prenez un bout de Stravinsky, euh, un bout de Xenakis et ensuite un bout de John Zorn, ah bah oui, là vous allez faire une démonstration complètement différente. Vous allez dire, waouh, le XXe siècle, euh, c'est le grand écart quand même! Bah voilà! C'est méthodologiquement, c'est pathétique! Euh... Autant dire que l'expérience de nouveautés qu'on oppose généralement aux ah là, 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 là. dînes et tonneau, n'est-ce pas, Carole, n'est qu'un réflexe réto. N'est-ce pas, Carole Donc il n'arrête si pas de lécher en plus de la le type qu'il a invité, Carole Beffa, et qui, qui tient la chair à ce moment-là. Les pièces les plus éloignées, c'était pareil pour la plus ancienne, pardon, et fermé pour la plus récente. L'écart entre ces deux pièces est de 87 ans. C'est-à-dire le même qu'entre Les Impromptus de Schubert et Le Sacre du Printemps. Le moins qu'on puisse dire c'est que la différence stylistique est un peu plus frappante dans un cas que dans l'autre. Pourquoi alors ce piétinement relatif depuis tant d'années, c'est-à-dire depuis le passage à l'atonalisme Eh bien, c'est tout simplement parce que les similitudes entre les différents courants que l'atonalisme a générés et qui nous sont toujours présentés comme des langages propres voire opposés les uns aux autres, ces similitudes sont en fait beaucoup plus importantes que les divergences et que toutes les définitions positives qu'on a tenté de donner de ces systèmes et qui recensent ce qu'on trouve en eux, n'ont jamais réussi à les décrire avec autant d'acuité que le simple énoncé de leurs propriétés négatives, qui recensent ce qu'on n'y trouve pas, et qui sont très clairs, absence de tonalité, absence de pulsation régulière, absence de mélodie, absence d'harmonie. Voilà les seuls points communs à tous les systèmes à tonneaux autorisés. <laughs> Je vous laisse peser, euh, si vous le renversez, tout ce que ça veut dire si vous jouez le même tour euh, à la musique tonale, ce qui vous permettrait de les rabattre toutes les unes sur les autres. Ça n'a pas de sens, évidemment. Les euh, propriétés d'un grand nombre d'œuvres d'art extrêmement hétérogènes peuvent être aussi écartées les unes que ce soit des autres, elles peuvent avoir en commun des choses qu'elles ne sont pas. Ça ne nous dit rien sur ce qu'elles sont. Le fait qu'une musique comme celle de Griset, ou euh, que, euh, que celle de Radou Malfati, ou, euh, ou d'une musique brutiste comme celle de Mersbow, ne sont effectivement à aucun moment rabattus sur la construction hiérarchique du système tonal, ne nous dit absolument rien de ce qu'elles sont. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez ceci en main, vous ne pouvez pas imaginer, sans les connaître, ce à quoi elles peuvent bien ressembler. Le tour de passe-passe par lequel Ducrot prétend nous dire quelque chose de la musique du XXe siècle n'a aucun sens. Et si vous ne me. Croyez pas, on peut écouter un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Euh, quelques pièces, on y va. to 杨光下。 Voilà, donc ça c'est un extrait d'un morceau d'un groupe très célèbre de Noise euh, japonaise, de musique brutiste japonaise des années euh, fin, fin 70, début 80. Euh, bon, voilà, ah, c'est un petit peu le, le, dans, dans l'orbe des trucs de Merzbow, c'est les in Incapacitants. Continue. I do qui est plus bien. Hein. Voilà, ça c'est les incapacitants. Je ne reconnais pas du tout, qu'est-ce que je fous Je crois que ça un petit peu, donc je dis des conneries. Voilà, ça c'est les incapacitants. Voilà, c'est la musique euh, britannique japonaise. Bon, c'est bon, aucun reste qu'à faire. <laughs> bon, ça va, ça va, on s'y fait. Allez, je vous mets la suite. Là, je pense que peut-être vous allez reconnaître. Peut-être vous allez reconnaître C'était Jean-Luc Guillonnet et c'est Jérôme Oyama. Et on continue. Ça, c'est une pièce. Vous reconnaissez peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez le trombone à coulisse de Radu Malfati, un compositeur, un musicien allemand contemporain. Voilà. Donc. On vient d'écouter le Set British Incapacitants, le dialogue de saxophone euh, sur aigu et caisse claire Jean-Louis Guionnet c'est Jérôme Morayama. et là nous écoutons les sons étirés de Radu Malfatti. Ces trois morceaux qui n'ont aucune sorte de relation simple euh, euh, qui permet de les associer dans un seul mouvement embrassant, ont en commun effectivement, de ne pas avoir de propriété tonale. Oh Est-ce que ça nous permet de les anticiper et, en quoi que ce soit, de déduire de ce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont, ces morceaux de musique Ça n'a aucun sens. Alors, question, est-ce que ces références à Ducrot sont que des pianistes Non, mais son système fonctionne d'autant mieux qu'il est pianiste. Pourquoi un pianiste peut être obsédé par le système tonal Parce qu'il y a que pour lui que ça existe en vérité. Le piano, c'est un instrument tempéré qui corrige l'espèce le, de fausseté fondamentale du système sur lequel on a bâti la tonalité au départ, à savoir sur l'espèce de pari euh, grec qui ne fonctionne pas, qui n'a pas de réalité physique, d'une espèce de... Euh, Comment on pourrait dire ça de multiplicateur qui ferait aller euh, tout au long d'une gamme d'un endroit à un autre, à une espèce de rigueur mathématique. La vérité c'est pas le cas, c'est qu'il y a euh, y a un, un petit bout d'intervalle, un, un micro, un petit bout d'intervalle qu'on appelle le coma, qui fait que ça marche pas. Et quand on construit un piano, on n'arrête pas toutes les quintes. En fait, d'essayer d'avoir une quinte juste, puis après on refait la quinte juste, etc. Pour rattraper le fait que fondamentalement ça ne fonctionne pas. Le piano est un instrument qui a l'air incroyablement bien rangé, mais quand on le fait jouer avec d'autres instruments, les autres instrumentistes sont plus en difficulté. Longtemps d'ailleurs, on n'a pas pu produire une, de toutes sortes de gammes euh, bien avant, euh, qu'on commence à ouvrir au 17ème de façon théorique, euh, l'espèce de, de, le, il y a l'ouverture chromatique au 12 de biton, euh, la vérité c'est que l'instrumentarium à lui tout seul porte ses limites et interdisait de jouer ensemble euh, certaines gammes qu'on ne pouvait pas en voir en partage selon les instruments qu'on avait. « Quand tu joues du piano, tout ça a l'air de marcher incroyablement !» Mais forcément, le piano, c'est une blague de ce point de vue, quoi. <laughs> bon, on continue. Non, franchement. Euh... Alors, on continue. « Qu'est-ce que tu dis, Fulos ?» Pour des gens qui connaissent que dalle la musique, c'est du foutage de gueule, franchement. De quoi Du croc Mais Pour moi, oui, du croc, euh, c'est vraiment du foutage de gueule. <laughs> Alors, on continue. Cela étant admis, il est évident qu'on ne peut pas aller plus loin en termes vingtiémistes. On ne peut pas aller plus loin qu'une absence, de la même façon qu'on ne peut pas descendre en dessous du zéro absolu. Ce qui explique que si les compositeurs les plus romantiques, on les trouve à la fin du romantisme, les compositeurs les plus modernes, on les trouve au début du modernisme. Car on a pu renchérir le propos romantique tout au long du XIXe alors qu'on ne peut qu'appauvrir le geste moderne en le répétant incessamment. Sauf que ce geste moderne n'existe pas. Il n'y a pas un geste moderne, si vous voulez. Et tout ça, sans doute, bah parce que le modernisme, c'est fini depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire le modernisme qui n'est pas le problème moderne. Le problème moderne, c'était déjà le problème de Baudelaire. Donc euh, la question du geste moderne, il faudrait le rendre bien antérieur à ça. Mais il faut dire que... La période moderne ne correspond en rien. Euh, enfin, il n'y a, a, a pas un, une définition du moderne qui correspond à ce qu'il est en train de nous jouer là. Que ce soit pour les historiens, que ce soit pour les périodisations artistiques, on ne sait pas de quoi il parle à aucun moment. Mais il toujours. Enfin, il superpose toujours moderne et modernisme. Et ça, l'éloge de la transformation du monde par la nouveauté des dispositifs, des avancées techniques et sociales, ben c'est ça le modernisme. Hein. Mais tout le monde s'en fout depuis Rousseau et, et Marinetti. Ça n'a plus d'importance. Le modernisme, n'est pas plus le problème de Griset. Et pourtant, Griset, il tire profit de façon très nette des dispositifs techniques qui permettent de comprendre, de décrire la nature physique des sons. C'est même le fondement de la musique spectrale. De pouvoir, de la nature physique des sons, déduire des principes de composition. Et euh... Ou celui de Schaeffer pas non plus un moderniste. Et pourtant, Schaeffer, c'est un homme qui commence son travail euh, sur les bases de ce qu'il a appris en tant que technicien de la radio, et il traite les objets sonores à l'aide des dispositifs les plus modernes de son époque d'écoute et de transmission. Mais c'est pas un moderniste. Ou celui de Cage. Cage lui place sa musique dans un cadre et des préoccupations politiques très modernes, c'est les plus actuelles de son époque. C'est pas non plus un moderniste. Ou celui de Bernard Parmegiani qui lui utilise les synthétiseurs les plus innovants de son époque, mais c'est pas non plus un moderniste, c'est quasiment un romantique pour moi, parler de johnson ou même Johnson, on n'a pas arrêté de parler de Johnson, et pourtant lui il est extrêmement moderne, il rend sensible les fameux effets modernes, les, les, les plus contemporains plutôt de, de de, de l'abdication des frontières socio-musicales, entre le black metal, le free jazz, la musique savante, l'équateur à cordes de Ligeti. Euh, c'est un geste d'une grande modernité, mais c'est pas un moderniste. Donc, il y a toujours des gestes modernes. Mais la tentation moderniste, celle qu'on en sous, qu entend sous-jacente, qui est le substrat finalement de la vision euh, vindicative de Ducrot, mais ça n'existe plus. Ça n'intéresse personne, évidemment. De trois termes, le modernisme, ce plus l'objet des modernes. Alors, tu te posais la question par sa pratique du piano comme un prisme majeur déterminant ses si vues réduites. Bien sûr, j'en suis sûr. Ça fait cinq heures de stream, tu ne te souviens plus si ça avait été le soulevé. Non, ça n'a pas été dit, mais c'est important que tu le dises parce que je pense que c'est un facteur important. Ouais. On pourra toujours. Rajouter des notes à des clusters. Les clusters, c'est quand on met les coudes comme ça. On pourra toujours inventer des nouveaux bruits électroniques, un nouveau mode de jeu du cor anglais, de la clarinette basse. On pourra toujours couper les quarts de ton en 8 ou en 16. On ne produira de toute façon jamais l'effet qu'ont produit Webern et ses contemporains sur les auditoires de leur époque. Sans déconner, Plonger ce mec dans un concert de Mersboudy dit incapacitante, on verra si ça produit pas sur lui l'effet que Webern faisait sur les gens de son époque, à mon avis. Quelles que soient les nouveautés dont on se targuera d'être l'inventeur, on ne pourra que reproduire de ce style contemporain, qui n'y rien de nouveau et qu'on qu connaît par cœur. Le, le style contemporain, mais de quoi il parle Ça fait 5 heures qu'on est en live, on en a écouté des trucs ensemble. Vous dégagez un style contemporain et de qui se moque ce type quoi. C'est probablement la déclaration la plus tragicomique de l'impuissance complète de Ducrot à sortir de chez lui, à sortir de lui. Je pense que vous avez en tête toutes les écoutes qu'on a fait. Putain. Ce qui veut dire que ceux qui ont pour obsession aussi bien dans leur reconstruction de l'histoire de la musique que dans leur production l'évolution vers toujours davantage de modernité sont désormais empêtrés dans un choix qui les ferait frémir d'horreur s'ils s'y arrêtaient un instant, soit ils répètent le geste moderne, geste centenaire faut-il le rappeler, soit ils rétrogradent. C'est-à-dire soit ils font comme avant, soit ils font comme avant. Alors en dehors de cette déclaration de Ducrot, ce désir, cette formulation euh, du travail d'écriture et cette prétendue obsession qui n'obsède personne, il n'y a aucun lieu où elle vive. Il n'y a pas de lieu de vie pour cette obsession. Elle n'a aucun espace à habiter. Elle n'a aucune tête humaine à hanter. Ce n'est pas avec cette requête que se réveille un musicien. La seule raison qu'on puisse imaginer à Ducroux de croire que c'est de cette façon que se crée la musique contemporaine, qu'elle soit tonale, atonale, expérimentale ou pas, le problème dont tout le monde, je répète, se fout depuis un moment. C'est qu'il a probablement pas demandé simplement à tous ces musiciens, ce qui les hante vraiment. Et ça n'est pas ça. Ça n'est pas son pauvre fantasme d'interrogation. Dans les deux cas, répéter ou revenir, ils sont réactionnaires, nostalgiques ou révisionnistes. Ça c'est très très drôle. Le réac, qui réac exemplaire qui jacasse depuis de 52 le minutes. Rétrograde, mais très timidement, tout doucement. Les palinodis des uns et des autres sont d'ailleurs maintenant si nombreuses, surtout ces dernières années, que leur énumération serait fastidieuse. Notons simplement que les embryons mélodiques, harmoniques, les retours ponctuels de la pulsation régulière sont de plus en plus fréquents, quoique extrêmement timides, chez les contemporains patentés, ce qui les aurait fait frémir d'horreur il y a seulement quelques années. Donc, ça, c'est faux. On a écouté le Hakanto de l'Areneman, qui est probablement un des compositeurs les plus exemplaires de la musique contemporaine depuis une trentaine d'années, assez important dans son genre pas de problème avec la pulsation. D'autre part, on a évoqué Sivra et Shava, ils compose encore. Il y a plein de minimalistes américains qui n'ont pas disparu, ils sont toujours là, ils font leur truc. Il y a un accommodement potentiel. Chez Xenakis, il y a des, un nombre considérable de pièces où la, la, la pulse est là, il a joué à peu près avec tout ce qu'on pouvait imaginer. Ce type réinvente complètement un monde qui n'existe pas, c'est fou. Le Akanto, on aurait pu écouter Prodromides, une pièce post postmoderne plutôt années 80, vous auriez entendu, oui, il y a encore beaucoup de rapports à la construction tonale, à, aux constructions rythmiques un peu tradies. Il y a Einar Goebbels qui aime bien jouer entre les deux, puis il y a tous les musiciens américains des années 60 qui continuent tout simplement. La Monte Young, Giocondo, Apergis, par exemple, pour les années 90. Voilà, Apergis. Il a à la fois des constructions euh, euh, et euh, des déroulements dans le temps, des développements qui n'ont rien pour surprendre euh, une oreille euh, familière des musiques tonales euh, et puis euh, dont les, les préoccupations euh, rythmiques sont assez familières. Ça n'en fait ni un, un passéiste ni non plus une espèce de surgissement d'un truc. En vérité, tous ces courants sont Inext... Enfin, Intriquée pour construire le tissu des musiques contemporaines qui est très très lâche, très très vaste, très varié, très chamarré. Et si on écoute n'importe quel jeune musicien improvisateur libre aujourd'hui, donc une grosse partie des musiques contemporaines, euh, ce sont les musiques non idiomatiques, les musiques improvisées libres, ils sautent volontiers sans aucune difficulté d'une dimension à une autre, de la structure ou du son, ça ne fait pas de problème. Cette lecture linéaire qui voudrait faire croire une espèce de retour, ça a les mêmes caractères d'existence que la, pré la prétendue euh, comment, obsession atonale euh, ou, ou sérielle qu'aurait enlisé le XXe siècle. Tout ce dont on est en train de parler depuis 52 minutes avec lui, ça n'a pas d'existence. Rien de ce qui est dit là n'a de moindre raccord avec la réalité matérielle des musiques qui se jouent, qui s'inventent et qui se font en ce moment. Bah, plus tard, Fulos. Et à bientôt. Et je pourrais vous faire écouter dix autres extraits, dix autres compositeurs, et on serait arrivé à la conclusion euh, euh, inverse. Enfin, on peut démontrer ce qu'on veut en picorant trois pauvres bouts euh, comme il l'a fait. Ça n'a pas de valeur, en fait. Cette espèce de vision systémique, elle n'est pas seulement idiote et inculte, elle a surtout le défaut d'être systémique. Est il est enlisé dans une espèce de système dont il ne démord pas, et il vire de son paysage tous les trucs qui feraient un peu de tâche, Mais tout simplement parce que son paysage est une pure construction mentale, il vit dans son pays imaginaire. Alors si le retour avec des batailles imaginaires... Que même ses plus farouches opposants s'y adonnent à leur corps défendant, on peut à bon droit avancer que la vraie différence entre les néos et les contemporains, c'est que dans une démarche convergente, les premiers sont simplement beaucoup plus radicaux que les seconds. Or, la radicalité <laughs> étant un pilier inaliénable du modèle. On en arrive donc à ces choses merveilleuses. On est au formidable renversement traditionnel des, euh, des conservateurs. Donc. Les néo, en gros, les vieux, poussiéreux, fatigants, sont les vrais modernes. C'est pas beau ça C'est merveilleux. Modernisme, les anti-modernes sont donc plus modernes que les modernes. Cette aporie irrésistible mettent en lumière les faiblesses constitutives de la pensée moderniste dont les théoriciens n'avaient pas prévu, à ma connaissance, qu'elle portait en elle le terme de son propre reniement. Heureusement, on arrive si au bout. Hein. Être moderne, c'est refuser la norme. Que dois-je faire quand le moderne est devenu la norme bah Déjà donc, il n'y a rien qui ressemble aujourd'hui à une norme musicale, nulle part. On est dans une variété infinie des propositions. Et le moderne, ça n'existe pas. Donc cette phrase n'a pas de sens. Si mon professeur m'ordonne d'être moderne, tout en m'expliquant qu'être moderne, c'est désobéir à ses professeurs, que dois-je faire Ah salut, salut, Tita Yuma bienvenue à bord, Tu fais gentil de faire un petit raid' heure-ci. Et tu arrives juste à la fin, à la fin de, de ce live. Mais c'est quand même très, très gentil de passer. Merci. <coughs> Merci pour la visite. Bienvenue à tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Euh, tu me raconteras ce que vous étiez en train de faire, Titalioma. Euh, ici, bah, on décortique pas à pas depuis quand même. Salut Youk, depuis un bon moment, la conférence, c'est ahurie de Jérôme Ducrot. Euh, donc c'était long, euh, on a fait une écoute critique, on a fait plein plein d'écoutes de morceaux pour accompagner ça, quelques lectures de textes évidemment pour l'accompagner, mais là on arrive aux dernières minutes de la conférence et euh, le travail de ce pauvre Ducrot c'est essayer de nous persuader que les conservateurs sont finalement les plus modernes, donc il y a beaucoup de liens finalement avec le conservatisme artistique et le conservatisme politique, ce sont les mêmes armes rhétoriques, la même façon euh, finalement de, de produire leur tissu argumentaire, donc on a fait ça pendant pas mal de temps. Et on arrive à la fin. Et voilà. Et c'est assez dingue. Hein. Glitch nous dit il a appris une histoire de la musique, on sait pas trop. On parle avec le ton assurant que c'est l'histoire de la musique et façon de ces histoires. Ben oui. Donc on a une histoire euh, terriblement euh, étriquée d'un point de vue territorial. Donc une histoire blanche, mais blanche, mais c'est désespérant. Aucune espèce de connaissance du reste du monde. Et puis une faiblesse de vue sur le contemporain qui est absolument déprimante. Alors. J'ai même pas parlé de ses relations aux fameuses musiques populaires qu'il font de fantasmer, mais il est resté à bien poupoule, donc on est un peu mal barré. qui il ne doit pas en savoir grand chose. C'est assez drôle d'ailleurs qu'il réclame une réconciliation imaginaire entre les musiques savantes et populaires, alors que je suis absolument persuadé que si on le place le cul dans un fauteuil en lui faisant écouter du Beyoncé, il va pousser des petits cris. Donc de toute façon, ce type est un tissu de paradoxe sur pattes qui est juste obsédé par une seule vision, à savoir le retour à la tonalité. Pauvre homme. Et euh, ce qui est fou, évidemment, c'est que cette conférence ait eu lieu en 2012, qu'elle ait pu provoquer du bavardage, du pépiment euh, dans euh, les milieux musicaux jusqu'en 2016, et qu'au fond, j'en suis bien persuadé, quoi, elle abrite le fond vasouillard du reflet artistique de la merde politique dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est exactement le même putain de problème. Pour conclure, en tentant de répondre à ces questions d'apparence insoluble je voudrais citer deux témoignages troublants. On va continuer sur les si témoignages troublants de après Jules Verne et Barthes. Du malentendu et moderne. Le malentendu et qui émanent de deux hommes à peu près de la même génération, et tous deux, chacun à sa façon, inventeurs de la modernité esthétique qui a encore cours dans leurs domaines respectifs. Alors, personne n'invente la modernité esthétique. C'est pas comme ça que ça marche. L'art se construit depuis les œuvres. Les artistes font des œuvres d'art. Et la modernité, comme concept, ils ne la produisent pas. Elle en découle. Ou pas. Ça dépend des circonstances historico-sociales dans lesquelles, évidemment, ces œuvres sont perçues et reçues. Voilà ce qui se passe. Donc Marcel Duchamp produit des œuvres, par exemple. Ces œuvres rentre dans un jeu complexe de réception avec le monde qui lui est contemporain et la modernité comme concept, comme notion, comme devenir, ça se construit avec ou sans lui, selon ce qui va se passer par la suite. C'est pas quelque chose que lui, de façon active et décisive, produit. Personne ne fait ça. Ça n'est l'empire de personne. Personne n'a le pouvoir de faire ça. Je veux parler <laughs> de Marcel Duchamp et d'Arnold Schoenberg. Schoenberg, en 1947. <laughs> déplorant la mauvaise réception d'une de ses dernières œuvres de la part des musiciens écrite à un ami chef d'orchestre ceci la compréhension de ma musique souffre toujours de ce que les musiciens ne me considèrent pas comme un compositeur normal ordinaire exprimant ses nouveaux thèmes et mélodies dans un langage musical qui n'est pas complètement inadéquat mais comme un expérimentateur dodécaphoniste moderne et dissonant en fait poursuit-il il n'y a rien que je désire plus ardemment que d'être pris pour une sorte de Tchaïkovski amélioré ou encore que l'on connaisse mes mélodies et qu'on les fredonne. Duchamp, lui, quelques années après, en 1962, écrit à Hans Richter ⁇ Je leur ai jeté le porte-bouteille et l'urinoir à la figure comme une provocation, et voilà qu'ils en admirent la beauté esthétique. ⁇ voilà, là il sait faire rire les rires, sauf que Duchamp, visiblement, il ne le connaît pas. Je ne connais pas la lettre à Richter, euh, je ne peux donc pas attester de son authenticité, mais comme pour l'instant, Ducrot dit tout et n'importe quoi, il n'y a pas de raison de croire en l'existence pour l'instant de cette lettre, et quand bien même elle existerait, quand on est, comme je le suis, un lecteur de Duchamp, qu'on a une bonne connaissance de son œuvre, on sait également à quel point Duchamp est joueur, et... Ça, qui veut dire qu'il dit tout et son contraire quand ça l'arrange, dans les situations où ça l'arrange, mais aussi c'est un homme extrêmement intelligent qui sait que deux réalités peuvent se superposer, à savoir que un jeu, à l'intérieur du jeu, n'est pas dépourvu d'une fécondité au-delà de la façon dont s'est construite toute l'histoire de Fontaine, donc c'est une chose qu'on décrit dans le détail avec Gaël ici, et ça dépasse très largement ce que nous pourrions faire là, mais si cette question vous intéresse, l'histoire de Duchamp et de Fontaine, je vous renvoie à ça, c'est un long live que j'ai fait euh, avec Gaël et euh, qui, est, euh, qui est consacré à Marcel Duchamp, à l'idée qu'on s'en fait et à la connaissance de son œuvre, donc euh, j'espère que, que ça vous intéressera. Et c'est un peu autre chose que euh, cette vision grotesque qui fait marrer les amis du d'un type qui ferait une blague et une espèce de monde le prendrait un peu trop au sérieux. L'histoire de Fontaine est très longue. Avant que Fontaine porte ses fruits, et Dieu sait si ce geste artistique va porter un nombre considérable de fruits, et ce sont ses fruits qui vont cristalliser la modernité qui suit, et chose qui échappe à Duchamp, ce qui est normal que ça lui échappe. Il va falloir faire un peu attention aussi à ce que ça signifie dans l'histoire du XXe siècle, cette articulation sans cesse des œuvres entre elles et, euh, et la façon dont des artistes décident de euh, considérer des événements comme importants ou pas pour constituer leur propre histoire. Ce que Ducrot fait avec Duchamp en supposant euh, pour lui l'espèce d'abandon d'une langue d'avant, mais on peut pas plus mal le connaître marcel duchamp je l'ai déjà dit dans cette émission à gaël est un classique c'est un homme qui inlassablement revient à ses classiques questionne de façon extrêmement artisanale opiniâtre le matériau son inscription dans euh, les nombreuses expérimentations historiques des arts classiques ce pas une espèce de type qui jouerait au dé euh, sa présence dans le monde. S'il s'est formé d'abord dans la peinture, et c'est bien le rejet de ses peintures à l'intérieur d'un salon pictural qui va l'amener à prendre un certain nombre de décisions, c'est qu'il a, pour la pratique artistique, dans son cadre académique et historique, de la considération et il en attend quelque chose. Et c'est dans ce cadre que ses gestes, de toutes sortes, ont de l'importance. D'accord tu es complètement décalé avec le point abordé par Lolo dans le stream. Ah oui, avec le point du champ, mais c'est pas très très grave. Il faut complètement être ignorant de l'art des 20e et du 21e siècle pour prétendre que quelque chose a été manqué de la révolution du champien quoi. Quelque chose euh, sur quoi en plus repose un nombre considérable d'autres voix que le ce C'est pas comme si les gens avaient big le readymade pendant pendant un siècle. Il y a eu d'autres révolutions, d'autres embranchements de la création. Donc Duchamp s'articulait à ses prédécesseurs, comme Lorenzo Lotto avait pu être rendu possible lui-même par, par les siens. Et toute la profusion des œuvres du XXe siècle s'articule à son jour régulièrement aux multiples inventions de Duchamp. Et il n'y a que un touriste de l'art comme Ducrot qui peut résumer par ailleurs Duchamp au rédimène au détour d'une petite blague ou d'une petite anecdote très légèrement euh, moisie. Autrement dit. Celui qui se veut un continuateur respectable se plaint d'être pris pour un révolutionnaire et celui qui se veut un révolutionnaire se plaint d'être pris pour un continuateur respectable. Celui Duchamp ne se veut pas révolutionnaire. Ce type ne sait pas de qui il est en train de parler en fait. Il ne comprend pas que Duchamp, pour chacune de ses heures, se pose un nouveau problème. Il peut le faire avec légèreté. Ça peut donner euh, Fontaine, ou ça peut donner d'autres euh, ready Man, ou même le mot ready Man. mais ça peut être des œuvres colossalement longues à réaliser, comme étant donné le gaz d'éclairage ou euh, le grand verre, dans lesquels il investit énormément, croquis, prise de notes, temps matériel pour réaliser. Il le prend pour une espèce de gagman. Celui qui se veut déjà icône déplore d'être encore pris pour un iconoclaste, et celui qui se veut encore iconoclaste déplore d'être déjà pris pour une icône. Le fait que ces deux déplorations soient donc parfaitement contradictoires ne doit surtout pas masquer l'unicité du fait... On note par ailleurs que cette espèce de rapprochement subreptice entre Duchamp et Schoenberg n'a pour but que de les ridiculiser tous les deux, mais surtout de ridiculiser Schoenberg. Que Schoenberg veuille s'inscrire dans l'histoire des arts, ça n'est pas plus étonnant que le fait que Duchamp les fait très également. Mais leur approche... Respective de la question artistique est extrêmement différente. L'un et l'autre n'ont pas les mêmes perspectives, les mêmes vues, la même conception du monde, et l'un et l'autre ne pratiquent pas non plus les mêmes disciplines. Donc, cette tentative de relation, sur quoi elle repose Elle repose sur l'idée purement ducrosienne d'une espèce de socle qui serait le moderne, cette espèce de boule massive, une concrétion quasi spontanée du XXe siècle qui ne nécessiterait pas qu'on différencie dans tout ça des œuvres, des ambitions, des visions, des articulations au monde. C'est pas la peine, c'est le moderne, dedans, il y a quoi Il y a Duchamp, il y a Schoenberg. Il tout ça, tout ça, c'est le moderne. Hein. C'est le moderne qui fait les œuvres, c'est pas les artistes. Mon Dieu. phénomènes dont elles sont la lointaine conséquence, <coughs> car finalement que cet art du XXe ait été créé pour continuer l'art d'avant, version Schoenberg, ou pour en prendre congé brutalement, version Duchamp. Dans les deux cas, il n'y est pas parvenu. Cent ans après, on ne fredonne toujours pas du Schoenberg dans la rue. Et cent ans après, plus personne n'est choqué par un objet industriel exposé dans un musée. C'est devenu la norme. Pourquoi serions-nous choqués par le fait que les corps peints dans la galerie du château de Fontainebleau par le Rosso Fiorentino, soit à ce point contordu, monstrueux. D'une part, si vous n'êtes pas préparé à l'arme maniériste de cette période, vous pourriez même l'être. J'en ai vu d'autres, hein, j'ai déjà vu, je vous l'ai déjà raconté, de jeunes filles reculées avec effroi devant un tableau du 17e d'Artemisia Gentileschi. Donc c'est possible. Mais bon, mettons que nous soyons tous un peu cultivés du maniérisme florentin. Vous n'avez pas de raison, effectivement, en à la galerie de Fontainebleau, d'être renversé. Vous savez que ça existe, ça fait partie de votre vie. Pourquoi seriez-vous en quoi que ce soit surpris par l'arrivée d'un ready-made Non, mais ce que nous dit Ducrot, parce qu'il ne veut pas savoir, parce qu'il est incapable de mettre réellement son nez dans un musée. Ce qu'il nous dit, c'est pas du tout que c'est normal de ne plus être surpris par Duchamp, pas plus que le Rousseau-Fiorentino. Ce qui est la logique de l'histoire. Non, non, il essaie de nous faire croire que l'art contemporain, c'est pareil. Que c'est des gens, ils mettent des objets industriels dans les musées comme du chat. Et ils font ça depuis un siècle. Mais ça, c'est du bullshit total. Hein. Franchement. Hein. Du coup, n'a sans doute pas foutu les pieds dans un musée d'art contemporain peu depuis, je sais pas, depuis qu'il est né. Putain, j'arrive pas à me faire l'idée que ce mec est 7 ans de moins que moi. Ça me désole, quoi. Ce type est beaucoup plus jeune que moi. Je rêve. Mais va voir les choses, au lieu de parler de ce dont tu, tu, tu ignores tout, mon pauvre Ducrot. Ça n'a pas de sens, ce que tu dis. Personne, en ce moment-là, à l'heure qu'il est, n'est en train de mettre un porte-bouteille dans un musée. Ça n'arrive pas. Ah là là. Pourquoi alors ces deux paris, pourtant opposés, ont-ils été perdus Tout simplement parce qu'ils s'appuyaient sur un seul et même postulat, ah qui était l'abandon de la langue d'avant. Dieu se rit, écrit Bossuet, de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ici, les effets... Donc on l'a bien compris, l'abandon de la langue d'avant porte en soi un double problème absurde évidemment, c'est que de langue il ne peut pas être question, je crois qu'on a vu assez longuement jusqu'à quel point les tentatives de comparaison maladroite de Ducrot de la construction des œuvres d'art avec l'idée que ce seraient les mêmes types de problèmes que des problèmes linguistiques qu'on a vu ensemble, que ça n'avait pas beaucoup de sens, que c'était pas sérieux que c'était même assez ridicule mais si ce qu'il veut dire c'est que le point commun entre Schoenberg et euh, Duchamp c'est de se refuser à poursuivre le travail artistique commencé, c'est faux dans les deux cas. Il n'y a pas d'abandon de, euh, de ce long continuum de production et de transformation qui est celui des œuvres d'art. Ce qu'il veut dire, c'est qu'auraient été abandonnées les vieilles manières de faire. Bah ouais. Mais c'est exactement euh, ce que faisait Lorenzo Lotto. Il abandonnait les vieilles manières de faire. Tu sais quoi, ducrot C'est exactement ce qu'a fait Raphaël. Abandonner les vieilles manières de faire. Et mieux encore, c'est exactement ce qu'a fait le Chimabue et Giotto. Ils ont abandonné les vieilles manières de faire. Et alors Il ne faut pas faire ça Ce n'est pas le truc qu'il faut faire, abandonner les vieilles manières de faire Mais qu'est-ce que tu comprends en fait à cette étrange complexion de l'histoire des œuvres qui est un, un nœud absolument inextricable de relations avec les œuvres du passé et de renversement des euh, présupposés sur lesquels elles se sont fondées C'est les deux à la fois. On peut être à la fois en dévot de construction du passé et ne pas trouver nécessaire de les bégayer et faire autre chose, de les rendre présentes dans nos œuvres, par exemple, d'une toute autre façon que celle par lesquelles elles sont apparues au monde. Mais ça, je crois que ça t'échappe définitivement, mon pauvre garçon. Qu'est-ce que vous me dites dans le live, dans le chat, pardon? C'est censé être une conf préparée, quoi. Non, c'est vrai, hein. c'est d'une paresse. Alors, tu ne comprends pas ces sauts interdisciplinaires maladriles. Il se présente un essai sur l'atonalisme, il fait des rapprochements hasardeux, à charge souvent, ou inversement, apologistes, sans les approfondir. Il pense comme s'exprime et se déplace, comme le diable de Tasmanie, des mélodies c'est tout à fait vrai. C'est censé être une conf préparée, quoi, pas n'importe quoi. Euh... Oui, bon, je suis assez d'accord. Mais les Minéas dit, il s'est préparé dans un état d'esprit qui a pour but de tout dénigrer sans recul artistique, sans volonté de comprendre. Je suis d'accord. Voilà, il a raisonné sur le truc comme Taz. <laughs> c'est un peu ça. Mon Dieu, c'est ridicule. Les faits sont différents et tous deux déplorés, mais la cause est unique et doublement chérie. C'est la volonté théorique d'en finir avec la langue maternelle. Plus le temps passe, plus il sera difficile d'occulter la nécessité de revenir sur cet abandon de la langue, puisque c'est à lui et à lui seul qu'on doit toutes les sortes d'échecs. Voilà, bon, on va couper là, puisque c'est la fin. On, on s'en branle de ce qu'il va continuer à dire. Après, il va bavarder encore euh, une minute. Mais on s'en fout. On est un peu fatigué de l'entendre. Ça se conclut donc sur l'abandon de la langue maternelle. Je crois qu'à ce stade. Ça fait quelques heures qu'on est ensemble, hein. ça fait 5h25, je crois que le boulot n'a pas été mal fait. Euh... Finir sur l'abandon de la langue maternelle, je pense que ça ne mérite aucun commentaire supplémentaire. Vraiment. À ce degré de ridicule, je crois qu'on a atteint le fond du fond. Je pense que on a eu un bon aperçu de. Ce que pouvait vouloir, au fond, un esprit conservateur, il veut se sauver. Le vrai problème de Ducrot, comme ça a déjà été souligné, c'est qu'il n'est pas joué. Il n'est pas joué parce qu'il n'est pas jouable. C'est un compositeur de merde. Ce n'est pas la seule raison qui fait que les gens ne sont pas joués. Il y a des très bons compositeurs qui ne sont pas joués. Euh, Peut-être des fois parce qu'ils sont trop ardus à jouer, des fois parce que... Bah, Bien savoir, la reconnaissance, euh, c'est un tissu de hasard, euh, de rencontre, euh, ça repose pas uniquement sur le savoir-faire et le talent, mais sur plein de. de toute tout, tout une complexion euh, assez difficile euh, à dénouer des, euh, de l'existence. Mais en l'occurrence, si du lui n'est pas joué, c'est parce que sa musique n'a aucune espèce d'intérêt. C'est comme ça. C'est dur à dire, c'est peut-être douloureux, mais c'est ainsi. D'ailleurs, il a mis des années des années avant de la faire écouter. Je crois que ça fait très peu de temps qu'il s'est décidé à faire écouter sa musique. Et vous avez entendu. C'est pathétique. Il y a quelque chose comme une espèce d'aigreur déplorable dans tout ça. Le numéro auquel il s'est livré devant nous est souvent accablant. Le beaucoup plus encore irritant. Mais surtout, il décontenance quand même par la pauvreté des moyens qu'il se donne. Et ça... Wow, ça m'intéressait quand même de l'écouter avec vous parce que au fond c'est pas si fréquent d'avoir un objet pareil devant les yeux. Et puis surtout moi je pense vraiment que c'est une niche dans cette conférence à peu près toutes les aspérités de la machine conservatrice avec sa bêtise profonde. Sa volonté de ne rien savoir de, de la subtilité du monde dans lequel on vit, de son incroyable diversité, de sa richesse et de son hétérogénéité. Cette vision frontale, brutale, balourde, bécasse, mal armée devant tout. Là, on a un beau spectacle, quoi, d'une vraie tête d'andouille, un vrai front buté de taureau. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous a un peu intéressé. Euh, il est quelle heure les oiseaux Il est 2h54. Est-ce qu'il y a encore des gens euh, en live Il y a des pu Twitch. Intergalactique et, et euh, je vois pas un grand monde. Est-ce que vous avez des questions euh, je pense que tout le monde est un peu naze, il commence à se faire tard, je pense qu'on n'est plus très nombreux. Ah quand même, vous êtes une petite vingtaine. Hein. Euh, le compteur, là, m'annonce 25. Oh là là, vous êtes super courageux et courageuse. Je ne pensais pas que vous auriez tenu jusqu'au bout, parce que c'était quand même assez, euh, assez dense. Et euh, ben ouais, j'espère que ça vous a plu. Comme je ne vois pas trop qui pourrait aller aider. Depuis Twitch, je ne connais pas assez bien pour savoir si ça vaut le coup. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Examen de la loi d'orientation. Ah, oh, ça peut être intéressant. Ceci dit, on peut faire ça. Moi, je peux faire ça. Je connais pas trop, donc si ça se trouve c'est con. Euh, écoutez, je vous dis euh, à très bientôt. J'espère que vous êtes un peu amusé quand même, que c'était pas juste de la souffrance avec avec du croc. Je vous envoie, mais bonne nuits à toi, docteur Je vous envoie sur des pubs Twitch. Vous me direz si c'était bien. n'en sais rien. Moi, je vais, euh, je vais tout simplement aller me mater un petit film avec Agnès. Je suis très heureux d'avoir fait ce live enfin, parce que ça faisait un moment que je voulais le faire, que ça me démangeait. Et je vous dis à... Très bientôt et oui, je vous embrasse. Voilà, je lance le raid. Soyez gentils, hein, les raiders, euh, Essayez d'être euh, doux. Moi, je connais pas depuis Twitch, je euh, m'en souviens pas. Je, je sais pas ce que ça vaut. Euh, Comportez-vous bien. Et euh, bah, très bientôt. À très bientôt.